Bonsoir Twitch, je suis avec. Euh... Ah, Jax Crocodile Rose et Bran, apparemment, parce que je suis un sac à merde qui n'a pas changé les trucs. Euh... Ça va, Jex euh... Euh, Alors, Meokuini, c'est toi. Euh... Donc, qui s'appelle Jade. Pardon. Jade, Jade, Jad Cuit, sans F. Ensuite, on a. <laughs> merci, vous merci, Beto. Euh, ensuite, nous avons euh, Sir Mascox, qui s'appelle donc Lord Poupou. Ah non, je, je me suis trompé. Excusez-moi. Euh, John Attenborough. Hop. Et ensuite, nous avons Bran, qui est en fait Castor qui s'appelle Sarah Carter. Merci beaucoup, Lord Poupou. Moi, je dis ça, franchement, ça pète. Comme mon Lord Poupou, ça... ça en impose, tu vois. Il y a... En vrai, on pourrait faire un perso de JDR qui s'appelle Lord Poupou, ça passerait easy. Vous les entendez pas, c'est ça Voilà, vous entendez les joueurs maintenant, je suis désolé. Vous entendez Bonsoir. pas les, dents, les joueurs, je suis désolé. Bonsoir. Je vous Bonsoir. explique pourquoi, c'est parce qu'en fait, dans l'interface le... dans JDR Live, il y a une vidéo en haut et souvent, en fait, je mets son son en pensant que c'est le son des joueurs. Mais non, désolé. <laughs> euh. Oui, mmh, on n'entend pas. quel retournement incroyable. Bon, euh, Merci, la vieille Chabrette. Dites oh, les gens, vous préférez avec cette caméra-là là, ou autre autre caméra Est-ce que Mascoc, vais... son son est bas non, ou pas pour vous, vous le chat J'ai l'impression que c'est assez bas. Merci, Merci beaucoup, Cynthia qui offre 5 subs. Au chat, merci beaucoup à Castor Garou qui offre 5 au chat. On n'a pas fini d'entendre les sons de l'enfer. c'est un Mascox est un peu bas par rapport aux autres et. Par rapport aux sons et autres, vraiment, ouais, on est d'accord. Est-ce que tu peux monter ton son un petit peu, Mascox? Ah, c'est mieux comme ça, oui, Mascox. Par contre, il faudrait que je te cadre. Alors, parce que là, en gros, c'est caméra le cadre. Très, très bien. Ouais. tu attends, je vais te montrer, tu vois. Parce que après je peux décaler. Enfin, je... ouais, non, je peux pas, pas trop décaler avec Je précise que le pape est en train. Enfin, je sais pas si c'est le col ou le NEPAP oh, est en train je de me mettre anglais. Je vais juste le venez bouton qui est là, sinon vous. je vais pas finir le live. Donc euh, le son c'est déjà certainement un oh petit peu mieux. Et ah, donc là. Ouais. Attends je. Oh ah, je prends du plaisir à respirer en fait. <laughs> une heure, je ne me rendais pas compte oh, à quel le point le ça le me contre Putain la vache, désolé, excuse-moi, que je t'ai coupé. Non, pas de soucis, parce que là, la... là du coup, c'est ma cam de calendrier d'habitude. si je remets la C920. J'ai une petite séance. Ouais, après, le cadrage est mieux. Je fais ce que je. Mais, <laughs> euh, voilà. merci 4. aussi, Lundia fan. Vous avez déjà exposé le deuxième niveau du train de live. Vous êtes presque au niveau 3. Vous êtes à 3% du niveau 3. Euh... Tu vas te transformer en Tanou c'est tu être tout bleu. C'est vrai. Au euh... niveau 5, Maxime retire son papier et son opa. <laughs> 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 Pire, <laughs> le pire striptease <laughs> de l'univers merci Tens3 wow. putain Meok, c'est vrai que t'es comme c'est qui il y a Méoc et Jax en plus euh, du coup euh, étrange Mais vous avez tendance à partir en vrille sur le logiciel je sais pas pourquoi Attends, je te... là je saccade de ouf je sais pas ce que j'ai donc j'espère qu'il y aura pas de non. problème euh, où est le filtre du cul voilà il y a un filtre en fait qui s'appelle rain Rainbow Puke oui, <laughs> mère, <c> <laughs> et il marche très bien euh, dans ces cas-là. <laughs> merci Macraqueun et merci beaucoup Cynthiaine qui lance 1000 hein bits non, dans la dans la foule. Peut-être une solution. Ah qu'est-ce que c'est ta solution C'est très bizarre parce que attends. Ta vitesse n'était pas normale, Mascox. Ouais, il s'est passé un truc là. On est d'accord, c'est un pré-enregistrement de Mascox, on le sait maintenant. Merci Cynthia de nous avoir fait profiter de la musique de l'espace. Au niveau 5, c'est Poupou qui retire le nepap de Masking. C'est bon, il nous entend pas, on peut dire des saloperies. Il vole. Quel voleur Attendez. impossible Possible. Rendez-moi mon tabouret, monsieur euh, scox Ah. <laughs> en vrai, ouais faudrait, que, faudrait que je pense à le reprendre parce qu'en vrai, on va en avoir besoin dans pas si longtemps que ça. Mais l'autre fois, c'était impossible. As, en vrai, on a été trop con. T'aurais pu l'amener. Mais enfin. j'ai absolument pas pensé. Bah, moi non plus, mec. Sinon, je, je te l'aurais dit. Enfin, ouais. C'est con. Non mais on verra ça plus tard. Bah, au pire, tu l'amènes à Cannes. Je veux dire. <laughs> bien sûr. Pratique. Donc, eh, eh, je, je pense que. Euh, je peux le, vous l'annoncer officiellement avec des gros guillemets, mais normalement c'est bon. Nous serons le 20... 25 février, c'est sûr ouais, en tout cas. Ça. Le 25 février, nous serons toute l'après-midi au Festival international du jeu à Cannes. Euh, vous pouvez donc venir nous voir. Euh, on fera certainement, euh, on sera là. Alors, on sera sur l'événement et je pense qu'il est possible que euh, dans ce week-end-là, il y a un moment où on fera certainement un point de rendez-vous à Cannes ou à Nice euh, pour une petite IRL euh, sur une plage ou un truc comme ça pour être euh, à la cool. Euh, je veux dire, euh, de toute façon, on sera en fin février dans le sud, donc il fait quoi 20 degrés. Euh, et, et du coup, euh, en vrai j'exagère à peine. Hein, je pense qu'il qu En vrai je vais regarder la météo en ce moment ouais, à, ouais, je pense à Nice. Bon. Météo Nice. En ce moment il fait 12 degrés. Hein, euh, donc voilà. Et donc demain il fait... Enfin lundi il fait 16 degrés. Donc je pense que ça ira. Euh, et donc... Euh, et donc voilà, euh, donc vous pourrez et venir nous voir. Donc c'est la première fois qu'on fait une IRL dans le sud, et c'est la première fois depuis très longtemps qu'on fait une IRL tout court. Donc c'est cool. Merci beaucoup euh, Fayatman. Euh, en même temps c'est logique qu'il se prenne en chasse jusqu'à arriver à Mascox au dernier tournage. Heureusement qu'on a le deepfake. Oh merde, putain, <laughs> merde. trop bien. Trop bien. Ça, <laughs> le national géographique était nécessaire. Je tu pense. sais, quand j'ai vu j'ai vu ton commentaire, Oz, oh, je me suis dit lui va faire un montage à la bah con, oui, et je, je me suis, suis dit qu'est-ce qu'il va faire, bah faire un oui. montage à la con Et c'est trop bien. <laughs> euh, attends, je vais décaler un peu mascox Hop. pour que tu Je vais bouger ma cam. Hein, non non, c'est bon. En ça. vrai, c'est juste moi qui ai, qui recadré vraiment fort. Euh, euh, je sais plus qui était là. Vous avez vu même pour les lives JDR maintenant, on commence à avoir des caméras de ouf, même pour les joueurs. C'est vrai. Et des micros. Et, et des ah. pas de trucs en vrai. Euh, en même temps c'est logique attendez j'ai laissé c'est super bien rangé c'est chez Hermes très fenêtre chui c'est mm -hmm. les... après le feng chui fenêtre chui <laughs> c'est euh... niveau au dessus c'est le fait que c'est parce qu'il y a des boîtes qui sont en train d'être rangées mais à partir du moment où c'est pas chez eux les gens dans le chat vont dire que c'est mal rangé sauf ah, s'il y a rien c'est mal rangé pour le moment chez moi mais, euh... mais moi ce qui me fait rire c'est que du coup ça donne l'illusion que c'est à peu près rangé tu vois alors que là et là, ouais, je vois très bien l'idée. <laughs> si si, imaginez vrai, le, le côté, euh, on planque tout sous le lit, sous le tapis, c'est exactement ça. On, on en planque vrai, tout hors cadre. Mais, mais ah Moi j'ai pris l'option par avant. C'est pas mal. Aucune idée de ce qu'il y a derrière. Moi je trouve que c'est la meilleure option dans plein de cadres parce que ça permet de, ah, tu contrôles 100% de ton environnement, il y a pas de problème comme ça. Euh, tant que ça hors chance à ranger. Mais tout à fait. Merci Billy Bull. Vous avez donc validé le niveau 3 du train de live. Attendez, Cannes, c'est pas le sud. Venez à Montpellier, c'est le vrai sud. Alors, ouais, mais si vous habitez à Montpellier, vous pouvez venir. Vous n'en irez jamais plus loin que Cannes, je pense. Honnêtement. Mais en vrai, vous pouvez largement venir. Et si vous voulez nous retourner à Cannes, il y a un petit. C'est vrai qu'il y a une mémoire. Il y a un petit affect. Il y a un petit affect. Euh. Et on a de belles images. Euh, oui. Merci Zelda. Du coup, euh, coup j'allais dire un autre truc euh, par rapport à Cannes. Donc ouais, on, jouera, on fera certainement, alors ça c'est pas encore confirmé, mais on fera une partie d'un certain jeu de rôle que je ne peux pas citer, mmh. euh, qui viendra de sortir, euh, ça n'est pas Mir, je précise, mais euh, en partenariat avec Arkane, et du coup on fera une partie en live, donc normalement sur Internet, mais aussi en live en physique euh, là-bas. Donc voilà. Quelqu'un a-t-il un lien pour le JDR Mir Ah ben bah écoute, euh, Mar Marron, marron, chaton, bien que t'en parles parce que justement j'allais en parler de Mir. Euh, sachez que la vidéo avance euh, très bien. Euh, je vais même vous montrer un extrait. J'ai demandé, ils ont dit, d'accord, t'as le droit, Maxime. Cette fois-ci, on ne tape pas. Donc c'est cool. Je vous mets le <laughs> lien euh, quand même et je vous mets un petit extrait euh, pendant ce temps-là. Attendez, j'essaie de, de le trouver par contre l'extrait. Je vais pouvoir le prendre parce que j'ai reçu mon salaire. Euh, eh bien, beaucoup de gens attendaient, je sais, le début du mois et je comprends. Euh... Ah. Alors, où est-ce qu'il l'a mis ce con Il l'a mis ici. Voilà, vous pouvez avoir un petit extrait. Je vous mets pas le début. Pour la peine, je vous mets un autre passage. Euh... Toi, Parce que vous êtes. Euh... Parce que vous êtes. Euh... Enfin... Merci bon, là, voilà. beaucoup Friends Guys quoi, ouais, sera... et non, merci non, beaucoup Dampfacer. Je pas pas vais attendre la fin des. Ah mais non c'est déjà la fin du train de live donc tout va bien, tout va bien. Hop, je vous mets un petit extrait. Bonsoir. Merci oh mais bah, du ton. Euh, merci ah, Dampfacer. Fou. Attends, j'attends la fin du son. Je vais peut-être couper les sons peut-être. Hein. Voilà. Facer la vie de millions. Les survivants rédigèrent un pacte pour bannir ces terribles savoirs. Et une organisation fut fondée sur les ruines du cataclysme pour veiller sur les lois de ce pacte. La Mire et ses agents n'avaient qu'une seule mission empêcher la catastrophe de se reproduire. Donc c'est pas finalisé, mais voilà, vous avez vu un petit passage euh, comme ça, c'est cool. Les Illus mmh. sont trop belles. Et ouais, bah, les Illus, euh, Donc je rappelle que tous les illustrateurs sont cités euh, sur la page, justement de Mire, je vais montrer ici. Euh, franchement le jeu est vraiment sublime il euh, n'y a vraiment rien à prouver vous pouvez d'ailleurs je le rappelle maintenant parcourir un petit peu le bouquin pour voir la qualité de la mise en page qui est sublime je précise qu'il y a moyen de mettre euh, plein écran et du coup vous avez la liste des illustratrices et illustrateurs ici et euh, bah, clairement c'est du très bon hein. enfin ils sont tous excellents franchement euh, pour avoir vu tous les artworks vraiment vraiment très cool je vois ça au même, même niveau que Morgborg C est, c est Alors, tout pour, pour moi, c'est plus dans le côté de Dead Genesis, dans le côté classe de Dead Genesis. Là, là, attention, j'adore Morgborg, hein, mais Morgborg, il y a côté un peu crade, et c'est ça que j'aime bien dans Morgborg. D'ailleurs, dans... en parlant de Morgborg, j'ai reçu ceci récemment. Et... Donc, The Masticator Gate. C'est euh, ah, un, un sort de partie Ouais, c'est que. Ou Castor Garout est passé en mode full Jarbotron. Attends, deux secondes. Ah Ouh oui, tu as littéralement vomi sur ta caméra. C'est exactement ça. Voilà, c'est bon. Ouais, mais je sais pas pourquoi il fait ce exactement. bug là, temps. En, en... Bon, c'est tout. C'est joli. Euh, donc voilà. <laughs> Alors, donc, pour Mire, en fait, c'est la précommande pour le kit découverte, c'est ça. Alors, j'explique ça, mais je le réexpliquerai dans la vidéo parce que c'est important. C'est un livre zéro. C'est-à-dire que le but de ce bouquin-là, c'est de vous permettre de découvrir l'univers, de jouer et d'avoir tout, tout clé en main pour jouer. Faut le voir comme euh, le kit de découverte, par exemple, de L'Appel de Cthulhu ou le kit de découverte de, euh, comment il de Donjons et Dragons. C'est-à-dire que vous avez largement de quoi faire avec et vous pourrez jouer euh, des heures avec. Après, par la suite, la, la gamme s'épaissira, euh, mais si vous ne participez pas maintenant, bah, il vous manquera l'écran de jeu, il vous manquera euh, la base de l'univers, etc. Donc, c'est... Enfin, ça fait partie d'une collection, tu vois ce que je veux dire C'est genre, si t'achètes L'Appel de Cthulhu, euh, bah, il vaut mieux que t'aies le livre de base, et puis ensuite t'achètes éventuellement le, euh, le manuel du du, de l'investigateur, etc., etc. Pareil pour Donjons et Dragons, tu peux commencer avec le livre du joueur, puis ensuite le livre du maître du jeu, puis ensuite, euh, c'est pas le maître du jeu, c'est le maître du donjon, et, euh, et puis ensuite, euh, acheter Bestiaire, etc. Bah là, c'est un peu pareil. Vois ça comme le premier livre qu'il te faudra pour la suite, et puis honnêtement, c'est un Très bel objet, je pense. Voilà. Assez ouais. ultra top. Ouais, dire. Quand, tu sais, quand je parlais de Mark Borg, je parlais en termes de qualité générale d'ambiance. Ouais, ouais, non, non, euh, enfin, j'ai bien compris de que je parle. De... De... Ouais. Mais justement, c'est pour ça que je parlais de Genesis, parce que ouais. franchement, quand tu prends le bouquin de Genesis et Mir, t'as beaucoup de points communs là-dessus, euh, d'un point de vue positif. J'entends, Marc, on c'est pas du tout les mêmes ambiances, hein, qu'on soit bien d'accord. Euh, ton de... son est vraiment bas Encore, ouais. hein, j'ai l'impression. Mascox, on est d'accord ou pas les gens Chat. Moi, je l'entends correctement, mais... Ouais, c'est peut-être moi hein, qui suis... Chez TeamSpeak, ça va. Là, je suis, je suis à... La... Mais pourquoi il est repassé à 80% C'est vrai que c'est un peu bas, mais pas... Oh T'as a... Skype Non. Mmh, tu as eu le un logiciel Skype. de l'enfer. <laughs> Tape dans ta barre de recherche Skype. Est-ce que tu l'as La porte ouverte vers d'autres dimensions. Comment ça Oh, qu'est-ce que c'est que cette connerie Vérifie que Skype. ta dernière mise à jour Windows ne t'ait pas installé Skype dans ton Hop dos. là, désinstallation. En non, tour. il ne faut pas le désinstaller. Ah, trop tard, c'est en cours. Bah, peut-être que tu t'auras quand même pas le contrôle du son. Parce qu'en fait, c'est Skype. Il faut le retirer sur Skype pour ne pas l'avoir. Sinon, il l'a mis dans Windows. Il euh, faut réinstaller Skype. Ça va exploser. Mais alors, en vrai, c'est ça. Parce que quand j'ai fait les lives chez Chabrette, il me dit que j'avais des pops au niveau de mon son. Et mmh. du coup, euh, c'est ça qui fait ça. Ah, Skype n'est yes. pas devenu Teams. Euh, Nous, je ne crois, crois pas. Non, c'est deux choses différentes. Teams, c'est autre chose. Ah, c'est comme euh, Hangout et un autre truc de Duo. Google. Euh, Je ne sais pas comment il s'appelle. With oui, Duo, c'est ça Je crois. Peut-être. Ouais. Mais enfin, oui, teams, euh, teams était dans la suite Office, mais dans les trucs que personne n'installait. Et maintenant, ça, avec le nouveau Windows, il fait partie des trucs qu'ils mettent en avant. Euh, Est-ce que la V7 de l'appel de Cthulhu est dispo ailleurs que chez Sans Détour Lord Noden, ça fait longtemps que c'est le cas euh, tu peux la trouver sur Filibert avec notre lien partenaire euh, directement. Tu tapes point d'exclamation Filibert euh, ou point d'exclamation je sais pas c'est quoi l'autre euh, truc et donc c'est Edge qui l'imprime. Donc d'ailleurs je rappelle que ce live est plus ou moins en partenariat avec Edge dans le sens qu'ils m'ont envoyé donc aux portes de l'horreur qu'on fait ce soir. Regardez c'est vous là <laughs> avant que j'en euh, ai bien content d'être là pixelisé, mais... Bon bah je réinstalle Skype pour... Euh, le... ah, vous, vous vous voyez dans la <laughs> caméra pourrie, je suis désolé. Mais le live, le voit bien. Faites comme si vous étiez live. Waouh sont réelles J'ai déjà touché en vrai ce bouquin, donc je peux le savoir qui est bien. Ça, ça euh, va, c'est bon. <laughs> donc je précise que ce bouquin, euh, je vais quand même prévenir avant, c'est vraiment un bouquin fait pour des parties courtes, fun, clés en main, et extrêmement adapté à des débutants. Alors là, nous ne sommes pas avec des débutants, pour vous montrer que c'est juste le côté clé en main, euh, mais franchement, les trois scénarios reposent un petit peu sur le même gimmick. Euh, on va être honnête, euh, que je vous laisserai euh, découvrir pendant cette partie. Mais franchement, je le trouve pas mal. Euh, celui qu'on va faire ce soir, la nécropole, a été distribué gratuitement à une époque en VO, euh, et j'avais déjà lu. Et du coup, bah, je me suis dit que allait faire ce. Enfin, j'ai trouvé qu'il était bien, et du coup, c'est pour ça que j'ai permis de vote. Euh, donc, c'est le chat qui a voté qu'on fasse à la nécropole, mais franchement, c'est ce que je voulais faire, donc ça tombe bien. Euh, et le pensionnaire est peut-être celui, euh, un de ceux les plus originaux, je pense. Euh, voilà, la chose de la cave, euh, moins fan. Mais voilà. Hangout qui est en train d'être mis de côté par Google, c'est l'ancien Google Talk, mais maintenant il y a Google Duo, Chat et Message, et aussi ce qu'ils font, que... qu font que ce que Hangout faisait avant. Mais c'est waouh. T'as aussi un composant Windows qui baisse ton son. Oui! As, mais t'as un peu tout ça, ouais. Est-ce qu'il me remet mon niveau à 88 euh, gratuitement à chaque fois Bah ouais, là, il faut réinstaller Skype, aller dans les options, <laughs> il voilà. faut pas dé le désinstaller. Skype désinstallé, euh, réinstallé, ré paramètres, ici, euh, Donc dans paramètres, et vidéo. As un, ouais, et t'as un truc euh, géré automatiquement. Régler son, automatiquement les paramètres du micro, ouais, Tu le dé décoches, tu fais enregistrer, tu le laisses comme ça. Et en vrai, il vaut mieux le laisser installer. Parce que de toute façon, il le réinstallera. <laughs> Un Skype, jour. Paf, oh pouf. Et maintenant son. On y retourne. Tout va bien. Bonjour. Niveau. Et du coup, Maxime, ces trois scénarios, ils sont plutôt inscrits dans euh, Cthulhu V7 ou dans Cthulhu P Pulp ou euh, Alors, peu importe Ils sont vraiment plus que Cthulhu V7. Euh, maintenant, je pense que le, pour le coup, la nécropole, bah, c'est assez facilement adaptable à Cthulhu Pulp. Mais en fait, le truc, c'est qu'il repose quand même sur le côté Lovecraftien que tu peux pas vraiment battre ou de trucs comme ça tu vois mmh. donc alors que donc tu t'es censé pouvoir mettre une bastos entre les deux yeux du truc et t'en tirer quoi mais euh... voilà euh... Windows... Ouais. by the way si je veux acheter le PDF de Pulp pour préparer euh... oui pas de souci euh, tu... euh, c'est PDF... quoi déjà le... le quoi le site où on trouve les PDF euh, je sais pas s'il y a les PDF sur. Euh, Sinon, j'achète le livre, mais. Euh... Ce sera sur Filibert. Euh, Ce sera sur Filibert, n'importe euh, Je ne crois pas cas. que sur Drive-Thru il euh, y ait la version française. D'accord. Je regarderai je ça. Je ne ah, sais même je pas s'ils je... font. des Je ne sais pas. Je préviens que le son est revenu à la normale. Normalement. C'est vrai, là je t'entends vachement mieux. Et voilà. Euh, mais oui, Drive-Thru est, est pratique. On a un lien euh, <laughs> aussi à Drive-Thru, mais je ne sais pas s'il y a les VF. Euh, Moi, je regarderai ça. Edge, je, ils ne font pas forcément. Euh, et du coup, oui, euh, par Philibert, c'est pratique. D'ailleurs, je remercie beaucoup la personne qui a fait une commande que j'estime à plus de 500 <laughs> euros. Puisque, euh, puisque j'ai touché... a beau geste. Je ne sais, je sais plus combien j'ai touché, mais c'était près de 10 donc, euros. Donc, ouais. <laughs> Ça veut dire que la personne a fait une énorme commande. Mais euh, bah en vrai, sur Philibert, en même temps, tu achètes un jeu. D'ailleurs, je rappelle aux gens parce que plein de gens non, passent à côté je vous montre là il y a les soldes c'est cool tu touches 5% et que as touché 10 euros c'est qu'il a commandé pour 200 balles euh, non alors il a fait deux il euh, y, y a eu un truc euh, par rapport à ça et j'ai calculé que ça faisait 500 mais je sais plus c'était quoi mais oui effectivement ce que tu dis est vrai c'est peut-être 19 Attends. bref les calculs hein. <laughs> du coup n'oubliez pas l'onglet qui est ici qui s'appelle promotion euh, je vous invite vraiment à regarder parce que régulièrement il y a des trucs très cool euh, là, je vois qu'il y a notamment Hellboy, euh, le JDR, le... Enfin, le jeu de plateau, pardon. Hellboy, euh, Game of Thrones, le jeu de plateau. Il y a vraiment beaucoup de trucs. C'était toi, Mascox, qui aimait bien justement les Inside Legends. Mmh, euh, attends. Euh... Ah oui, ouais. Ah, j'en Du ai coup, temps. là, tu en achètes deux, tu as le troisième offert. Enfin, euh, mmh. beaucoup de trucs comme ça. Et il y a vraiment beaucoup d'offres. Donc, je vous le dis, n'hésitez pas à aller consulter leurs promos. Euh, moi, souvent, je, je me fais plaisir là-dessus. Euh... Euh, « Moi, la semaine dernière, j'ai pris tout Dead Genesis en passant par ton lien. » Ah Ben, bah, c'était peut-être ça, alors. Ben, bah, NRPosix, très bon choix. Hein. Euh, Dead Genesis, c'est du très très bon. Euh, dommage que la série soit morte. Euh, et euh, alors, moi, je suis... Enfin, Sloppy, j'ai eu pas mal de mauvaises expériences avec Black Book, euh, notamment des expéditions qui mettent vraiment très longtemps, etc. Moi, je vous conseille quand même... Euh, pour, de saucy, pour, les, les, quand, pour les jeux de, euh, les jeux de rôle, de etc., Philibert, ça reste, euh, je trouve, le plus fiable. Euh, merci beaucoup, euh, Nidel38. Ensuite, pour ce qui est jeu de plateau, bah, moi, c'est vrai que je vais à la fois sur Philibert et sur Game Spirit. Pour ce qui est jeu de cartes, euh, bah, pareil, un Game Spirit, très cool. Surtout qu'avec euh, le code Glubierduck, vous avez, je sais plus si c'est 5 ou 10% de réduction. Et c'est valide en magasin aussi. Donc, euh, c'est cool. Mais ça, c'est encore autre chose. Euh... et par contre ouais pour les pdf pareil un hein, blackbook euh, je déconseille euh, personnellement je préfère vraiment drive through la gestion est vraiment plus adaptée T'as un milliard de moyens d'en avoir quand tu fais sur un kickstarter il t'envoient le lien euh, quand il le lien drive through directement sur ton compte etc c'est quand même plus adapté je trouve euh... Euh, quelle créature étrange se casse dans ce marais putain le lien s'appelle quand même Mascox Marais, donc... Euh... Merde, trop bien. <rire> <rire> un petit ah micro ouais, derrière. Bon, oh, C'est très menaçant, tout ça. Non, euh, Mascox, ton son a redescendu. Oh non. <laughs> non. Non. Le Skype ouvert, je pense. Ah ouais. Putain, les fils de... C'était un truc de ouf. Je... Attention euh, à ce que tu dis, Mascox. <laughs> Caraph, on va se faire censurer. Les fils, ouais. de, bah, les fils de méchants, les, les fils, fils d'ordures, tiens, c'est bien ça. On a, on a plus le droit de dire un certain mot. Oui. Il oh, y, y a les... un, com... <laughs> un commentaire qui a mis en avant le fait que euh, on, on dit beaucoup putain euh, dans sombre machination et je suis d'accord, mais c'est compliqué. Oh, c'est pas facile de pas dire euh... putain. C'est vraiment un mot. En plus, vraiment, moi, c'est un mot que j'aime vraiment beaucoup. Donc, euh... bah voilà. Euh... Bah, ça explique peut-être la mésaventure qui m'est arrivée cette semaine qu'il faut absolument que je vous raconte. Merde. J'ai partagé sur euh, Facebook euh, la saison slasher de Sombre Machination. Ouais. Et je me suis dit que j'allais la partager sur le groupe de JDR de la ville où j'habite, de l'association. Et au bout d'une heure et demie, j'ai eu un message d'un des administrateurs du groupe, qui est un des membres du bureau de l'assaut, qui m'a dit, alors je suis désolée, mais en fait, il y a des gens qui se plaignent de ta publication parce que c'est violent, donc on est obligé de la retirer. Donc Ouf. je lui ai dit, euh, ok, sachant que l'assaut, euh, pour être membre, il faut être majeur. Euh, voilà, il m'a dit, ouais, il y a des jeunes sur la page et tout. Je lui ai dit, ok, je n'avais pas notion de ça. Du coup, derrière, je lui ai dit quand même, enfin, c'est... C'est un actuel play d'une partie de Cthulhu, quoi. C'est ah, pas gore. Je même dis, même. Les, les gens, ils l'ont regardé avant de se plaindre ou. Ils disent, ouais, non, j'avoue, je pense qu'ils n'ont pas regardé. Euh... Je dis, non, parce que bon, juste... c'est du Cthulhu, quoi. Donc, à la limite, ouais. euh, entre guillemets, pour public averti, mais enfin, euh, ça va, quoi. Et, euh, et du coup, demain, il y a. Euh... Demain, il y a les renouvellements d'adhésion de l'assaut. Je vais y aller, je vais voir les gens du bureau et je pense qu'on va tomber d'accord sur euh, juste mettre euh, pour public averti sur ce bah genre bah d'application ouais, parce que, parce que, que pas... bah, oui. quand même... ça me paraît quand même plutôt adapté de partager son machination sur, bah, euh, bah, sur honnêtement... une page d'une association dédiée au jeu de rôle ouais. Ouais, qui, ça. dans ses statuts, normalement, n'a que des adhérents majeurs. <laughs> ouais, c'est bizarre. J'ai pas trop... J'étais bah un parce petit qu compliqué fait, quand même. Il y a trois trucs sur lesquels je suis d'accord. Un, les vignettes, enfin les miniatures YouTube peuvent être visuellement... Euh, oui, il y a, y a un crâne sur les miniatures a, YouTube cadavres, de, de ces trois vidéos-là. Après, okay. elles sont... Enfin, moi, je trouve elles sont... Plus, elles sont jolies, c'est artistique, oui. c'est pas, pas du gore pour le gore, quoi. c'est Oui, c'est un crâne, quoi. Ah, après, les thèmes abordés sont effectivement matures. Euh, oui. Euh, voilà. Mais après, justement, on est plutôt clair sur le fait que... Enfin, c'est pas quoi. gore en soi, ah, je non, veux dire... C'est euh, pas gratuit, quoi. C'est de la description des scènes, c'est pas vous vous êtes pas filmé en train d'essayer de faire un snuff movie, à mettre en scène les... les... <laughs> ça on sait pas, mais... Euh... <laughs> ah mais ok, elle fait des snuff movies sans ça, euh, pendant les <laughs> tournages et tout, elle est là... Ouais c'est gênant, fait, souvent, on lui a dit de pas vient, les diffuser. Mais elle vient, elle balance un couteau au milieu, c'est euh, pas pour qu'il y a Mascox et Eric qui discutent, elle balance mmh. le couteau, elle fait euh, « Ah mince, ce couteau est tombé, t'as entendu <laughs> ce qu'il <laughs> a dit, Mascox ?» Eh, c'est chaud quoi C'est vrai que je viens que... d'apprendre ce que c'était qu'un snuff movie c'est vrai ah. <laughs> putain, ne nous remercie bon. pas bah écoute va sur internet tape oui mais là, là je viens livre. de l'écrire sur le va. c'est exactement ce qu'elle vient de faire c'est pour ça que j'ai dit putain d'ailleurs oh l'innocence ah. Ouf. Bon, d'accord okay. l'innocence la naïveté c'est tellement beau c'est beau ouais <laughs> d'accord euh, ouais c'est vrai j'en fais beaucoup ouais. <laughs> euh, Night Midif bah, tout à fait Enigmidif pardon Oui, euh, le but était vraiment d'avoir euh, des refs aux années 70-80 <laughs> en gros euh, bah, à chaque fois moi j'essaye d'avoir une, euh, de faire en sorte qu'il y ait une DA ultra travaillée autour de ce que représente la saison euh, et, euh, et du coup, c'est Alexis, je rappelle, qui réalise les illustrations euh, des, des miniatures. Et justement, à chaque fois, enfin, il y a même des saisons où on s'est dit bon, euh, on va pas mettre ça pour pas que ça soit trop choquant, etc. Euh, voilà, il y a des trucs qui ont été censurés. Je pense qu'on qu devrait tomber d'accord avec le bureau sans voilà. trop de soucis oui, sur oui. une formulation parce que je sais ouais, pas, pas. Les gens qui se sont plaints, clairement, ils ont ils ont pas regardé ce que c'était. Ah non, je pense pas. Il bah n'y a, a rien de choquant. Clairement, il n'y a rien de choquant. Euh, pour, le, pour preuve en est, ma mère regarde euh, de temps en temps et elle ne m'a jamais dit, euh, voilà. le seul truc qu'elle m'a dit, c'est... Tu dis beaucoup donc. Euh... <laughs> Ce qui est vrai. Merci beaucoup, euh... ouais. Miamiou. Donc on euh... préviendra quand je partagerai. Attention, on dit beaucoup, putain. <laughs> voilà. Attention les enfants, ne regardez pas. <laughs> Tu, tu me feras penser, si, si on n'oublie pas après le live, mais euh, j'ai un pote qui m'a fait une critique qui pourrait euh, t'intéresser. D'accord. Euh, okay. Ton son est encore bas. <laughs> Pourtant, j'ai déconnecté le truc de con. Là. Tout à fait Newman, c'est la façon la plus constructive de procéder. Euh... Qu'est-ce que t'as dit C'est pas de s'en connaître. Là. Ouais, ouais. Souvent le cas. Hein. Euh... Euh, mmh. J'avais vu un commentaire auquel je voulais répondre tout à l'heure. T'as pas fini de perdre un tir la jeunesse masculine me... Jamais. Il <laughs> euh, y a un truc que je ne comprends pas avec Blackbook, voilà, c'est qu'ils font beaucoup de financement participatif, c'est normal. Alors, surtout, euh, pour moi, il y a une différence entre un crowdfunding et une précommande. Les crowdfunding, je comprends, sur pas mal de produits, t'es obligé. C'est-à-dire, euh, tu peux pas lancer wow. la production euh, d'un truc sans être sûr que les gens. Euh, en veuille, euh, etc. Mais... Euh, c'est rare, ça doit être rare. Euh, merci Dim Dim. Surtout pour une grosse maison d'édition, tu ne peux pas gérer la création de projets à l'infini. Euh, et l'autre problème, c'est que bah, ça implique le fait... Enfin, crowdfunding implique l'échec. C'est obligatoire. Là où une campagne de précommande, normalement, c'est pas la même chose. Une campagne de précommande, c'est... Tu l'achètes et littéralement, dans les mois qui suivent, euh, tu l'auras. Alors, sauf dans le cas de gros produits euh, hyper spécifiques, euh, CF, euh, Forbidden Lens, où forcément, ça va être un petit peu plus long parce que tu as une boîte avec des objets euh, particuliers, etc. C'est un peu plus compliqué à faire. Euh, ou quand il y a des, des dés très particuliers, enfin voilà. Mais par exemple, bah, je prends l'exemple de Mire. Myr, c'est une précommande. Donc, tu l'achètes, tu l'as un ou deux mois après et bah, tu es tranquille, tu vois. Euh, donc ça, j'ai n'ai pas de problème du tout avec les précommandes. Je trouve ça plutôt sain. Pour, euh, parce qu'en gros il bah, y a plein de maisons d'édition ils peuvent pas se permettre de lancer un produit sur un marché où ils savent pas si ça va marcher est-ce qu'ils vont en vendre 30 ou est-ce qu'ils vont en vendre 4000, euh, ils savent pas donc ça c'est normal mais, euh, mais par contre je suis pas fan des boîtes qui multiplient les crowdfunding euh, alors qu'il il bah, y a pas trop de produits livrés, enfin, c'est comme si nous là on reposait un, un Ulule pour une web série, ça serait bizarre en fait de genre bah oui mais on a deux en attente tant qu'elles sont pas sorties on fera pas d'autres ulule c'est sûr il y, a, enfin, y, a y a façon, aussi pas de ulules, je... Mais... Alors, je je sais que Warwind Warwood pardon ouais. <laughs> qui est une boîte de, de matos de jeu GD... de ouais matos de jeu de rôle ouais. de haute qualité <laughs> eux ils fonctionnent avec beaucoup de Kickstarter parce que en fait ils ont littéralement une usine maintenant euh, et en gros c'est leur ouais. moyen à eux de continuer, en fait ils, ont, ils font que d'investir, d'investir, d'investir à chaque Kickstarter, et en fait de prolonger des Kickstarters et d'en faire tout le temps bah, c'est un moyen de remplir la machine avec des commandes et des produits donc en gros le système de Wormwood c'est juste pour dire eh ben, c'est pas un financement vraiment participatif, c'est ouais. une sorte de précommande euh, qui permet en fait toujours d'avoir la machine euh, qui, qui produit des trucs quoi donc, je ne trouvais pas ça non plus euh, trop, trop bête. Alchémion, quand je dis qu'une campagne de crowdfunding implique l'échec, c'est que la création d'un projet implique l'échec. C'est obligatoire. Euh, je pense que si tu prends les stats de Kickstarter, tu verras qu'à mon avis, euh, c'est peut-être un 50-50. Euh, je serais plus sur un 25% au moins d'échec. C'est-à-dire que bah, tout projet qui est créé de, à zéro pour un, pour un crowdfunding a énormément de chances de foirer. Enfin, genre, ça représente trop de trop de temps, trop d'argent, trop d'investissement personnel pour ne pas avoir une chance d'échouer, c'est obligatoire. C'est un crowdfunding quand tu le d'ailleurs, je précise que sur Kickstarter maintenant, c'est marqué à chaque fois, dès que tu mets euh, le truc, c'est tu n'as aucune assurance que ça soit finalisé et tu ne peux pas demander à quelqu'un que ça soit finalisé, fin, tant que tant que tu as les preuves qu'il a donné euh, son meilleur pour le faire quoi. Mais euh, mais voilà, après il y a même des gens il y a des projets de ouf. Hein. Il y a des, des projets où le mec s'est fait voler l'argent par son équipe, euh, des, des micmacs pas possibles, des trucs avec euh, de, de l'argent non déclaré euh, que le fisc demande après. Enfin, il, y a des, il y a des histoires de fous euh, sur le crowdfunding. Là où, sur une précommande, on est plus safe. Encore une fois, je précise que je parle bien de précommande dans un cadre d'indépendant, d'accord De jeux de rôle, d'illustration, de livres, euh, voilà. Je ne parle pas de précommander euh, un jeu vidéo comme, je ne sais pas, par hasard, euh, un, un Call of Duty ou je ne sais quoi. Je et oui, je oui, le dis. chat est en train de faire un bordel son. Non, je, je confirme que mon, mon son ne fait, fait que de descendre et de revenir au niveau d'avant alors que Skype euh, est ouvert avec euh, le paramètre. Ouais. Tu as bien fait enregistrer tout ça dans Skype Paramètres, il est là. Paf, sur audio vidéo, clac, je clique. Et le, régler automatiquement les paramètres du micro et décocher. Ok, enregistre kit Skype, va sur Teamspeak dans. Il n'y a, a pas de truc à enregistrer déjà. Ouais, enfin, uh, kit Skype oui. après. Et va dans uh, Teamspeak, ensuite tu vas dans outils options. Oui dans capturer, pas, merci beaucoup Anchouine. J'y suis. Euh, dans capturer, tu rien qui met automati euh, son automatique, on est d'accord euh, Détection d'activation vocale, mode automatique. Ouais, ça c'est normal. Et dans euh, lecture... Hop là... Euh, automatic Voice Volume Leveling est décoché. Disactive. Ouais, il est décoché, oui c'est bon. Ok. Bon, bah je ne sais pas. <laughs> je, vois. je ne sais pas non plus. Euh, sans détour, on en a bien profité, il me semble. Non. Alors, sans détour, c'est pareil. En fait, c'était moi, un des trucs que je critiquais, euh, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de faire des crowdfunding. Le système, en fait, c'est de faire des crowdfunding pour payer tes crowdfunding d'avant. Parce que, euh, en gros, financièrement, euh, bah, un crowdfunding, ça coûte cher. Il faut savoir qu'il y a plein de gens qui se disent Ah, mais le crowdfunding, ils ont touché tant, donc du coup, ils ont tant de bénéfices, etc. C'est pas forcément vrai, parce que les, les coûts d'un crowdfunding montent assez vite, en fait. Et euh, bien souvent, euh, surtout dans les. C'est moi, une des critiques que je peux faire à Ulule et Kickstarter, c'est qu'il n'y a pas de paléo. Euh, S'il n'y a pas de paléo bah ça veut dire que tu peux te retrouver dans nous notre cas avec le solétrange ou où bah, nous à la base on se disait ah cinq mille euros ça serait bien etc ah, on a 25 000, bah oui mais du coup on peut plus faire le projet de base qu'on voulait faire en fait parce que bah on a eu cinq fois ce qu'on demandait donc du coup bah on, on on agrandit le projet sauf que du fait d'agrandir le projet bah finalement on dépense plus que 25 000, euh, beaucoup plus même et donc du coup ça c'est un problème pour moi et dans imaginez maintenant si vous avez demandé cinq mille et que vous retouchez 100 000. bah là vous voyez les projets qui les problèmes qui arrivent et qui euh, se multiplient donc c'est ouais, c'est un peu compliqué ah oui dans son etc tu peux peut-être y aller ouais mais alors je viens de faire que de me proposer ouais. Chabrette, donc peut-être que ça va mieux. fonctionner j'espère là on t'entend mieux en tout cas oui bah après ça va on verra tout à l'heure hein. <laughs> c'est comme d'hab c'est ouais. la magie des des trucs mais c'est un quoi comme micro Bird U. Ah, mais c'est un USB Ouais, exactement. C'est ça le problème. Oui, mais après, de toute façon, dès que j'ai fini tous mes trucs, je reprendrai le. Le stuff pour. C'est quoi Je me souviens jamais, putain. Il est insupportable de le prononcer. C'est Mythic Games qui enchaîne les Kickstarter, alors que, par exemple, celui sur Darkest Dungeon, prévu pour être livré en novembre 2021, est toujours en late-plate. Alors, euh, je précise aussi que, honnêtement, tous les Kickstarter qui devaient fabriquer des trucs euh, ces deux dernières années, euh, c'est compliqué de leur en vouloir, parce que, ben bah, voilà, le Covid a fait qu'énormément de productions ont été euh, ralenties de ouf, et voire même stoppées entièrement euh, pendant ce temps-là. Donc, c'est excusable. Euh, maintenant, à vous de voir à quel point... Euh, mais pareil, hein, y a, sur des grosses bottes comme ça, vous pouvez vous demander à vous faire rembourser euh, si ça vous dérange et tout ça. Généralement, c'est quand même livré. Hein. C'est juste que c'est livré longtemps après. Et l'autre gros problème de ces Kickstarter là, c'est que généralement, ils te vendent un jeu, mais en fait, quand tu prends le Kickstarter, enfin, ça m'est arrivé avec Conan. En gros, moi, il y a Conan qui sort. Or, je suis trop content parce qu'il n'y avait pas de réédition du jeu de base. Donc, du coup, ça me permet d'avoir le jeu de base. Sauf qu'en prenant le jeu de base, j'étais obligé de prendre l'extension. Donc tout, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le deal. J'ai l'extension, oui, sauf que j'ai tous les trucs qui ont été emportés par le Kickstarter avec, ce qui fait que j'ai genre 5 boîtes en plus de l'édition de base, sauf que ces 5 boîtes sont pas équilibrées avec le jeu de base, ils ont pas fait de playtest pour tout tester, enfin évidemment que non quoi et c'était le cas sur Dark Souls, c'était pareil 1000 boîtes en plus alors que je voulais juste le jeu de base, et ça moi je suis pas fan je trouve que c'est un côté hyper consommation qui est pas terrible et ça améliore pas le jeu en vrai donc, euh, c'est dommage. Euh, J'ai un Kickstarter qui a fini juste au début du Covid et tous les goodies étaient fabriqués en Chine. J'ai tout reçu qu'en décembre. Ouais, ah bah oui, c'est souvent le cas. Euh, euh, ce qui me dérange avec les crowdfunding, c'est qu'il y a de plus en plus et que les gros éditeurs font perdre la visibilité sur le Projet indépendants. C'est compliqué. Compliqué parce qu'en vrai, sur Kickstarter, il y a une vraie communauté, surtout sur le JDR. Euh, là, as, bah, même là, par exemple, tu as un truc qui s'appelait le Zine Month euh, qui était fait euh, tous les ans, qui n'a pas été fait cette année et décalé à, cette, euh, à, à cet été. Euh, et du coup, euh, la communauté qui avait prévu de sortir des trucs pour le Zine Month a quand même fait leur propre Zine Month de leur côté, etc. Donc, euh, tu as une grosse commu quand même autour de ça et tu as des projets euh, qui, qui explosent pas mal. Alors, pas autant que euh, les, très gros les très gros projets, pardon parle de Zinquest ouais. oui Zinquest pas Zinmont ouais. enfin c'était Zinmont c'est l'idée toujours ben, le une... il l'appelle comme ça, ça maintenant suivez ça c'est franchement cool les, les gens ouais. euh, ce truc là merci beaucoup Miamiu euh, tu regardes Awaken Dreams à la base c'est des indés maintenant c'est des monstres sur le plateau ouais c'est ça en vrai il y a énormément de, de trucs qui Qu ont quand même une plateforme euh, grâce à ça euh, hello ça tombe un petit peu comme un cheveu sur la soupe mais je vous ai découvert il y a peu et je suis vraiment hyper hyper fan et impressionné par votre travail voilà merci beaucoup merci à toi dostracquine euh, et, euh, et ben merci enfin je, je sais pas si tu parles de sombre machination ou juste de live jdr mais merci et je permet aussi de revenir sur un sujet qui a été abordé par pas mal de gens et que je vois euh, et j'aborde là parce que bah, je pense que c'est le bon bonne plateforme en fait oui il y a pas mal de gens qui disent oui mais moi en fait euh, dans sombre machination je retrouve pas le côté jdr machin et en même temps dans les live jdr je retrouve pas le côté aussi poussé niveau narration euh, parce que euh, bah, c'est deux choses différentes on peut difficilement avoir le niveau de narration de sombre machination dans un jdr euh, jouer comme un JDR euh, et en même temps on peut difficilement avoir le côté enfin euh, naturel on va dire euh, des live JDR dans sombre machination puisque bah, du coup l'un empêche l'autre en fait donc c'est pour ça qu'on fait les deux euh, et c'est pour ça que moi j'aime bien faire les deux j'aime beaucoup le côté sombre machination où bah c'est plus une histoire qu'on va vous raconter et les joueurs participent à cette histoire euh, à leur manière et Contrairement à ce que beaucoup de gens ils ont vraiment beaucoup de liberté en vrai hein, dans, dans plein de trucs. Euh, alors, je dis ça et le dernier enregistrement qu'on a fait avec Mascox, c'était <laughs> littéralement non, fais pas ça, lâche cet objet là. Ouais, fais ça. Euh, c'est <laughs> beaucoup plus <c> particulier. <laughs> c'est beaucoup plus particulier la raison pour laquelle on était obligé voilà. de faire ça. <laughs> mais euh, mais c'est, voilà, certains moments on est obligé de faire ça. Euh, par contre, les JDR en live, bah, moi j'adore pour le côté spontané, le côté fun et euh, bah là je sais que la campagne pulp ça va être trop bien euh, à l'avance je le sais très, très bien parce que oui il va y avoir des ratés et oui il y aura des trucs qui iront pas mais je m'en fous parce que c'est ça que j'aime bien en fait euh, et c'est pareil ça permet de faire des trucs comme vampire nous vampire ce que j'ai vachement bien aimé c'était le côté justement plus lent plus euh euh, reposer comme rythme, moi j'aime beaucoup euh, et je pense que c'est euh, intéressant pour, euh, pour plein de gens. Quoi. Côté campagne. Bah, c'est très drôle, c'est que j'en parlais tout à l'heure à un pote, ouais. où je parlais de sombre, des sombres machinations et des lives et j'étais trop content de faire ce live en me disant... Ça fait longtemps, ça fait du ouais, bien un live où je, suis, en fait. où je suis en mode c'est cool, on va faire du JDR et mais il y a moins l'intensité nécessaire ah, non, ça, que, le... que nécessite un, un sombre machination et ah. tu peux permettre de plus te marrer, plus te faire le con, plus tester des trucs qui peuvent plus te casser la gueule, on s'en fout. On, un live. on a bien rigolé quand même avec. Euh, ah la... non, elle était, <laughs> le, le dernier tournage était. Je extra. pense que c'est un des tournages où je suis... il y a un moment, il y a une scène, je ne peux pas dire ouais. pourquoi, mais <laughs> basiquement. Je me suis retrouvé, vous savez, il y a un belge, un machin, un truc dans un avion. <laughs> ben, J'étais dans une blague comme ça, en fait, face à moi, et je m'en suis rendu compte. Alors que putain, je l'ai écrit il y a un an, et que je m'en suis même pas rendu compte à l'époque. Et c'est là, le fait d'être devant les gens en costume, j'ai fait putain, pourquoi j'y ai <laughs> pas pensé avant et genre, c'est tellement évident, et ça m'a fait tellement rire. Et il y a beaucoup de passages où on pleurait de rire, Il ah, on a, on a, y, a, y a un moment où on a tous craqué. <laughs> C'était genre, il faut qu'on rigole là parce que c'est trop. Euh, J'ai une question sur son imagination. Il y a beaucoup de jets de dés cachés qui sont scénarisés ou il n'y en a pas et tu scénarises au fur et à mesure. Euh, il y a pas mal de jets de dés qui ne sont pas montrés au montage parce que pas forcément nécessaire. Euh, il, y a des, il y a des campagnes où il n'y en a pas eu, euh, ou pour ainsi dire pas eu, euh, notamment trois inconnus où je crois pas qu'il y ait eu de lancer de dés. Euh, et à côté de ça, il y en a où il y en a vachement et on les montre. Euh, bah, je pense notamment à Confinement Souterrain où il y a eu beaucoup de lancers de dés. Et vous verrez aussi euh, dans Urbex, il y en a, si je dis pas de conneries. Dans euh, SF. Dans, alors, dans SF, il y en a. Mais je sais pas si ça en sortira, on verra. Enfin, je sais pas quand elle sortira, surtout. Euh, pas tout de suite, en tout cas, c'est sûr. Euh, dans Solo, il y en a pas mal. Dans, bah, si, dans, dans Croco, il y en a. Hein. Oh, on en a fait. Bah, bah, euh, même pas. Et puis, alors, la plupart du temps, euh, Non, mais même là, on n'en a pas fait que à la, à la fin. Hein. Non, il non, y en a un, en a un plutôt, plutôt majeur. Il y en a on plein. un On n'a pas ouais. vu le résultat, mais moi, j'ai oui. vu. <laughs> C'était très drôle. Le, le fameux. Il <laughs> <Cette rire> y a une scène dans Croco, alors on l'appelle Croco, je n'ai pas le nom final, qui est magistrale, ouais, qui vous fera penser à Cult, lent. je pense, euh, dans le bon sens du terme. Et, et putain, c'est avec Mascox et la scène et... Il y a le moment où tu oh. es. <laughs> Elle est trop bien. Elle est trop trop bien. Euh... Ouais, je... C'est a... vraiment bien. Pour, pour la faire courir, je... dans ma tête, c'était en mode. Ouais! Fuck. <laughs> et... et ça arrivait tellement d'un coup. Bah, D'ailleurs, je... si vous l'avez pas vu, euh... là, vous avez donc euh... Croco qui est en train de chasser un, Cro... un croco. Mascox est en train de cras... <laughs> chasser un crocodile. Et là, vous avez Croco qui est en train de regarder des photos de Mascox à poil. En <laughs> vrai, <laughs> euh, ça va être cool. La, la saison est vraiment, est vraiment sympa, très différent. C'est euh, film On va voir les Pikes dans solo. Putain, viens de... tu viens de me faire penser à Mandalorian et ça m'a saoulé. Enfin, euh, pardon, euh, Boba Fett, pas Mandalorian. Euh, le retour d'une méga campagne type and NPA était prévu dans un futur proche. Oui Ça s'appelle Cthulhu Pulp et euh, ça durera euh, certainement deux mois. Et euh, c'est juste que là, en fait, il y a deux trucs qu'on attend. Un, que je puisse euh, réserver mes vendredis et que je ne sois pas surbooké de ouf. Et deux, euh, que euh, Nepo ait le temps de finir l'opening et il prendra le temps qu'il lui faut. Euh, là-dessus il euh, n'y a pas de souci mais du coup il euh, faut, euh, faut que ça se fasse donc je pense que ça sera pas en février mais je pense qu'en mars on pourra carrément euh, et je précise qu'il y a une bonne nouvelle c'est que il euh, y a trois joueuses qui peuvent être le groupe principal, et du coup, d'autres personnes viendront, et du coup, ça permettra d'avoir des switches dans les joueuses sans que ça soit handicapant. Donc, euh, ce qui est toujours bien, parce que bah, des fois, il y a des dates où parce que les deux joueuses qui étaient prévues, c'était euh, Cétrouille et Castor, euh, mais du coup, la troisième, je pense que ce sera euh, Zou euh, qui, euh, qui est dispo. Euh, et du coup, il y aura des switches, et bien évidemment, des guests en plus, notamment. Euh, Erk euh, et peut-être d'autres Bozeth Master si c'est ça l'idée enfin si je dis pas de conneries Maxime ah si si Cthulhu alors c'est Cthulop... pas officiellement ça parce que en fait je connais les gens et si j'appelle ça Arkham MPI, saison 4 les gens vont pas regarder donc ça s'appellera <laughs> juste Cthulhu Pulp sous-titré Arkham PI euh, mais du coup oui c'est la suite d'Arkham PI c'est dans le même univers qu'Arkham PI et il y aura des personnages d'Arkham PI dedans euh, je précise donc c'est la suite d'Arkham MPI. mais ça s'appelle Cthulhu Pulp pour une raison euh, toute simple, que bah, si on peut être en partenariat avec Edge, c'est plutôt cool. Et aussi parce que bah, euh, c'est plus vendeur d'appeler ça Cthulhu Pulp que PI, malheureusement. Mais ça sera toujours dans PI. Et puis ce sera effectivement plus orienté Pulp que ça, les oui, autres oui. saisons PI, Donc il faut le mettre tout en tout avant. Et euh... je, li je libère Moult vendredi de suite, s'il le faut. Tu le sais très bien que je suis très hypé par ça. Je connais pas. Vous êtes <laughs> <laughs> et j'aurais peut-être mon chapeau cette fois. <laughs> un petit chapeau raciste, toujours bien, Mascox. On reparlera d'ailleurs, je précise, euh, parce que c'est vrai que ça a été un problème dans une dernière saison, mais euh, euh, on reparlera à chaque fois du contexte. Euh, des épisodes de Cthulhu Pulp, etc. Euh, tout comme là, aujourd'hui, on parlera certainement du contexte euh, Égypte euh, 1924, euh, qui est pas forcément euh, idéal, euh, et qui, euh, ou dans lequel il ne faut pas négliger l'aspect... Euh, Colonialiste et euh, d'appropriation euh, de. Alors, appropriation littéralement culturelle, dans le sens qu'on vient prendre des choses, euh, j'entends. Euh, tu feras un making-of de sombre machination. Alors, j'y ai pensé, et alors avant, on ne pouvait pas le faire. Non, on va pouvoir commencer à y penser sérieusement, et, et en gros, ça sera sur plusieurs saisons, pour pas niquer une saison d'un coup, en fait. Et donc, euh, faire un truc sur ouais, l'écriture, le. Un des trucs que les gens négligent vraiment c'est l'organisation qui est peut-être le plus compliqué, je pense, avec elle... la maison de l'enfer. Merci beaucoup Seigneur Trickster. Euh... mais ouais euh, ça serait pas mal et puis même là, le côté mise en du place du, du matos c'est cool. ou ce Ah ouais, ouais en vrai, euh... Et puis on vous filmera aussi la dé mise en place. Ah oui, ça aussi c'est putain ça c'est chiant. Avec un point de vue de ces fixe ah, en accéléré, en c'est cool ça ce serait cool ouais en, en vrai ce serait tu un time -lapse. super ouais. cool je pense un time lapse et euh... mais aussi il y a des moments où on filmerait euh... notre euh, état mental à ce moment là euh, je que... pense que c'est le pire moi c'est le pire moment de, de tous les tournages de ma machination le Sans pire c'est quand on a fini de discuter de la saison et on se dit il faut qu'on range oh pourtant t'as passé as bien franchement il a passé la serpillère hein. <laughs> Entre ah les voilà, mouches ouais, mortes, il y, y, y avait avantage, y a pas, a 293 dessous, 000 mouches culé. mortes dans ce putain de tournage. C'était incroyable. Merci, mais je, Sans déconner, y il y a une pièce où Eric a passé aspirateur. On a avalé genre 200. On est revenu et j'ai fait Je sais que t'as passé aspirateur, Eric, mais il y en a autant. Et il y y était y en venu, train de mâcher. Et il y en avait. <rire> <rire> uh, te demande Mais si oh, c'est toi qui as fait les illustrations du dernier JDG ton... et il trouve ton travail incroyable, si c'est le cas. Oui, c'est moi. <laughs> et en vrai, elles sont vraiment cool. Et ce qui était très drôle, hein? c'est que je savais. Enfin, je le savais indirectement. Et, uh, et du coup, j'ai regardé l'épisode et vraiment. Je me suis dit, putain, ils ont vraiment fait un truc cool, etc. Et à la fin, j'ai été confirmé du fait que... Enfin, j'ai réalisé avant de voir le nom. Mais du coup, j'ai été confirmé que c'était bien toi. Donc oui, vous pouvez regarder... Alors, je sais pas si c'est le dernier en date maintenant, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Je ne sais pas trop. Je ne sais, plus je, si je sais me pas. Je ne depuis... sais pas. Euh, c'est l'épisode celui... de Nowhere. Ouais, voilà. et, euh... Je suis très flatté en tout cas d'avoir oh. été doublé par, euh, par le tavernier de Hearthstone. Et ça, c'est cool. C'est vrai, oui. <laughs> et, et... Mais il faut que, roi, ce soit, que ça soit doublé tout, sur euh... cool des illustrations. Euh, Fripp Sauvage dit je suis bien épais, mais pourquoi tu dis que Pie à saison 4 sera moins regardé, moins vendeur Parce que c'est le cas pour la saison 3, euh, parce que les gens se sont dit, ah j'ai pas vu les deux saisons avant, euh, je vais pas regarder, alors qu'en fait bah, la saison 3 est complètement dé détachée du reste, mais c'est toujours comme ça. Hein. Une suite de Delta Green de prévu, euh, Needle 38, techniquement, il y en a déjà eu une, euh, techniquement, il y en aura peut-être une autre, euh, et... Euh, On a un nouveau bébé Et ensuite, merci beaucoup euh, Senior ça euh, et ensuite, je pense qu'il y a une grosse campagne que je prévois à Delta Green, euh, mais je sais pas encore si je... Enfin, je sais pas dans quel cas je vais la faire, et peut-être qu'on va vous donner une possibilité de voter pour quelque chose comme ça, bientôt, euh, pour... Euh, sur le Tipeee. En gros, euh, en mars, normalement, vous aurez une offre, comme on avait fait à Halloween, pour avoir accès en avant-première à deux saisons. Euh, pas une, deux. Euh, l'offre sera moins chère aussi Là, ça sera une offre à 33 euros euh, qui sortira du 3 mars jusqu'au 30 mars vous comprenez euh, alors je crois qu'en vrai je dis de la merde parce que je crois qu'on est obligé de faire jusqu'au 31 oui il y a 31 jusqu'au 31 dommage si on avait 3 à 3 euh, et comme c'est 2022 x2 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 ça fait 666 bref euh, et donc du coup l'offre vous permettra d'avoir accès à deux, les deux, enfin à la première partie de la nouvelle campagne qu'on est en train de faire euh, donc la première partie étant Urbex, la deuxième partie étant je ne dirais pas quoi euh, et qui ont déjà été tournées et qui sont très cool, qui sont donc un premier gros bloc, il euh, y a un deuxième gros bloc qui arrive par la suite euh, et je ne peux pas non plus dire de quoi ça parle sans spoiler mais, euh, mais vous avez déjà vu des images euh, je lis les questions on vous fera, attends et vous verra vous on vous verra peut-être, vous appelez faire vos changements pour avoir des dates et avoir des... On va faire des déplacements. <laughs> euh, pour les dates, c'est plus simple qu'on ne pense en vrai. Ça va maintenant. C'est plus... Des fois, il y a des gens qui oublient des dates. Genre, le 19 jan... janvier, des trucs comme ça, ils oublient. Cette date-là. T'as dit rien, Mascox Merci beaucoup, Lux Ténébré. Hein Mais bah, du pas coup, Non Mascox ah. a oublié qu'il avait oublié le 19 janvier. <laughs> Il y a quoi, le 19 janvier hein Mais c'est quand on a tourné Croco. <laughs> ah, putain, et que avais... Oh, je... En fait, on arrive chez lui le 3 janvier pour le tournage euh, sci-fi. Et à un moment, on, on discute avec Rocco et tout. On fait, ouais, le tournage du 19 et tout. Mascox, Maskox, il fait, ah, mais vous avez tourné quoi et On fait, bah, on tournait avec toi, <laughs> quand même, Maskox. Il fait, mais je suis pas le dispo. <laughs> et on a fait, mmm c'est plutôt cirque aussi on en a discuté et tout il fait Non, oh, mais je suis pas disponible et du coup on a vérifié et oui il s'était trompé enfin entre décembre et janvier en fait j'ai fait j'ai fait un brain fart monstrueux c'était ça, après ça arrive j'ai eu des j'ai eu des, des mo derniers mois euh, euh, compliqués voilà on va dire ça euh... euh... va mieux « Oui, leur gars, le MJ, fait quasiment tout, les joueurs viennent foutre les pieds sur la table, c'est à peine, c'est n'importe le chip, c'est coca, et ils se trouve le moins va. C'est pas comme ça, dans son remachination. Euh, mais no. je, je, préfère, je préférerais organiser simplement une partie de JDR, ça serait plus simple. Là, il y, y a des twists dans l'organisation qui arrivent un petit peu de nulle part. Des fois, des fois, tu vas même pas dans un Airbnb, mais tu payes quand même 250, pour une, 250 euros de plus, euh, c'est-à-dire moitié plus quand même, euh, pour une plaque en béton qui a été détruite par je ne sais quel moyen, alors que tu n'y as pas été. N'y est pas allé, pardon. Euh, donc, ouais, toujours cool. Euh, D'ailleurs, que c'est le premier à répondre à ça, <laughs> ce que tu viens de répondre là, et, et j'ai vu que personne n'a répondu. Ouais, je vais relancer. Merde, à je suis la bourre, et j'ai fait, oh, cool. Euh, euh... Et oui, du coup, j'ai mis tout au dispo parce que je peux m'organiser en avance. Hop. Euh, c'est pas aussi que la saison 3 n'a pas de playlist ou c'est la saison 4, je me rappelle plus, dû avoir trimé pour les épisodes. Euh, non, il y, d... y a tous les épisodes à la suite. Hein. Attends, attends, attends. Ah, ou, ou bien j'ai fait une grosse connerie et, je... et tu viens de me la prendre. C'est possible. Arkham P.I. Putain, me dis pas que j'ai fait des conneries. Non, 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 non. Regardez. Il y a tous les épisodes hein. saison 1 jusque-là, saison 2 jusque-là et après saison 3. Et elles ont même un code couleur. Jaune saison 1, vert saison 2 et bleu saison 3. Oh, une canne et des cassée. Des vignettes très jolies. Ouais. Là, pour les vignettes, euh, bah, pour les. L'espèce, j'aime bien l'idée des... des vignettes un peu uniques euh, comme ça. C'est vraiment classe. Il y a une ambiance par saison et en même temps, il y a une, euh, un rendu visuel global bah. euh, cohérent. Euh, C'est possible... Euh, du coup, attendez, je continue à lire. La saison 4 n'est pas sortie. Euh... Senior Trickster, je suis d'accord. Euh... Et oui, la saison 4 n'est pas sortie. Euh... <laughs> Putain, moi je suis la patate qui reparle de mes dans l'épisode de Matrix, ça me tue. Je sais pas comment vous faites pour aller avoir <laughs> un souvenir de ça en fait. Je trouve ça incroyable. je tellement le, le quatrième rôle au second degré de, de nulle part. Genre... En fait, j'habitais dans cet appart avec <laughs> cette cuisine quoi. <laughs> ouais, c'est. Il y a un tout. côté, genre, je sais pas <laughs> comment ils font pour s'en rappeler, que c'est genre. Oui, oui, bah, je, je peux comprendre que ça fasse bugger, mais oui, euh, rien de rien de grave, rien de rien On pas capté. C'est elle pas qui important. fait euh, Alpha 5 aussi. <laughs> non, <laughs> non Non, 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 c'est, euh, je sais plus, je crois qu'il s'appelle Monsieur Seda <laughs> Euh, je vais aller me chercher un monster vous pouvez aller euh, faire pipi avant la partie si vous le souhaitez que tout le peuple aura sa propre playlist et sera dans la playlist Arkham Piri. comme ça pas moyen de le rater et comme ça il y aura 1000 playlists et ça va être le chaos euh... non là, il n'y a pas de saison 4 euh, quand même donc je, je pense que tu juste tu es fou pareil <laughs> Salut des mon katana, je vais refaire un tweet et je vais aller me chercher ma monstre. Comme ça les gens arrivent en pile quand je ne suis pas là, c'est parfait. C'est parti. Pour... Excellente stratégie. Ouais, c'est vrai. J'étais en d'horreur en Égypte. C'est. je me suis rendu compte qu'on n'a jamais fait de scénario en Égypte et je trouve ça ouf en fait parce que c'est vraiment un truc central de Lovecraft et... jamais fait en Égypte. Hop. Merde. Pour vous mettre dans l'ambiance, il faut mettre la musique d'installation de, de Pharaon. <rire> <rire> Merde. Oh, ça va être un gros cryo chamber, euh, nier J'avoue que ça, <laughs> ça, ça tombe bien. Euh... Hop, putain, il fait chier. Tac. C'est bon. Et c'est bon. Rince non plus, alors que c'est central dans le de enfin, c'est vrai euh, ce que j'avais dans l'arc-en-pied. C'est les moments rigolos qui finissent par presque dé définir les perso Celui de Mascox après la biscotte et la fenêtre, pour moi, c'était devenu vraiment un détective de bureau et pas du tout de terrain. C'est trop <laughs> drôle parce que c'est des trucs où c'est à l'opposé de ce qu'ils veulent. L'inverse en fait, c'est littéralement l'inverse. <laughs> bah, en même temps, euh, quand tu prends Henri de Gogo, euh, c'était ouais. pareil, c'était la même chose pour uh, Croco. Il était en mode ouais, son personnage plutôt, uh, plutôt classe et tout, et à la fin, de... <laughs> Henri de Gogo, parce qu'il a raté tous ces putains de GD. C'est vrai qu'il a vraiment beaucoup, beaucoup plus. S'il si y a un personnage qu'on peut choisir de tous, qui est l'opposé, les GD l'ont littéralement fait l'opposé, je crois que c'est Henri de Gogo, effectivement. Ah, il s'est fait <laughs> défoncer par les dés. Hein. Je ne mmh. crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait eu autant de malchance. C'était voilà. absurde. Ce qui me rappelle un, un de mes joueurs pour une campagne, où euh, c'était euh, à la base, son nom de perso c'était Ernest le Maigre. Et au fur, au, au, au fur et à mesure du temps, on l'a appelé Ernest le Borgne ou Ernest le Boiteux. <laughs> parce qu'il lui arrivait un, un paquet de merde et c'était censé être juste un bouseux qui ne euh, savait fou. pas lire. Enfin, tu vois, le, le bonnet du, euh, du groupe. Et au final, euh, c'était le héros du groupe parce qu'à chaque fois, ouais. dans les moments ultra critiques, c'était là qui brillait. Et c'était... de maigre à, à ouais. putain de... C'était absolument ouais. génial parce que c'était vraiment le héros malgré lui, du coup. Et c'était trop cool. Mais en même temps, euh, c'est vrai que nommer un personnage comme ça... Bah oui, euh, mais quand ça hein. passe, parce que bah, voilà. c'est physique, physique euh, ça peut passer. Mais du coup, le, le côté euh, définir un personnage dans sa tête avant de lancer la partie, c'est un truc qui est très compliqué. Parce que pareil, dans DD, dans il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi c'est un héros machin qui fait tel truc et machin et tout. Ouais, mais tu vas jouer, ça va tellement changer. Et dans Vampire, c'était le truc qu'on avait fait, justement, c'était qui puissent jouer un petit peu avant de définir leur personnage, parce qu'en fait, c'est dur de, de le définir. Quoi. Brenos qui réussissait sa discrétion et tout. Mais oui, mais c'était ridicule. Brenos, il, il réussissait des trucs pas pas logique logiques. Quoi. Euh, euh, si un prochain concours créa, ça sera sur Cthulhu Pulp, Ouais, je pense. Je sais pas, euh, j'ai pas réfléchi au, au concours créat pour l'instant. Mais ouais, peut-être que tout effectivement. Bon, je vais chercher mon monster. Vous pouvez aller faire pipi caca. A tout de suite. Moi, je vais me prendre de l'eau. Vous avez bien entendu, de l'eau. Moi, j'ai du thé. Moi, je vais recharger en eau chaude, tiens. Je reviens. De l'eau chaude Juste de l'eau chaude. <laughs> Oh là là. Bah oui, Bran, apparemment, uh, Mascox a décidé de s'hydrater avec de l'eau. Ça arrive aussi. Pendant que je suis sûre que c'était extrêmement épique. Ah non, ouais, j'ai déjà raconté mon anecdote pour ce soir. Désolé. Pénurie de café. Euh, alors, The Tense, j'essaie de réduire ma consommation, ma consommation de café, euh, notamment le soir. Euh, voilà, parce que j'ai des gros soucis de sommeil. Ouais. Et oui, je bois de l'eau. Oui. La fameuse O-Russe. -O <laughs> ouais, après tu dors en live le dimanche. Soir. Alors euh, Chabrette, euh, sache que le dernier live, euh, je te rappelle que j'avais en 48 heures 2 heures de sommeil, sachant on est en avec une journée de boulot plus un tournage sombre machination plus une masterisation. J'étais light le tournage euh, sombre machination, vraiment c'était un petit 22 heures de tournage je vois pas ce que oh, oh, sans déconner hein, le, 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 le ce week-end de là euh, ma à la fois détruit <laughs> physiquement mais m'a fait énormément de bien parce que en 48 heures j'ai tellement fait de trucs c'était cool euh, alors on a j'ai déjà dit sur le de, pa je pense que je pense le ferai mais je sais pas quand J'aurai un peu plus de temps, peut-être. Euh... Donc, n'oublie pas que tu le traître. Ouais. Et que, euh... du coup, tu dois les tuer dès que possible. D'accord. J'en ai 37 heures de repos, pas, pas de que travail. Incroyable. Tu Un jour, tu seras merci beaucoup, Ercos. Ah. Salut à toutes et tous. Et merci beaucoup aussi pour ton type, si je ne m'abuse. Je pense que c'était toi. 19 février. Qu'est-ce qu'il y a le 19 février J'ai peur maintenant. Normalement, je note tout. Je ne vous mens pas. C'est le 23, le prochain truc, Mascox, que te dois retenir, c'est 23 février jusqu'au 28. Ça euh, mesdames et messieurs, c'est un calendrier. <laughs> je vous jure. <suis> <laughs> Putain, on va entendre le... <laughs> Alors, il, est... il est pas là, il est en, il est en vacances. Euh, J'avais pris le livre pour Passion 13 et j'ai jamais compris comment jouer. J'attends de voir changer je joue. Ben bah, écoute, ça sera parfait. C'est masque masque, c'est donc ça, c'est trop. Oui. C'est la même personne. Ouais. Un peu de choses près, hein. Enfin, franchement, il y a... Tu, tu fermes un peu les yeux, ça passe. Euh... À quelques poils près, on est bon. Re. Re. Alors. Surtout sur la taille. Ouais, bah, c'est vrai qu'ils font un peu pas la même taille, je crois. Hop. Je suis pas si grand que ça. Hein. Bah, Mais bon, quand même. C'est ce qu'on dit. Je suis littéralement de taille plus que moyenne, parce que la taille moyenne d'un homme en, en France, il me semble que c'est 1m75. Je fais littéralement 1m75. Donc petit. C'est pas si petit ça. Non mais pour, pour une femme, c'est grand. Mais m 75 enfin Comment pas, ça flex <laughs> Tu serais pas dans le tu serais pas dans l'armée de, de Napoléon quoi mais euh, ah OK d'accord. <laughs> tu parles à l'époque, euh, bah, il y en avait combien que... des mecs qui faisaient 1m75 à ton avis Ils étaient oh, à mon avis, ils étaient pas très grands. C'est vrai qu'il y a ce côté euh, changement de taille avec l'époque et tout, ça doit être euh... Est-ce que, est que Napoléon aurait été capable de faire en sorte qu'il n'y ait aucune personne qui soit plus grand que lui Non, il faisait l'inverse. <laughs> mais justement, il n'était pas très grand. Il n'était pas très petit en fait, hein, Napoléon. C'est juste parce que son armée, il prenait des gens euh, grands parce qu'il voulait des. Enfin, c'était pas. C'était par rapport au fait que c'était des cavaliers, je crois. Où il y avait une connerie comme ça. Enfin, il y avait une connerie de taille, un, un truc de taille, ce qui fait qu'il était tout le temps entouré de gens grands pour l'époque, donc il paraissait plus petit. Mais en vrai, il n'était pas si petit. Mais c'est comme euh, le côté, on, on dit que Nicolas Sarkozy est petit, mais je crois savoir qu'il fait la même taille que, Franç que François Hollande. Et on n'a jamais dit que François Hollande était petit. Ah mais visuellement, ils ne font pas le même effet. Je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Mais après, fin, je pense qu'il y a d'autres éléments sur lesquels on peut tacler Nicolas Sarkozy. Je ne sais voilà, <laughs> euh, peut-être un peu plus significatif que sa taille, mais bon. Je veux dire qu'on pourrait genre s'attaquer à des personnes sur ce qu'elles pensent et pas ce qu'elles à quoi ressemblent. Voilà. Mais après il y a des pas. gens qui ont le combo des deux. Genre. Combo. Comme à certains euh, Z euh, qui. Euh, oh là là. Voilà. Hein, C'est un beau combo. Mais bon. Top. Parlons pas de ça. Sinon je vais. Si, alors, si par <laughs> contre on va parler de juste d'un ça... truc par rapport à ça en vrai. Je vous invite vraiment à regarder la vidéo euh, des historiens qui répondent. Euh, C'est. Euh, oui, oui. euh, euh, c'est une autre histoire. Manon Brie qui, voilà, qui a fait euh, une vidéo sur, euh, sur ça et c'est super intéressant. Oui. Même si vous n'y connaissez pas grand-chose en histoire comme moi, euh, la vidéo est très cool et euh, très ouverte à tout le monde et vous explique très rapidement justement euh, le personnage euh, qu'est euh, Z euh, par rapport à ça. Et du coup, euh, c'est vraiment très intéressant et vous apprendrez des choses, ce qui est toujours euh, une bonne chose. Le fait de l'appeler Z lui donne une aura de grand méchant. Non. Pour moi, c'est vraiment genre. La dernière no, lettre no de, no de l'alphabet. <laughs> <laughs> c'est C'est juste uh, no good. Oui, Lube, mais, mais dans ce côté-là, ah ouais. tu vois. Ah ouais, d'accord. Dans le côté méchant, Lubec, ridicule. Les ouais. enfin, Merci beaucoup, Thomas oh hein. Numéa. Bienvenue dans la maison de on, on attend la fin des 10 pour démarrer. J'aurais peut-être pas de dire ça parce que sinon ça va faire une boucle. Une... Ne faites pas une boucle une... oh, interrompue de ça, connerie il The... oh, y, y a Balkany aussi hein, qui ont en euh... hein. Ils sont pas mal, ouais. Vous voulez ah, aussi ouais. qu'on parle des NFT tant qu'on y est ah <laughs> ça, ce serait une soirée super pour moi. D'ailleurs, je rappelle que <laughs> toutes les affiches de Sombre <laughs> machination sont maintenant des NFT. <laughs> C'est marrant. Sur Twitter, pas vrai. sur Twitter, ouais. maintenant, j'ai eu des. Euh, eu Elles des... le sont sûrement notre insu. J'ai eu des gens qui m'ont suivi sur Twitter et j'ai vu NFT dans leur profil. C'est un Insta-Block. Du coup, le instant gogo, -go, j'ai compris que les NFT, c'était le mal, mais c'est quoi en fait Alors, <laughs> je vais résumer ça très rapidement. Ouais. Mais, oh là là, là là, voilà, euh, basiquement, les NFT, c'est que tu achètes un lien privé, d'accord Qui t'est euh, uniquement à toi, auquel seulement toi y as accès. Et ce lien est protégé. Par contre, la cible de ce lien n'est pas protégée. Donc, en gros, ça veut dire que tu peux dire « j'ai acheté à peu près n'importe quoi ». D'accord Parce qu'à la fin, ça peut être une image, ça peut être une coordonnée GPS, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Le problème, c'est que ce truc-là, en question, il t'appartient pas réellement, euh, qu'on soit bien d'accord. C'est juste, tu as le certificat du fait que ça t'appartient. Donc, tu peux acheter tout et n'importe quoi. Tu peux acheter un McDonald's, par exemple, en disant, c'est le mien, sauf que ça ne t'appartient pas réellement. C'est juste, tu as le lien de ce truc-là. Donc, ça s'appelle globalement une arnaque. Et euh, c'est une arnaque qui a pour but... En fait, c'est une arnaque euh, où tu, c'est comme un schéma pyramidal un petit peu. Tu cherches toujours quelqu'un pour euh, acheter ta merde, en fait. Donc, ton, le but c'est de faire valoir le prix de ta merde et d'augmenter le prix de ta merde pour vendre ta merde plus cher qu'elle ne vaut. Et donc, du coup, euh, une fois que tu as acheté la merde et que tu te rends compte que c'est de la merde, le but c'est de la revendre et d'être, euh, de trouver quelqu'un plus gogo que toi. Donc de à l'heure actuelle, ouais. il va y avoir énormément d'influenceurs qui vont faire, euh, à mon avis, la pub des NFT. Et à partir de ce moment-là, vous pourrez facilement les repérer et voir qui est un gros connard. Voilà. Euh... Selon Ubisoft, on n'a pas tout compris. Okay. Mais ça n'a... Enfin, j'invite... Il y a des clair. gens qui plongent. Enfin, oui, en vrai, que, euh... oui, mais pas tant que ça. En vrai, il euh, y a moins de 400 000 utilisateurs euh, de NFT dans le monde, ce qui est que dalle. Il euh, y a plus de PS5, il y a genre littéralement 10 fois plus de PS5 dans le monde. Ok. Euh, Arnaud tu apprendras qu'il existe un village en Ardèche qui s'appelle Mars. Donc si tu veux acheter des terrains sur Mars, tu peux. Trop bien. Euh, et j'invite à regarder encore. la vidéo qui s'appelle The Line Goes Up, euh, qui est de Folding IDs qui est vraiment vraiment très cool et euh, qui vous expliquera les NFT, mais aussi okay. euh, tout ce qui est crypto-monnaie de manière très claire. Cool, un petit peu à la euh, The Short. cut euh, the, the Shortcut The Short Putain, je viens de perdre. Euh, the Big Short. Mm -hmm. euh, et the donc. Line du coup, goes up, ok. Euh, donc voilà, euh, par rapport à Mais NFT, euh, encore une fois, hein, le but c'est juste une arnaque. Euh, il n'y a rien derrière. Et je précise aussi quand même que c'est une technologie qui a été avérée comme. Non efficace, le Web3 n'est pas une bonne idée si ce n'est pour vraiment une idée de euh, surface euh, genre par exemple de, de la bureautique on va dire simple mais c'est pas idéal et, euh, voilà. et je rappelle aussi que tout ce qui est Bitcoin etc c'était euh, pensé comme quelque chose de positif, à l'heure actuelle c'est quelque chose qui sert uniquement les riches et les gens qui ont, euh, qui ont pris des Bitcoins au début et qui n'ont pas lâché mais maintenant c'est plus possible de rentrer dedans et si vous... Enfin, si vous pensez que le bitcoin est une solution, ça ne l'est pas euh... donc euh, allez-y euh, regardez la vidéo là-dessus et Energivore c'est un problème euh... C'est un problème. Maintenant, c'est un problème du fait que ça fonctionne comme ça. Maintenant, c'est quelque chose sur lequel, en vrai, pour être honnête, tu peux trouver des solutions. Euh, on l'a vu avec les serveurs Internet qui ne consomment pas beaucoup plus à l'heure actuelle qu'ils ne, euh, qui ne consommaient il y a 10 ans, euh, enfin, il y a 20 ans. Alors que techniquement, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est juste que ça a réduit. Donc, je suis d'accord sur le fait que euh, c'est chaud. Euh, ça a toujours été une pyramide de Il ne faut pas devenir un crypto-bro. Tout à fait. C'est une arnaque. Euh, et il y a multiples formes d'arnaques là-dessus. Là-dessus, je vous rappelle une dernière chose avant de terminer là-dessus. À partir de l'année prochaine, ça sera contrôlable par euh, l'IRS, donc le service du fisc américain. Donc à partir de l'année prochaine, comme de par hasard, vous verrez que oh, ça va disparaître. Et, euh, et du coup, euh, comme de par hasard, plein de gens euh, essaieront massivement de vous en vendre cette année. N'achetez pas ça, c'est une arnaque. Et attention, c'est hein, dire que ne pas confondre technologie et personnel malveillant, ça revient à dire bah en fait c'est pas le problème des mecs qui qui les flingues c'est le problème des mecs qui tiennent les flingues. Ouais, la technologie est baisée hein, de base là-dessus. Malheureusement, la même chose. Et Moi, c'est euh... ça que je trouve quand même fascinant dans la, dans la démarche, c'est par rapport aux au studios de jeux vidéo qui sont mis dedans. C'est que, euh, je veux dire, on a de moins en moins de consoles qui peuvent être construites parce qu'on manque de cartes et de, 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 de ressources. Et ils se sont dit que c'était bien de faire un truc qui allait grinder encore plus et miner encore plus dans les ressources dont ils ont besoin pour vendre leur console, pour vendre leur jeu. Je ne comprends pas. Euh, en vrai, <laughs> ils, ont, ils cherchent juste un, un moyen de piner les gens plus facilement. Il n'y a pas d'autre logique derrière. C'est vraiment juste un truc où tu dis ça ne nous coûte rien, c'est un faible investissement et nous, il euh, y a un retour dessus. Au pire, il y a la pub dessus. Et c'est pour ça que, pour ça, que ça, ça évolue comme ça. Bref. Euh... Pardon, je... le jeu, le jeu... On va jouer. Des, mo oui. des, momies. des, des momies en Egypte. Et, et puis quoi encore ben Des poules pas in smooth. Euh, <laughs> je vais mettre la musique. Ouais. Et Vous oh, entrez dans là. le temple de NFT. Ah ah tain, tain. Nefertiti <rire> euh... <rire> Bien sûr. <rire> euh... <rire> Ça marche beaucoup trop bien, le, <laughs> le... Nefertiti. Je suis un peu bluffé. <laughs> euh, Je coupe les sons. Et voilà. Très bien. Nous sommes donc en 1924 en Égypte. Et pas n'importe où, mais dans la vallée des rois. Nous sommes le 26 novembre 1924. Vous travaillez sans relâche à coups de pelle, de bêches et de truelles dans la vallée des rois au cœur de l'Égypte. Le soleil vous frappe de plein fouet tandis que vous dégagez précautionneusement la façade d'une structure antique creusée jadis dans une falaise et enfuie depuis sous des millénaires de sable. Votre équipe d'ouvriers s'active telle une fourmilière et finit par révéler une porte. Et du coup, eh bien, euh, vous voyez qu'il euh, y a 13 marches qui descendent vers l'entrée scellée par un gros bloc de pierre. Je vais passer en revue qui vous êtes pour vous présenter. Nous avons donc. Euh, attendez, je vérifie quand même que je dis pas de la merde. Je vous ai distribué les rôles et maintenant j'ai un doute. Si, c'est bon, c'est bien ce que je pense. Nous avons donc l'archéologue. 36 ans qui s'appelle Jad. Enfin, Jade ou Jade Jade ou Jade Jad. euh, Ouais, on dit Jade. Enfin, hein, ouais, à moins présent. que tu veuilles dire Jade. Mais... Ouais. Euh, donc, Jade. Euh, Jade <laughs> Kui, euh, qui est donc euh, archéologue, qui est spécialiste des excavations en Égypte et euh, qui a obtenu eh bien, euh, des subventions récemment pour pouvoir faire cela. Et euh, je ne reviendrai pas plus en avant sur, euh, sur ces détails personnages, je reviendrai dessus avec elle. Ensuite, nous avons la professeure de langue euh, qui est donc Sarah Carter. C'est bien ça ?— ça fait. Euh, Et qui, euh, eh bien, du coup, euh, a étudié euh, les hiéroglyphes de Moyen égypte euh, à son collège de Londres, à l'University College de Londres, euh, et qui donc pourrait traduire euh, diverses hiéroglyphes si besoin s'en fait. Et enfin, nous avons le dilettante John Attenborough, euh, qui est riche, passionné euh, par des objets anciens et de valeur, et qui, euh, eh bien, euh, voilà, euh, finance de temps en temps euh, des, des fouilles, notamment celle-ci. Donc, euh, eh bien, euh, il, il est là pour ça. Il est riche. Je précise que vous êtes accompagné de deux autres personnes. Euh, un, son, un ancien soldat, en fait, hein, qui s'appelle George Anderson. Alors, attendez, je fais juste. Voilà. Euh, George Anderson, qui est donc soldat et qui est chargé, en gros, euh, de votre protection. En général, plus en particulier de la protection de... Eh bien, John Attenborough. Moi, <laughs> tout à fait. Euh, et vous êtes accompagné aussi d'un photographe euh, qui lui s'appelle Rowan, Rowen, pardon, Church, euh, qui est chargé de prendre les photos de l'excavation et donc qui travaille euh, plus en lien avec et euh, eh bien euh, Jade et Sarah. C'est la première fois qu'il joue un mec solvable, non alors, je pense que c'est la première fois que je joue un mec riche, pour de vrai. C'est vrai, vrai que j'avoue, je ne crois pas t'avoir vu déjà jouer un mec riche. C'est mon premier personnage dilettante. Voilà. Euh... Et justement, euh... et bien, vous rassemblez les diverses affaires que vous pouvez pour vous préparer à euh, célébrer euh, et, bien, et parcourir ce tombeau inexploré euh, alors que vous êtes... Euh... En train de, de vous préparer, et bien justement, les, les ouvriers font un système de poulies euh, tranquillement, euh, rudimentaire, et hissent l'énorme dalle de pierre qui bloque l'accès à la tombe, à ce temple, à cette nécropole. Vous ne savez pas exactement ce que c'est, hein, vous allez le découvrir. Et c'est là tout le, tout le plaisir qu'il y a. Vous sentez l'air vicié en sortir immédiatement euh, George Anderson se, se met entre vous et euh, l'entrée hein, en vous disant bon euh, attention parce que c'est quand même une grosse pierre on ne sait jamais avec euh, avec ces affaires là et du coup il y a Rowan qui arrive trépied en main son petit appareil photo etc euh, voilà hein, donc on est en 1924 donc c'est quand même un appareil photo qui est un peu euh, encombrant et qui dit mais pourquoi pas ne prendre une photo à l'entrée parce que du coup il explique que le soleil tapant fortement euh, sur le sable entourant, si vous n'allez pas dans l'entrée, euh, la lumière sera complètement baisée, et on verra juste rien. Donc en gros, il invite à ce que vous vous mettiez juste à l'entrée, en gros. Lui se met au niveau de là où était la dalle, et puis bah, du coup, il prend une photo euh, avec vous, vous trois ou vous quatre, euh, si vous voulez bien que George Anderson soit avec vous. George Anderson, lui, est plutôt euh, réservé hein, euh, et plutôt. Euh, 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 je, vais, je vais juste aller derrière euh, attendre euh, si jamais il y a, euh, je sais pas, un serpent ou une saloperie comme ça, on ne sait jamais. Non, non, quelle horreur. Du je j'acquesse et je, je reviens mes lunettes, mes amis, euh, c'est un grand jour pour nous. Je, 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 je me mets devant la, pour la photo, mais ouais. je sens que je trépigne d'impatience et ouais. que. Bon, on y va, là Monsieur George, dites-moi. Oui. Ma, ma moustache. Ah ben, bah, mais elle est très bien, euh, monsieur, ouais. monsieur C'est, mais peut-être vous mettre derrière, mesdames, euh, pour euh, pour justement euh, montrer, euh, on va dire l'éminence grise euh, qui, 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 qui gère tout ce projet. Euh, ça serait bien puis vous êtes un peu plus grand. Euh, puis votre chapeau est un peu plus. Enfin, il, il, il ferait de. Enfin, hein bien. Euh, Très bien. Euh, oui, et et, et voilà. Et, bon, et Sarah bon, plus. Bon ça peut-être un peu plus en avant, et donc vous comprenez que voilà, lui, il veut clairement mettre plus en avant, bah oui, les personnes qui ont participé activement à la recherche, plus que euh, Jonathan Borough qui a basiquement été là pour siroter son, son alcool de qualité sur le côté et fumer sa petite cigarette. Du coup, il s'apprête et tout, il est là, il se met bien, hop. Il se met hop, en dessous de son, sa, petite, sa petite truc et il fait On, on sourit, on ne bouge pas trop, hein d'accord Oui, euh, oui, du coup, oui, il, oui, il se bien. prépare. Et euh, donc, vous sentez derrière vous euh, que euh, Georges est en train de, de marcher euh, dans l'entrée le, dans du couloir qui est euh, sombre, très sombre, pour, euh, de votre point de vue. Du coup, il, il s'apprête à prendre la photo et il... il fait le flash, clac, à ce moment-là, un cri. Il retire le truc et vous, vous entendez un, un espèce de flottement dans l'air. Il lève la tête et vous voyez la dalle se reclaquer dessus. C'est la dernière chose que vous voyez. Vous sentez quelque chose d'humide arriver sur vous. Vous êtes dans le noir complet. Qu'est-ce que c'était donc que cela Attendez. Donc là, vous commencez à réaliser que non seulement... Attendez, hop. Non seulement vous êtes dans le noir. Non seulement ce cher Rowan Church est vraisemblablement mort. Mais aussi... Que vous êtes enfermé à l'intérieur de cette tombe. Et la dalle en question est extrêmement lourde. Donc peut-être que... Euh, des ouvriers derrière ou quelque chose comme ça vont sortir, mais d'ici combien de temps vous ne savez pas en tout cas. Et donc ça commence à peser sur vous, euh, cette idée. Merci beaucoup à la personne qui vient de typer. J'attendais deux secondes, je ne sais pas où c'est. Euh, voilà, c'est là. C'est bon, merci. Je, je... Personne, personne ne panique. Il euh... vient se passer, nous avons une équipe. Et euh, j'ai d'ailleurs ce briquet nous pouvons voir où est-ce que nous en sommes et si euh, notre cher monsieur church était de l'autre côté de la... <laughs> Alors, à Dalle. ce moment-là, le fait qu'il dise ça... <laughs> Attendez, putain, ça marche pas, deux secondes. Euh... Excusez-moi, j'ai un problème de, de dé... Voilà, c'est bon. Ok. <laughs> ok. Le fait qu'il dise ça... Euh, vous vous rassurez un petit peu, sauf clairement, eh bien, euh, toi-même, <laughs> euh, <laughs> que ça ne rassure euh, que ça rassure un petit peu moins quand même, on va dire que les autres. Et vous sentez que à la fin de sa phrase part un petit peu dans les aigus, vous voyez ce que je veux dire. <laughs> euh, et euh, et tout, voilà. Et... et tout va bien se passer. Ah, vous, entend... bien. vous entendez des bruits de derrière la dalle, des ouvriers, vraiment. Mais il faut prêter l'oreille. Je sais du coup bah je, je prends dans mon sac en fait une, une de mes chandelles et ouais. euh, j'allume avec le briquet de ouais. ce cher John et euh, j, du coup je, je regarde si tout le monde va bien. Euh, Est-ce que le reste du crew va bien qu'est-ce qu qui nous est arrivé de liquide sur, euh, sur le visage C'est du sang. Très bien. <laughs> Super. Euh, parfait. Écoutez, euh, je me rapproche de la dalle et j'essaye de voir si je peux taper sur dessus vous. <laughs> Il y a donc... quelqu'un Est-ce que vous nous entendez Tu tapes sur la dalle et t'entends effectivement qu'il y a, y a du bruit derrière, tu sais pas trop, peut-être qu'il parle, peut-être qu'il vous parle, c'est possible. Ou, tu sais pas, mais il faut vraiment se rapprocher de la dalle et se mettre contre-dessus pour essayer d'entendre ce qu'ils disent. Enfin, surtout qu'il y ait du silence. Si vous pouviez éviter de tambouriner sur cette dalle, nous entendrions peut-être quelque chose. Du coup, je m'exécute et je, je, je colle ma, mon, mon oreille pour essayer de tambouriner. Okay. Vous entendez tous les trois, clairement, des éclats de rire. Les gens, ils sont pétés de rire. Ils se foutent de vos gueules. Ça, ça vous fait rire, monsieur Anderson euh, Alors, il est derrière vous, il fait mais je rigole pas du tout, moi. Je oui. déteste le fait d'être enfermé dans ce putain de tombeau euh, il y a une autre sortie vous savez pas si madame Cui, il y a pas dans des tombeaux comme ça il y a une sortie non il y a une autre sortie il y a toujours une sortie de secours quelque chose comme ça quand non mm -hmm. euh, ça dépend de comment il a été conçu et pourquoi il a été fait oui mais euh... ah oui donc comment vous, vous avez dit oui bon bah c'est ça. du principe que oui de toute, ah. toute façon euh, à ce moment-là, vous, euh... vous voyez justement, euh, en repartant euh, de, de la surface de pierre, enfin du bloc de pierre, tu vois que il y a plein d'étranges marques dessus. Euh, Madame est Carter, euh, est-ce que vous pourriez nous éclaircir vous, vous, vous comprenez ce qui est écrit ici ah, je, Attendez, je... je vais regarder ça de plus près. Très bien. Je, je, je n'apprécie pas vraiment la. La boutade avec éclaircir à ce moment-là... Ah cher. Euh, vous regardez et du coup, il ressort deux choses. La première, c'est que... Alors je, je vais te prendre à part. Okay. Donc toi, tu trouves qu'effectivement, euh, déjà, il y a plusieurs choses euh, intéressantes. Il y a des éclats de calcaire au sol. Mm -hmm. Et du coup les fragments euh, En fait les marques Qu'il y a dessus en fait Montrent que bah, c'est pas la première fois Qu'on est rentré ici en fait On a déjà essayé de rentrer Récemment Genre dans Les 100 dernières années Ouais Et les connaissances qu'on avait C'était on pensait Pour découvrir toi, un ouais, tombeau Qui était inconnu C'était nouveau... euh... ouais, euh, censé être une nouvelle euh, D'accord. Euh, et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on sait sur cette euh, sur ce tombeau Qu'est-ce qu'on s'attendait à trouver Là, pour l'instant, euh, vous savez pas grand-chose, euh, si ce n'est qu'effectivement, euh, bah, il y a eu euh, bah, cette recherche-là. Après, c'est peut-être euh, Jade qui en sait plus. D'accord. Et euh, les. Euh... <laughs> Les personnes à l'extérieur, il euh, y, a... y a que des ouvriers là qui sont dehors, ouais. que des locaux, en ouais. dehors de nous et des deux personnes qui nous accompagnaient. Il n'y a pas d'autres ouais. Européens euh... Non. Ok. Ça fait combien de temps qu'on est sur le chantier, qu'on bosse avec ces gens-là Ça fait. Euh... Je pense que ça doit faire euh, au moins une semaine. Ouais. Et on avait un bon contact avec les ouvriers ou... Alors, c'est compliqué, compliqué à dire. Euh, en tant que. Euh justement européens ou euh, en tout cas américains, euh, vous êtes, euh, vous vous comportez quand même, même si vous vous comportez bien, mmh. vous vous comportez quand même un petit peu comme si vous étiez chez vous et mmh. vous allez explorer des secrets ancestraux euh, et des lieux ancestraux de leurs ancêtres, mmh. euh, comme, si, euh, comme si ça vous appartenait. Donc oui, y a un, on va dire qu'il y a une tolérance vis-à-vis euh, -vis de vous parce que... Bah, les payer et voilà c'est pas, pas des esclaves c'est pas qu'on soit bien d'accord mais on, on va être clair c'est pas c'est pas la joie quoi c'est pas vos c'est pas il y en, pas en a petits. qui ont exprimé de l'animosité ou pas jusque là pas jusque là okay. Ils se permettraient pas en fait c'est surtout ça mmh. ouais d'accord Est-ce que c'est de la politesse ou euh, est-ce que c'est euh, bah, le, le fait que, que vous êtes armé bien. ou que ça paye bien <laughs> On sait pas. Et il euh, les... y a des symboles du coup sur l'intérieur de la pierre ou... C'était. Tu... Enfin, c'est ce qui semblait, mais ça semblait plutôt des marques euh, de pierre. Okay. Deux secondes. Trop bien. Alors, mon cher John, euh, oui. toi, tu regardes et tu vois qu'il y a des symboles qui sont des sceaux protecteurs. Mmh. Euh, qui sont là pour, enfin c'est, voilà, c'est un truc assez un peu occulte qui sont là pour empêcher les pillards de pénétrer dans le tombeau. Et donc toi tu les vois euh, particulièrement. Oh, ok, ok. Yeah. Donc euh, vous pouvez voir que Sarah donc s'approche et regarde euh, plus en détail euh, des marques et euh, John lui s'attarde sur des trucs qui sont plus sur les côtés euh, de la pierre. Déjà, toi t'es plus en retrait avec euh, George. Ah euh, ok. Euh... Non, mais même en approchant la lumière, il y a, il y a pas de hiéroglyphes ou de, ou de symbole, j'ai cru, mais non, c'est, des marques euh, aléatoires, comme si l'intérieur de la pierre avait été griffé avec une autre pierre ou, euh... enfin, en tout cas, il y a rien de, je... je trouve aucun symbole. Par contre, venez voir, regardez jade au sol, il y a, il y a des éclats de calcaire par terre, on dirait que d'autres gens sont passés avant nous. Pensait que ce tombeau était inconnu. Donc euh, j'ai l'impression que des pilleurs sont peut-être déjà passés. Ah. Là je commence à, à me et demander à... Les, les traces par terre. Il euh, y a une équipe à l'extérieur qui nous attend ou c'est on ne sait pas qui est ce qui a rigolé. Alors, que ce que beaucoup. vous avez entendu euh, de rigoler, ce sont les ouvriers. Il hein. n'y a plus que les ouvriers. Il n'y a personne pour. Il euh... n'y a pas de supervision en fait. C'est vous la, la supervision. supervision. C'est John et euh, Georges. Um... Vous... vous avez évoqué des pierres, mais vous voyez les sauts que, que j'ai devant moi Je me rapproche oui. avec mon bougie. Donc effectivement, sur les côtés, vous avez. Enfin toi, Sarah, tu t'étais concentrée plus sur le centre. Effectivement, il y a. Voilà des sauts. Euh, des... Bah, vous connaissez, hein, c'est assez euh, connu. C'est des sauts de protection euh, qui sont qui sont là généralement pour empêcher les pierres euh, de rentrer. Bien évidemment, ce n'est pas très efficace. Comme, comme, comme vous pouvez le voir, j'ai exactement une pièce similaire euh, dans ma modeste collection. Euh, mm -hmm. Et avec euh, exactement ce symbole-là, euh, lorsque nous l'avons récupéré, effectivement, alors on y croit ou on n'y croit pas, hein, bien entendu, mais on a eu quelques accidents, malheureusement. Euh... Comment ça, des accidents Oh, de... de accidents de, de classique qu'on retrouve dans une expédition de, 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 de la... Oui. Seriez-vous superstitieux Non. Bon. Euh, Pas du tout. Je propose qu'on... En... De toute façon, nous n'avons qu'un seul choix qui s'offre à nous, c'est ce couloir. D'accord. Alors justement, derrière vous, il y a un, un long couloir. Euh, je rappelle encore que vous êtes éclairé par... Une bougie et un briquet. Euh, les bougies tiendront sans trop, de... enfin une bougie tient sans trop de problème une heure. Euh, mais voilà, faut pas. Et puis vous dames, à la fin, il faudra la poser pour qu'elle finisse l'heure. Vous ne pourrez mmh. pas la tenir. Je tiens à le dire. Euh, Combien ai-je vous... d'allumettes dans ma boîte d'allumettes Je pense que t'en as assez. Mais de toute façon, une allumette seule euh, ne durera pas plus de 4 long, secondes euh, à, à éclairer. Donc, c'est pas idéal. Euh, le briquet tiendra, mais pareil, le briquet va chauffer de plus en plus. Donc, euh, c'est pas, pas une lumière folle. Ça vous permet de rapprocher de quelque chose. La bougie éclaire un peu plus. Tout, tout le corps de, de Monsieur Church est, a été écrasé ou est-ce ouais. qu'il en reste un morceau ouais. Ah, tu veux chercher en bas D'accord. Bah, je sais pas s'il si avait mmh. de quoi s'éclairer en plus. Euh, non, sur votre trouvé. front, il y en a un. <laughs> Alors tu, tu regardes et tu peux voir effectivement un peu de, de purée d'humain euh, qui dépasse oui. du bas de la pierre mais pas de truc utilisable. y C'est son âme. Et du coup, je regarde autour de nous. Là, vraiment dans la pièce, il y a Alors, absolument c'est un long couloir à vous, qui, qui arrive dans l'obscurité. Il hein. faut vraiment avancer mètre par mètre pour voir ce qu'il y a. Euh, vous pouvez quand même voir que sur les côtés, euh, il y a des hiéroglyphes sur les murs euh, abîmés et à moitié effacés, euh, avec des grandes lézardes euh, qui, qui traversent tout ça. Donc, euh, il va falloir avancer là-dessus. Vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, euh, observer tout ça. Il hein, n'y a pas de souci. Mmh. Est-ce que je vois des, des hiéroglyphes qui attirent particulièrement mon attention, des choses mm -hmm. auxquelles je peux donner du sens sans y passer deux heures, comme un cartouche avec un nom ou quelque chose comme ça euh, Alors, tu peux essayer de consulter un petit peu, mm -hmm. euh, sans trop de problème, euh, les hiéroglyphes. Euh, il, te, il te faudra un petit peu de temps, mais pas tant de temps que ça. Ok, bah, ça paraît ouais. peut-être raisonnable quand même d'essayer de savoir un petit peu où on est, si, si ça vous va. Hein. -ce ah que... oui bien sûr enfin, je... il faudrait peut-être qu'on se sorte euh... bah, on euh... aura peut-être des indices sur comment sortir d'ici je pense euh, peut-être vous allez croire que je suis paranoïaque et, euh, et me prendre pour une folle mais je pense qu'il faut pas qu'on compte sur les ouvriers pour rouvrir ouais. la porte pendant qu'ils parlent qu'ils parlent moi je suis déjà en train de, de m'avancer un petit ah. peu en amont genre, vous avez bien raison je pense qu'il faudrait qu'on avance euh... euh... qu'on cherche une sortie par nous-mêmes oui. John toi qu'est-ce que tu fais donc euh, Castor reste là pour observer les hiéroglyphes, mais t'avance. enfin pardon, euh, Charlotte t'avance et John, je vais voir monsieur Anderson. Très bien. Est-ce qu'il y a moyen de fabriquer une torche avec quelque chose donc ah ouais. Euh, euh, niveau de tissu, euh, s'il faut que je coupe un morceau de manche ouais, pouvez, euh, de ma peux. chemise, ça y a pas de souci. Il faut ouais. juste que j'ai quelque chose pour l'accrocher. Tu peux essayer, ouais. Bah, alors tu peux euh, regarder autour de toi. Ouais, euh... Et peut-être un peu plus loin, il y aura peut-être des choses. Après, peut-être que John je peut s'occuper cherche... de ça. Attends, est-ce qu'il y aurait qu mmh. le trépied de notre cher euh, photographe <laughs> euh, Tu peux avoir sont... un reste ouais. de trépied effectivement enfin, qui bien, te permettrait ça. de faire une petite torche. Ça me paraît <laughs> bien. John, essaye. Oui. Euh, je, je, je. Alors, tu sauras que sur un dessin, il y a 100 faces maintenant, c'est ah sûr. Hein. Euh, du coup, tu, tu essayes, et donc vous voyez John qui s'emballe la main dans le tissu avec le pied, qui tire, et qui, du coup, d'un coup, tire un grand coup et se pète à moitié le doigt en arrière, se fait une putain d'entorse au petit doigt. Et, euh, et, et du coup, il, il est là, il essaye de retenir le truc, tu vois, en disant. Je n'y arrive pas trop. <laughs> Laissez-moi essayer. Euh... Est-ce que vous pourriez prendre cet objet à ma place, s'il vous <laughs> oui. plaît Don, Donnez-moi ça, je. Ouais. Je Donc... me suis mordu la langue, vous m'excuserez. <laughs> pas de problème. Sarah, tu arrives sans trop de difficulté à faire une torche euh, correcte. Euh, maintenant, tu as du tissu, un bout de bois, il n'y a pas de. Il n'y a pas de combustible. Vraiment, de combustible. Dessus, ouais. je, oui, je pense. Il y aura, aura peut-être de quoi. Euh, ils avaient sûrement avec des moyens de s'éclairer, euh, si on trouve des lampes à huile ou des voilà. choses. Je crois qu'on peut espérer trouver ce genre de choses peut-être un peu plus loin. John s'allume une cigarette avec son briquet. <laughs> vous m'excuserez je, je déteste fumer à l'intérieur, mais vous comprendrez. Euh... <laughs> son briquet à essence. Non, je, on sait bien, mais en vrai. Euh, <laughs> oui, mais est-ce que c'est -ce, est plus rentable -ce de mettre un peu d'essence sur la torche ou de la laisser dans le briquet Alors, Il faut quand même beaucoup de briquet, normalement. Pour... Je dirais que faire une torche est plus efficace en termes de lumière. Oui. D'accord euh, Maintenant, le truc, c'est que euh, son briquet sera moins efficace que vos allumettes. En général. Euh, de toute façon, le briquet, euh, c'est pas un. À l'intérieur, ça va être une. Euh... Ça va être une mousse qui est imprégnée d'essence mmh. Et t'as que dalle en essence dedans. Ah ouais, non, euh, les gros briquets des années 20 T'as de quoi faire hein. Ah ça tu ah vois euh... ouais, ouais, ça, ça, C'est les, les briquets les armoins, ouais, ouais. Ça, ah, Moi j'étais ah, sur ouais. le Zippo J'étais euh... ah, plus non, non. sur un, un Zippo à ah, l'ancienne un... euh... ouais, non, non, Moi je vois le Le truc comme ça, tu sais, avec un truc Et tu fais Pour moi, il y a largement de quoi faire oui, ah, C'est comme là. ça qu'il est. Euh... Okay. Bah, en ce cas, on peut peut-être effectivement on... imbiber un petit peu le tissu euh, pour ouais. avoir une torche. Un petit peu je, plus... je, je me dirige ouais. vers John. Euh, je, je lui prends le briquet <laughs> en lui disant si vous permettiez. Et je lui dis je donne. Euh... <laughs> je merci. donne à Sarah. Tu vois genre euh... <laughs> merci beaucoup monsieur. <laughs> J'imbibe un peu la, la torche. Je lui rends le briquet. Euh... Je vous en prie. Euh, du coup euh, donc. Jade et Sarah étude. et va... Ok très bien. Donc tu Sarah tu regardes les hiéroglyphes. Euh, déjà tu peux voir qu'il y a des espaces vides et obscurs mmh. qui sont derrière les fissures en fait, comme s'il y avait une surface tu vois à peu près épaisse comme ça de, de mur et derrière il y a quelque chose a vide. vide en fait. Okay. Euh, donc tu, tu consultes et tu peux voir que ce sont des gravures qui racontent une histoire. Elles représentent mmh. un pharaon qui semble euh, voilà, avoir des pouvoirs inaccessibles aux communs des mortels. Et il y a... Des fois, il roue de coups euh, des gens qui refusent de le suivre, en tout cas. Euh, tu peux voir qu'il y a beaucoup de gens euh, qui... qui ont souffert de ça, qui sont morts, même, pendant son règne. Mm -hmm. euh, et tu peux voir qu'il a même rejeté le concept d'au-delà, euh, disant que... Euh, ben, là, quand. Lui, il avait une vision propre de ce qu'était la vie après la mort et que euh, ses disciples seraient autorisés à contempler la vérité tandis que euh, les hérétiques seraient inhumés avant l'heure auprès de leur Dieu suranné. Donc en gros, voilà, un truc euh, il aurait une vision très particulière euh, de la vie après la mort. D'accord. Et il euh, n'y a aucun cartouche avec un nom euh, donné à ce pharaon. D'accord. A tout de suite. Donc vous avancez tous les trois, donc Jade, John et Georges. Euh... Et donc euh, George et John, vous voulez parler à part de Jade ou pas Euh... Non, pas, mais peut-être pas tout de suite du coup. Je vais m'en ah. rapprocher, mais je vois qu'on n'est pas assez. Euh, ils m'entendront éventuellement. Donc, ouais. donc vous avancez lentement avec euh, la bougie qu'avait Jade, et donc c'est Sarah qui a la torche. Au bout d'une petite dizaine de mètres, vous arrivez en fait euh, dans une sorte d'arcade obstruée. Donc il y a des tas de symboles, de hiéroglyphes euh, un peu similaires à ceux de la dalle à l'entrée. Vous voyez qu'il y a pas mal de trucs qui sont tombés. Il y a un petit coffre doré au sol. Et clairement, le petit coffre euh, semble avoir été traîné en fait à travers la porte qui est... Quand je dis porte, qu'on se comprenne bien, c'est des énormes piliers de de, de pierre hein, euh, qui sont qui ont été mis là pour sceller le lieu. Et en fait, vous vous rendez compte que en bas à gauche, il y a un endroit où on peut se faufiler euh, à quatre pattes euh, pour plus avancer. Donc, il y a euh, un petit coffre en or et une table. La table est récente. Non. Je m'approche du coffre. Très bien. Je l'éclaire, euh, je, mmh. je coopère pour l'aider. Donc, euh, il, est bien dé il est bien décoré, euh, tu peux essayer de l'ouvrir. Oh, bah, je l'ouvre même immédiatement. Les, tu l'ouvres les, les éléments dessus, je, euh, ouais. je peux le retenir un petit peu ou pas C'est trop tard. <laughs> tu peux. Mmh, Monsieur, euh, je, je, oui. je peux me permettre. Euh, il s'avère que est, il est possible que ce soit piégé. Donc, euh, je, vous pourrais, je vous propose ah. quand même d'au moins analyser un petit peu euh, l'objet. Euh, ça ressemble à, quoi, à quelque chose de mortuaire ou donc, bah, ça, ça semble être un coffre qui a été traîné, donc typique des coffres. Enfin, typique. Non, mais le genre de coffre qu'on trouve dans les tombeaux en Offrande ou quelque chose comme ça, tu vois. D'accord. Et il a été traîné, hein, il n'était pas là à l'origine, ça se voit. Il vient du petit trou, euh, justement, qui, est... qui D'accord. Ben. Euh... Je, oui, alors. Si, si je vois pas de, de menaces ou de, des trucs écrits mmh. qui pourraient être bizarres dessus, je fais bon. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être. Euh... Je m'excuse de vous avoir euh... retenu. Euh, oui. Et je regarde par contre vers le trou euh, avec la bougie. Ouais. Donc John, tu l'ouvres, dedans, il y a une... Enfin, c'est un petit coffre, hein, donc euh, voilà, mais il y a une poignée en gros de, de perles, de diverses couleurs, etc. Euh... Très clairement, le coffre a presque plus de valeur que les perles. Mais le coffre est très lourd. Eh bien, il ne partira pas. Euh... Je, je, je trifouille un peu les perles pour voir s'il y a des trucs en dessous. Ouais. Euh, mais pas, pas comme un gros bourrin. Délicatement. Ouais. Je... Est-ce qu'il y a un truc de soie Est-ce qu'il y a des trucs en dessous Non, est y a un est... Petit de fond, le, le coffre en lui-même est, est de belle qualité, mais il euh, n'y a pas de, de trucs en particulier. Bah, je, je, je saisis une, une des perles et, et je me retourne et je vais montrer à mes camarades. Ouais Très bien. Alors attendez, je vais ramener Sarah. Donc, euh, Sarah, tu. Tu as fini un petit peu ton exploration en marchant le long de, du mm -hmm. couloir. Hein, donc, tu as encore une fois constaté, et vous l'avez vu un petit peu aussi alors qu'elle avançait, que derrière les, les fissures, en fait, il y a du vide. Euh, en fait, c'est comme si le couloir euh, était construit le long d'un endroit où, de temps en temps, en tout cas, là où il y a des fissures, il y aurait quelque chose derrière, peut-être. Tu toujours du même côté Il euh, y a de chaque côté. C'est notamment. Couper peut-être des pièces de chaque côté. Peut-être. C'est compliqué à savoir à l'avance. Faudrait. Enfin, c'est de... noir de donc. Euh... Qui... Ouais, non, il n'y a pas, un... pas de courant d'air. D'ailleurs, je précise que depuis le début, vous remarquez que l'air est pas vicié, mais plus vous enfoncez, moins l'air est pur. Mmh, évidemment. Donc tu mmh. arrives et tu peux voir Sarah que John et Jade sont. Donc au bout du couloir, euh, John vient de fouiller dans un petit coffre qu'il y avait au sol et sort une perle qu'il tient dans ses, dans ses doigts. Et donc ils font face à une porte. Alors quand je dis une porte, c'est un gros bloc de pierre dont le bas gauche euh, a été complètement creusé et donc on peut passer en s'accroupissant. Euh, voilà. Mais donc c'est pas une. c'est une porte dans le sens c'est scellé quoi. L'ouverture ferait à peu près la taille du coffre. Euh, L'ouverture pour le glisser... Ouais, bah, le coffre est plus petit que ça, encore. Ouais, Mais okay. du coup, oui, oui c'est cla clairement, c'est de là qui vient. Je repose la, mmh. la perle dans le coffre et je dis... Eh bien... Même... Euh, les histoires de pillards, mmh. et un, un coffre qui reste ici... Euh, je crois que nos pillards ont été... Euh, comment dire Dérangés mmh. Semblablement. Euh... Ouais, Ouais, Jade est-ce que vous pouvez me rappeler euh, les informations qu'on avait sur ce tombeau euh, vous aviez quelques quelques idées euh, supplémentaires sur ce qu'on espère y trouver sur l'identité peut-être de, de son occupant Parce que les, les hiéroglyphes dans le couloir que j'ai pu décrypter euh, bon, c'est assez fragmentaire mais euh, mais c'est quand même assez étrange euh, euh, ce que ça nous raconte. Euh, pour, très, pour être très honnête, euh, nous, je suis, nous sommes, enfin, je pensais que nous ouais. serions les premiers à arriver, étant donné que le, nous, nous avons juste découvert la porte il y a très mmh. peu de temps euh, pour ce temple. Et du ouais. coup, ben, je ne sais pas du tout, euh, je n'ai pas plus d'informations mmh. à vous donner, malheureusement. Mais je comptais sur vous justement Et pour oui, oui, euh, que sûr. nous sortions ça au clair. Écoutez, je n'ai pas, pas retrouvé le nom du pharaon. Il est inscrit nulle part. Aucun cartouche qui permettrait de l'identifier. Je pense que c'est peut-être volontaire parce que, parce que ce qui se trouve sur ces murs est quand même assez interpellant. Ça montre l'histoire d'un pharaon qui, euh, qui posséderait peut-être des, des capacités assez euh, surnaturelles et qui les aurait utilisées de façon tyrannique sur son peuple. Il y a, il y a des scènes où on, il semble frapper euh, ceux qui osent se dresser contre lui. Euh, et, euh, et la partie la plus, la plus étrange, c'est celle qui, qui parle du fait que que ce pharaon euh, au nom inconnu aurait euh, rejeté le concept même d'au-delà et aurait euh, fondé éventuellement un culte disant que, euh, que ses disciples contempleraient la vérité et que euh, aurait accès à à ce que lui considère comme euh, sa propre vision de la vie après la mort et que les hérétiques seraient euh, comme habituellement dans ce genre de, de culte hein, les hérétiques euh, mm. vont entendre en faire ou en tout cas n'ont pas accès à cette soi-disant vérité et euh, bah, j'ai jamais j'ai beau chercher je me souviens pas de dans mes connaissances de d'un pharaon qui aurait pu avoir une histoire aussi trouble qui pourrait correspondre à cette description ou' sûr que non moi non plus ça ne me dit rien Bien, espérons euh, que les anciens pillards ont eu le temps, de... c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris ce coffre, euh, mmh. vu qu'ils n'avaient peut-être plus de place euh, pour l'emporter, euh, plutôt qu'un pharaon au pouvoir surnaturel. Hein, mmh. euh, je, je, je suis quand que... même d'avis de la première hypothèse que nos anciens, ah, en tout cas ceux qui ont découvert ce lieu avant nous, ont très certainement pu emporter une vaste quantité de. Le trésor volé, une bonne quantité de ces trésors et n'ont pas pu prendre euh, ce coffre devant nous. En tout cas, il n'y a pas de cadavre derrière la porte, donc ils ont bon, vraisemblablement alors... dû trouver une autre sortie. On va, on va juste faire de même. La dernière chose que j'aimerais voir, moi, étant donné que je, je suis avec moi, je à la porte, c'est ce qu'il y a des traces de pas. Euh, là où vous êtes, c'est du sable, hein, donc euh, compliqué à dire. Ouais. C'est vraiment l'entrée. Enfin, c'est. Bah, en même temps, c'est un peu dur euh, d'échapper au sable ici, en Égypte, je pense. Donc ouais, là, il y a pas de traces de pas à proprement parler. Pour l'instant, la seule chose que tu peux voir, c'est qu'il y a des traces du fait que euh, le coffre a été traîné. Et ça, tu le vois, par contre. En tout cas, euh, si on essaye de peser le, le, le positif dans tout ça, c'est que visiblement, il y a une fresque en l'honneur d'un dirigeant et sûrement dont je n'ai jamais entendu parler jusque-là. Donc euh, la dépouille est, au pire des cas, a embarquée, mais on a de fortes chances de retrouver. Euh... D'autres trésors. D'autres. Euh, Ça reste une découverte scientifique euh, majeure. Ah, là, euh... je pense que euh, clairement, nous avons. Euh... Quel ouais, ce dommage que ce là. monsieur Church euh, nous ait euh, quittés si tôt. L'histoire <laughs> se souviendra de. De Monsieur Church au nom de l'expédition à Tunboro, ne vous en inquiétez pas, je m'en chargerai moi-même. Ah, une mec... sépulture digne. Le mec est mort et vous l'avez retué. <laughs> re <laughs> Juste après. quand il s'appelle Le photographe, là. <laughs> Quel dommage. Chapelle, quelque chose ben... comme ça, chapelle. Appelez-le chapelle. <laughs> il va nous manquer, oui, il va nous manquer. Bowen <laughs> Chapelle, bon, on s'en fout quand il s'appelle. <laughs> Il était journaliste. <laughs> Mais putain. <laughs> du coup, il y a Georges qui fait écouter. Euh, Je vais passer en premier pour euh, pour euh, le truc. On sait jamais ce qu'il peut y avoir. Euh, Monsieur Anderson, euh, est-ce que vous êtes arrivé armé ou quoi Parce que sachez que si nous avons affaire à des pillards, il est forte chance. Fort bien. Enfin, <laughs> <laughs> il fait. Vous inquiétez pas. Et du coup, il, a, il commence à se mettre à quatre pattes. Et donc, vous le voyez se glisser dans, dans le trou. D'un coup, vous entendez un cri. <laughs> ah bah non, monsieur Anderson Un coup de feu. Ah oh, putain. Et un. Oh. PUTAIN <laughs> Et un deuxième coup de feu. Monsieur Anderson monsieur, monsieur Anderson, Anderson oui, oui. Non, mais c'est bon, vous pouvez venir, c'est réglé. Qu'est-ce que vous avez donc réglé? On a eu un visiteur euh, imprévu. <laughs> Soyez donc plus précis qu'un simple Ah, mmh. Quelle horreur. Vous, vous parlez donc d'un. <laughs> Merde, j'ai dit putain, je suis désolé, genre. Euh... <laughs> oh, C'est fait... vrai? Oh, C'est bon, vrai? C'est vrai, vrai, vraiment <laughs> <laughs> Je comprends, je, je comprends. pas pensionné ah, que avais fait exprès. Non, j'ai vraiment pas fait exprès, les gens. C'est pour vous dire à moi, ça vient naturellement chez moi. Euh... Merde Trop bien. <laughs> Donc, oui, euh, un reptile euh, de, 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 de bonne taille, mais il est. Attendez. Un troisième coup de feu. Il est mort, c'est sûr, maintenant. Il est mort. Parfait. Mais dites-moi quel genre de reptile peut un encaisser un reptile mort. <laughs> ouais. Bien. Pouvons-nous traverser Oui, venez. Il n'y a pas il n'y a pas de danger. Dès qu'il Mais... a dit oui, moi je suis euh, genre. <laughs> Allez-y, mesdames, je vous en prie. Il n'y pas de temps à perdre. Vous glissez donc euh, l'un après l'autre, l'une après l'autre, et vous arrivez dans une salle où. La bougie puis la torche. Alors vous aviez passé la bougie euh, à monsieur, hein, bien évidemment. Et, euh, et où la torche éclaire une antichambre. Mm -hmm. Rutilante. Il y a des richesses partout. Ça déborde. La pièce est grande. Hein. Euh, on est sur une pièce qui fait euh, 5 sur 7 mètres à peu près. Donc une grande pièce. Il y a un canapé. des tables, des chaises, des tablettes de pierre, des statuettes, des instruments de musique, des tapisseries, des amphores, des vases, des bols, des éventails, des, des coffres, des... Il y a même carrément un char en or, euh, char euh, à chevaux, hein, qu'on soit bien d'accord, pas un char d'assaut, euh, et une barque même euh, au nord-ouest de la pièce. Euh, et vous pouvez voir aussi euh, deux choses. Donc à, côté, à votre droite, hein, côté est, il y a un bloc de pierre qui condamne l'entrée euh, d'autre chose donc pour toi jade et pour toi ça ça semble plutôt évident que ce serait une chambre funéraire peut-être euh, mais vous pouvez voir euh, qu'aussi il y a des éboulis euh, qui révèlent un autre excès au nord euh, donc dans cette pièce il faut presque chevaucher euh, les, les objets euh, tellement il y en a euh, tellement il y en a partout et donc vous pouvez voir georges euh, qui a l'air un petit peu fier avec à ses pieds un serpent d'à peu <laughs> près 50 cm qui est genre éclette <laughs> clairement le truc s'est pris <laughs> trois bastos dans la tête il y a, y a un trou et du sang il est mort. Ouais, ouais, il, est, il, est <laughs> il est mort, mort. Et, et vous voyez, il tape un coup de pied... Enfin, tu sais, il donne un petit coup de pied dessus, il fait... « Vous inquiétez pas, mesdames, il est mort. »« Merci, monsieur Anderson. »« Ce fut euh, certainement un combat féroce, monsieur Anderson. »« C'est sûr. Mais ne vous inquiétez mmh. pas, monsieur Attenborough. »« Toujours là, pour servir. »« Je... »« C'est un baril Je... avec combien de... Y a... Y a combien de... <laughs> il a un, Il a un M... Euh, un, si un, il a 1911, donc... Euh, »« Il lui reste... Pas quatre beaucoup. Balles. Quatre balles. <laughs> » Ne vous inquiétez pas. De quoi tu encore un serpent ennemi. On compte ton serpent. T'as combien dans ton chargeur deux serpents Il ouvre sa veste et dedans, il y a deux chargeurs bien visibles. Heureusement que vous êtes là. Monsieur Anderson, je vous prie d'économiser vos munitions. Elles coûtent cher. C'est moi qui les paye, vous le savez très bien. Ne vous inquiétez pas. Regardez, Et il remonte le cadavre. Et effectivement, il n'a pas raté sa cible. Il y a des trois balles sont je... dans la tête, c'est sûr. Je déteste <laughs> dépenser sans compter. Sachez-le. Ne <laughs> vous inquiétez pas. Ah vous ne serez pas, inter... pas importuné par des reptiles. Celui-là n'était pas très futé. Oh non, je peux plus. <laughs> Très bien. Bon, euh, oui. je commence à, à dormir dans la, <laughs> dans la pièce. Mm -hmm. Mais à mes amis, je crois qu'on tient là une découverte euh, je vraiment j's... exceptionnelle. Je... je tiens pas en place, perso, je, je suis en train de. Oh là là, mais c'est génial <laughs> hein, je, okay. je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tombeaux qui ont été découverts avec euh, autant d'objets préservés euh, que celui-ci. Absolument qu'on vous cherchez euh... donc la pièce un petit peu. Vous fouillez un peu la pièce, euh, regardez un petit peu avec vos différentes compétences. Moi okay. je, je, je regarde les objets, je les touche un petit peu pour... Euh, voilà, Mais au bout de 5 minutes, je focus sur la chambre funéraire potentielle. Ok, mm. donc, plusieurs choses. Commençons par... Jade. Bon secours. J'y ai pensé. <laughs> <laughs> T'as déjà joué au jeu Jade euh, Jad Empire sur C'est un, un jeu bioware bio je crois. <laughs> c'est un très mauvais souvenir que j'ai de ce jeu vu hein qu'il a planté et Mais que moi je ne suis jamais pu coup... terminer. J'ai jamais pu. Le CD était rayé je crois moi. Ah moi non, parce qu'il était totalement installé sur le PC. Ah toi c'est sur PC moi c'était sur je Xbox. Suis... Je me suis soft Putain. Horrible. En regardant les objets tu réalises qu'aucun des objets ne ressemble à ceux que l'on connaît parmi les différentes périodes de l'histoire d'Égypte. Et mmh. que ça ne répond pas euh, à ce qu'on devrait trouver dans une antichambre égyptienne de l'époque que tu aurais pensé à peu près. Euh, non, mais ni avant ni après. Parce que ça représente plus quelque chose de spécifique. C'est juste que tous les objets en question euh, sont un petit peu euh, particuliers. Et, et tu fais face ensuite à quelque chose que tu n'avais, enfin que vous avez mis de côté, attiré peut-être euh, par les choses qui brillaient à la lumière de la torche et de la bougie. Tu remarques qu'au bout de cette pièce, il y a deux statues euh, qui sont des sortes de gardes. Donc tu n'as pas prêté attention encore. Hein. Tu viens de les remarquer par le fait que vous vous déplacez dans la pièce et que les ombres se déplacent, l'obscurité se déplace. Et donc les objets brillants étaient premièrement visibles, mais ceux-là ne sont pas brillants. Et donc près de la porte. qui t'intéresse, il y a deux gardes qui sont mis. Et donc en te rapprochant, tu pourras les, les observer, mais après. Sarah Oui Sarah Brown mm -hmm. <laughs> Merde, j'aurais dû t'appeler Sarah Brown. Ça... Ça été <laughs> euh, tu remarques, en, en regardant et en évitant euh, Jade qui, euh, qui, qui, qui sautille euh, un petit peu partout, tu peux remarquer que tu rattrapes justement une amphore qui s'apprête à tomber mm -hmm. et tu peux voir qu'au sol, des objets sont brisés, comme si quelqu'un avait traversé la pièce sans aucun égard pour ceux qui mm -hmm. l'entourent et tu remarques, après avoir de quelle euh, dans, quel, de, dans où, la où pièce, c'est compliqué, il n'y a pas de trajectoire ouais. dans la pièce. Okay. et euh, par contre, tu remarques que euh, jade s'approche donc de la porte mm -hmm. scellée. et en s'approchant, elle éclaire quelque chose que vous aviez négligé par l'obscurité ambiante, parce que c'est une grande pièce et donc oui. les objets dorés brillent. mais pas cela. deux statues mm -hmm. de garde à côté de cette porte. Et donc, quand Jade s'approche, elle éclaire cette zone et donc la révèle euh, pour toi et les autres. D'accord. A tout de suite. Bien. Monsieur <laughs> scox Oui. Oui, pardon, excusez-moi. Tu regardes. Oui. Les artefacts en or, les tablettes de pierre. Hmm. Mmh. Dans une vente privée, tu as de quoi refaire plusieurs fois ta fortune. Hmm. quel est l'objet que je considère le plus cher difficile à estimer précisément mais tu vois l'objet le plus facile à porter et le plus cher et donc c'est une sorte d'enfort euh, doré sublime avec des, des, de, des morceaux de jade dessus et euh, alors pas jade euh, cuit hein, mais oui, euh, oui. Hein. <laughs> encore en tout cas peut-être euh, peut après euh, et du coup tu vois et c'est vraiment un très bel objet mais qui est portable il n'est pas trop lourd tu vois ce que tu peux le porter euh, ouais. tu pourras presque presque le cacher sur toi sans trop de problème mmh, non je, je, je mmh. le saisis ouais. et euh, je viens le mettre à, à un endroit proche de l'entrée euh. D'accord, ouais, de la petite... Voilà. Je viens gentiment le déposer. Et si c'est une amphore qui est vide, je pose délicatement. Je ne mm -hmm. veux pas donner l'impression que je vais me barrer avec... Quoi. Tu remarques, en, en ayant fini cette tâche, que Jade et Sarah se rapprochent de la porte scellée. Mm -hmm. Négligeant donc la porte qui est ouverte. Et s'approchent de quelque chose que tu n'avais pas vu. Deux grandes statues de gardes qui tiennent euh, vraisemblablement euh, la porte. Oh, je les rejoins sur le champ. Ah. Vous arrivez donc tous les ah. quatre, pardon. Euh, Bonjour, je reste un petit peu en arrière. Auprès de cette porte, vous pouvez voir que ce ne sont pas des statues. Mais ce sont pas. deux hommes momifiés et empalés sur de longues lances qui les maintiennent debout. Leurs têtes ont été arrachées et remplacées par celles d'un crocodile et d'un chacal. En réalisant cela, notre cher John a un, un haut-de-cœur. Et euh, pas banal. Ils sont armés. L'homme crocodile, si j'ose dire, a une hache de bataille égyptienne en bronze, et la momie euh, de, à tête de chacal a elle une épée en forme de faucille, donc euh, des copèches comme ça s'appelle. Mm -hmm. euh, et franchement, elles sont de bon état, euh, comme beaucoup des objets euh, dans cette pièce, sauf exception. Il y a d'autres armes dans la dans la pièce alors oh, 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 D'abord, restons logiques, est-ce que ces momies ont l'air d'être récentes ou pas Non, c'est des momies. D'accord. Et Quand tu dis tête de crocodile et de chacal, c'est genre des vraies têtes empaillées ou c'est hmm. des masques en forme des dieux Des têtes momifiées. Oui, là, on a affaire à Anubis ah. et Sobek, euh... mais c'est intéressant ouais. d'avoir de... voulu faire ça comme ça. Je c'est c'est peu courant. Enfin en tout cas moi j'ai pas. C'est totalement inédit. Là nous sommes vraiment ouais. sur. Oui. Je commence à sortir un calepin un et je commence à prendre de surprises. En... Mais elles sont quand même assez macabres. Est-ce qu'autour de la porte, du coup, qui semble, euh, qui pourrait logiquement être une chambre funéraire, il y, y a, toujours pas d'éléments d'identification, de, de nom, de cartouche. Dans de... cette salle, euh, il y a effectivement euh, des... des inscriptions, mais elles sont très difficilement lisibles. Euh, encore une fois, je rappelle, il y a donc la porte dont vous venez qui était scellée, mm -hmm. mais où il y a un petit trou. La porte que vous regardez qui est définitivement scellé et cette fois-ci il n'y a pas d'accès donc y aller irréalisable en tout cas mm. vous n'avez pas les outils pour euh, et il y a cette, euh, cette arcade qui, est, qui a été clairement défoncée vous voyez hein, au sol des plaques euh, de, de plâtre euh, qui a été défoncée donc ce passage était peut-être d'ailleurs euh, caché auparavant mm. peut-être un passage secret qui, qui a été dévoilé par ouais. la suite et ce serait praticable cette porte éboulée ou... Oui, oui. Ouais. Est, il faut. Euh... Voilà, mais c'est faisable. Oui, donc ce serait potentiellement la seule issue euh, sans outil pour créer un passage dans la porte euh, de la chambre funéraire. J'essaye euh, sans, sans grande conviction, mais je le fais quand même. J'essaye avec ma truelle d'attaquer le, le mur qui condamne, ouais. reste qui pourrait être la chambre funéraire. Tu meurs. <rire> euh... <rire> Tu, tu essayes, mais effectivement, c'est euh, même si vous y mettiez tous les quatre, euh, c'est irréalisable. Euh, le bloc est, s'il fait la taille de celui que vous avez vu à l'entrée, et il est plus grand, c'est sûr, euh, même à 10, vous galériez, il faut des outils, il faut euh, une science c est, c est que vous ne maîtrisez de, pas d'ailleurs. Euh, voilà, c'est ça. C'est soit vous le traversez, Soit vous le déplacez, mais pour le déplacer, il faudrait euh, la force de, de, de 20 hommes. Ok. Mais tomber vos petits hommes. Soit l'équivalent de 5 monsieur Ander Anderson. Merci, monsieur Attenborough. Euh, pourrions-nous. 5, euh, nous... donc ça fait combien de serpents <laughs> 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 L'énigme nulle. On considère qu'un monsieur Anderson coûte. Peut... S'occuper à lui-même de 2,5 chargeur chargeurs de 50 <laughs> cm. Je vous laisse quelques. Combien de monsieur Anderson sont-ils nécessaires pour tuer un crocodile <laughs> vous avez une... Dundee ou pas Non, mais je vous prie, pourrions-nous <laughs> aller un peu plus loin Je trouve cet endroit quelque peu dit, Tout à l'heure, a dit quelque chose de pas bête. Est-ce Est qu'au hasard, il traînerait pas des armes dans la pièce alors dans la pièce, vous pouvez euh, assez simplement prendre peut-être euh, un morceau euh, de tablette, un morceau, une pierre, euh, des choses comme ça. Il n'y a pas d'armes à proprement parler. À part les deux de seules armes sont les par deux, armes, euh... deux, armes, deux armes portées. Par contre, ces armes-là, euh, étant en bronze, ou... etc., et bien entretenues, enfin pas entretenues mais bien, elles sont. Enfin, si vous tirez, ça là, c'est une momie, hein. c'est pas, c'est mmh. pas une statue justement. Ouais. Ouais. Encore une fois, vous allez me prendre pour une idiote, mais moi, ça me rassurerait d'en avoir une. Donc j'attrape l'épée et... Vous allez abîmer une dépouille pareille Vieille de je ne sais pas combien d'années pour ça bah. C'est possible de le faire sans casser la main de la momie Let's try. J'essaie je, je, vraiment de limiter les dégâts. Au pire, je pète un doigt, mais euh, j'essaie de... Ah non, un non, doigt. non, attention, avec les doigts, faites -le, attention. <laughs> non, mais pas le vôtre, euh, monsieur. Bon. Alors, ça va attends. mieux, d'ailleurs il, il, il est toujours cassé. <laughs> mais il est, il est <laughs> pas cassé hein. Luxé. Alors, Il est toujours douloureux Alors dès que ça a été 45 okay. Je m'éloigne dans un coin de la arrive. pièce en, en faisant nom du nez C'est mm. n'importe quoi T'arrives en fait à tirer Faire un petit levier et tout Et t'as juste la main qui Tu vois ce que je veux dire Ce qui est franchement impeccable. Un petit peu <laughs> plus tu le pètes Mais t'y arrives bien hein. Parfait Je suis rassuré nous pourrons nous occuper de au moins Deux serpents euh... Vous voulez que je le porte ah, euh, non, non, Monsieur Anderson, euh, <laughs> euh, comptez, en, restez avec votre. Euh, Partez devant. Euh, non. devant. Il pointe. Là, le, là où souhaitez. souhaitiez... Euh, bah, de toute façon, la, la, euh, Qu la Qu'est-ce que e e... la porte éboulée. et bien voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. J'y vais. nous. Il... Ah, il, il, euh... il avance, il s'accroupit, il avance. <laughs> comme ça, il se retourne vers vous et il fait... <coughs> je peux avoir la bougie. Ce <laughs> n'est pas, va... je... pas que j'ai peur du noir. Ça n'a rien à voir. C'est juste que je ne <laughs> pourrais pas bien voir. Sinon. Je lui la bougie. Merci. Toujours à propre protéger. Et du coup, il, av... <laughs> il avance, la bougie, tu sais, sur le côté. Et comme ça, et tout, on avance. Et du coup, vous le voyez qu'il s'enfonce dans la pièce. <laughs> ben il y a un petit lui... silence et il fait... J'ai eu peur, mais non, tout va bien. Attends. Clique. Vous entendez le clic Non, c'est bon. Vous pouvez venir. <laughs> Pas d'inquiétude. Il est déjà mort. Je Comment ça alors Déjà mort J'entends déjà mort. Je cours. D'accord. Tu cours. <laughs> je veux juste voir un truc. Je la suis avec la torche. <laughs> c'est difficile de courir dans un éboulis. Hein. Tu cours et vous la voyez... Elle court. Sarah, tu passes derrière et tu rattrapes les enfants, les tablettes et tout ça qui... <laughs> Comme ça, tout, elle rattrape tout derrière toi, tu vois. Dire qu'elle du... m'en voulait pour un doigt de moumou. Mais bah oui, c'est ça. <laughs> vous rentrez dans une pièce euh, plus petite, environ un tiers de la pièce que vous venez de parcourir. Trois hein, mètres sur deux, à peu près. Et beaucoup plus Modestement meublé. Il y a quelques artefacts religieux. Il y a des cônes funéraires en argile d'à peu près 8 cm de haut euh, sur, euh, sur le mur. Il y a euh, deux grandes fresques en, en bon état qui sont relativement lisibles. Et donc vous pouvez voir aussi euh, qu'il y a un, une sorte d'autel adossé au mur de droite avec un énorme euh, ankh d'à peu près euh, 1m50 qui est à l'envers. Et euh, il y a des sortes de rayons d'or qui en partent. Euh, et en les regardant, ils sont assez déroutants. Il y a un effet d'optique, on a l'impression, vous voyez, qu'ils bouge. Mais c'est un effet d'optique, en fait, euh, avec le contraste de la pièce, peut-être vos, vos lumières. Mais surtout, vous voyez qu'il y a George. Braque un squelette euh, au sol. Euh, oui, il est vêtu de est guenilles mort. et je... il est sur Exactement un grand tapis spécial. au pied de l'hôtel. Il, il a une sacoche et une bourse auprès de lui. J'arrête de courir quand je comprends après quoi je cours. Et puis je... Faut pas me dire des choses pareilles, monsieur. Je... Enfin... Mais, je mais, mais il est mort. À... Ah, C'est sûr oui. qu'il est mort. Oui, il est mort. Vous voulez que. Non, 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 non. non, non, non. 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 Monsieur Anderson, qu'est-ce que vous, je vous ai dit tout à l'heure concernant les munitions <laughs> Sachez que chaque munition que vous utiliserez sans mon accord seront déduites de votre salaire. Je dois vous demander à chaque fois. Euh, je considérerai après coup si ça a été utile ou non. Et je considère d'ailleurs que les deux euh, munitions nécessaires pour tuer un serpent de 50 cm, je ne suis pas reptilologue, très bien, euh, mais je peux considérer que c'était peut-être un petit peu trop. Eh bien, donc ces deux munitions seront déduites de votre paye. Très bien. Continuez de nous protéger, je vous en prie. S'il si nous attaque, c'est votre responsabilité. Eh bien, un squelette, monsieur Anderson, vous verrez très bien qu'un squelette... Euh, il vient pas de bouger là Je ne regardais pas. Mais non, voyons. Il a bougé, mesdames là... On l'a vu, on pas bouger. Mais bien sûr que non, c'est un squelette. <laughs> euh, du coup, le squelette, est-ce qu'il y a des guenilles, des vêtements ouais, euh... ouais, ouais. Et ça ressemble à quoi Ça ressemble à des vêtements d'un ancien égyptien Ça ressemble à des vêtements d'un mec du 16e siècle Ou ça ressemble à des vêtements contemporains Alors, déjà, vous pouvez voir plusieurs choses. Déjà, il y a... À la base de cette structure... Euh... Donc euh, devant, la structure, de langue, quoi. Euh, mm -hmm. Il y a énormément de petits bâtons de vieilles encens qui sont là dans des alvéoles. et Il y a aussi des petites figurines humaines. Mm. Euh... Combien à peu près Alors toi Jade, tu sais ce que c'est Et elle vous le dit. Il hein, y en a euh, une centaine à peu près. Mm. Euh, oui. Et c'est des oucheptis euh, qui sont donc en fait des statuettes funéraires. Euh, qui servent d'esclaves dans l'au-delà. Donc c'est Jade qui vous le dit hein, ça. Et donc sans vous une pouvez belle voir euh... ah, c'est une... pas mal, c'est pas, pas mal. mal, une belle, une belle équipe. Bon rang social quoi. Mm. Les... le squelette vous pouvez voir plusieurs choses. Le squelette a les côtes enfoncées, le crâne fracturé, Ce qui explique peut-être sa mort. Euh... Un indice. Vous pouvez voir que les vêtements ne semblent pas. Euh... Enfin, ils sont difficilement identifiables, mais ils ne semblent pas être si vieux que ça. Et d'ailleurs, euh... c'est John. Tu pourrais euh, dire, et il vous le dit, que vraisemblablement, euh, le cadavre là ne date pas de plus de 10 ans. Hmm. D'ailleurs, en se rapprochant, mmh. John remarque qu'il y a aussi des, des marques sur les os, euh, laissées comme celles de crocs d'animaux. Mmh. Eh bien... Donc, je rappelle qu'il y a aussi une bourse et une sacoche. Et évidemment, je... l'énorme fresque. Je... Des crocs je... de quelle taille mmh. Genre, euh, ça fait des sur le squelette ou peux, euh... ça fait un maxi machin Hum. ouais assez assez gros quand même ok bah, en fait c'est plutôt rassurant ça veut dire que des charognards de cette taille arrivent à entrer et sortir de cette tombe Eh bien c'est une belle théorie plutôt oui. un bon point non c'est vrai c'est vrai. vrai ou alors ce sont éventuellement des blessures que ce pauvre homme euh, aurait subies dans le temps et que la cause de la mort n'est autre que le enfin, que un très gros serpent. Je vous en prie, pas de. J'ai du mal à suivre votre théorie, mais euh, vous... je ne suis pas squelettologue. Bon. <laughs> Jade, John et Sarah, vous il vous faut pas très longtemps pour saisir que bon, vous savez que l'ancre est le symbole évidemment euh, égyptien de la vie, mm -hmm. étant donné qu'il est à l'envers, ouais. avec des sortes de tentacules de rayons qui en partent. Euh, voilà, clairement, il y a un côté blasphématoire mmh. évident. Ce qui revient avec la fresque dans l'entrée, euh... et donc la fresque de cette pièce. Je, ouais. je me propose de l'étudier, peut-être pendant ce temps, vous pouvez fouiller la ouais, sacoche. Je suis euh... oui, déjà je en train euh... de la fouiller. Mmh. Donc, Moi, je Jade... m'intéresse. Vas-y oui. Vas Jade, justement. Non, non, non. Euh, et du coup, il y avait une sacoche et le reste, c'était une bourse. Une bourse. Bon, bah, s'il fait la sacoche, fait la bourse. <laughs> Mais pas faire la sacoche à deux. <laughs> C'est mon trésor! <rire> <rire> voilà la sacoche! Hop, alors. Jade, tu regardes donc euh, cette, euh, cette bourse. Elle est gorgée de bijoux en or, en bronze, et. Euh, à en mesurer euh, la quantité et la qualité, tu pourrais vivre toute une vie euh, aisément et tranquillement tout au long de ta vie sans aucun besoin. Si ni tu gardais cette bourse, euh, oui, ni subvention si tu gardais cette bourse. À tout de suite. Il y a rien à l'intérieur. Enfin, si bah c'est déjà, c'est déjà pas mal. Tu peux vider, il y a rien d'autre. Non, j'invite pas. J'invite pas. Je, oh, euh, je mais et... Ah Mince. Ah, Il y avait une bourse, quoi Quelle bourse <laughs> Je vide. J'ai euh, envie de la moitié du contenu dans une. une J'imagine que j'ai des jupes poches là. Tu sais les. Ouais. Oui, bah oui. As, euh, en vrai, t'as un équipement. T'es pas. Euh, genre, non oui, mais ça des, des pantalons bouffants. Ouais. ouais. Voilà. Je vais avoir plein de trucs pour faire ça. Mais, en gros, j'essaie d'en vider un maximum du contenu sans que ça se voit trop. Ok. Monsieur John, ah, très bien. Je, je... Vous ouvrez la sacoche. Dedans, une vieille truelle, une flasque, mmh. un passeport germanique, eh bien, un bâton de dynamite, oh. et un journal intime rédigé à la main en allemand. Euh, je regarde une date sur le passeport. Le passeport euh, appartient à un certain Sacha Karner, né le 2 août 1880 à... et qui réside à Berlin. Oh. Eh bien, et je... Bah, je je m'en parle de la, de la sacoche entière que euh, je... j'enfile. Mm -hmm. Je ne montre surtout pas le bâton de dynamite à Monsieur Anderson. Euh, et je sors le journal intime. Alors le journal et... intime est en allemand. Euh, la seule personne ici parlant allemand de ce que tu sais, ça serait Sarah. Et, euh, et c'est pour ça que je vais m'approcher de Sarah. Très bien. Sarah. Oui. La fresque représente un pharaon mmh. souriant en robe noire tenant une balance démesurée sur les plateaux de laquelle le poids d'un cœur est comparé à celui d'un mmh. tas d'animaux morts. Un tas d'animaux morts. J'allais dire c'est classique, mais en fait non. non. <laughs> une silhouette à tête de loup est agenouillée devant lui et porte une blessure à la poitrine que deux petits hommes ressemblant ou aux... ou cheptis qu'il y a mm -hmm. les petites figurines hein, contribuent à élargir. Il y a des hiéroglyphes sous la peinture qui te permettraient euh, de voir ça et de, de dé 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 déchiffrer tout ça, mais à ce moment-là. Ouais. eh bien, ce cher euh, John Attenborough arrive près de toi. D'accord. Donc là, vous vous rassemblez non. un petit peu autour de, de Sarah, alors que John a fini de fouiller la sacoche et apporte une sorte de petit carnet. Ah, vous intéressant. Madame Carter Oui. Vous lisez l'allemand Tout à fait. Très bien. Au travail. Ah, très bien. Alors. Tu peux euh, le lire, hein, Tu, ouais. tu sais parler. Il oh, y a, donc il y a des entrées qui partent de 1910 à 1916, mm -hmm. qui parlent d'un anthropologue euh, qui s'appelle Sacha, euh, Sacha Karner. Mm -hmm. euh, donc, tout ça tu le partages, hein, j'estime. Bien sûr. Il parle de son voyage en Égypte, de ses démarches pour exhumer d'anciens artefacts égyptiens. Il parle de son compagnon anglo-saxon, un archéologue euh, qui s'appelle Dr. Gerald Sutton. Et il parle des conditions de travail difficiles à cause de la Grande Guerre. Euh, il mm -hmm. fait l'éloge de Sutton hein, pour son aide dans les négociations avec les autorités anglaises. Et puis, les quatre dernières entrées sont les suivantes. 7 août 1916. Il paraît... Que de féroces combats se déroulent au nord, près du canal de Suez. Nos hommes sont déjà assez terrifiés sans devoir en plus craindre d'être abattus par des tirs croisés. Leurs croyances superstitieuses n'ont que trop retardé les fouilles et je n'accepte plus aucun délai. Nous creusons sans relâche dans le sable la roche. Nous sommes tout prêts. 3 septembre 1916. Quel jour glorieux! Nous avons trouvé l'entrée. Retirer la porte ne fut pas une mince affaire, mais nous avons installé un système de poulies qui nous a permis de passer. Un travail harassant nous attend à l'intérieur. Des morceaux de roche calcaires ont bouché tout le tunnel. J'ai dû interrompre leur enlèvement le temps d'examiner la structure et de consigner par écrit ce que nous avons découvert jusqu'à présent. Sutton pense que mes prises de notes méticuleuses sont inutiles et nous font perdre du temps. 1er décembre 1916. Enfin! Le couloir est presque dégagé. Certains ouvriers s'intéressent beaucoup aux hiéroglyphes abîmés qui parsèment les murs. Nous allons déblayer les derniers gravats et commencer l'exploration aujourd'hui même. La maçonnerie paraît instable. Il serait sans doute trop risqué d'employer des, des explosifs. 3 décembre 1916. Sutton est mort. Les travailleurs originaires de la région nous ont attaqué et lui ont brisé la nuque lorsqu'il a refusé d'entrer de force dans la tombe. Prenez garde aux enfants du Sphinx. Je prévois d'attendre deux heures en espérant qu'ils soient partis. Je récupérerai quelques bijoux et prendrai la fuite. Cet endroit ne sera pas ma sépulture. J'entends des bruits. Il y a quelque chose d'autre avec moi là-dessous. Ok. <laughs> eh bien... Euh, peut-être que nous allons trouver monsieur Mais... Sutton quelque part. Hein oui, peut-être. Euh... En tout cas, euh... c'est assez édifiant. Il semblerait que les locaux se soient également retournés contre eux. Euh... Eh bien. 1916, donc. Ils n'ont pas subi le même sort que nous Pas tout Et à fait. La, la populace qui pourrait protéger ce lieu vous avez parlé tout à l'heure de culte, n'est-ce pas Oui, oui. D'ailleurs, euh, j'étais en train de regarder cette fresque et euh, ça a l'air quand même vraiment euh, peu habituel et assez euh, morbide comme culte. Hein. Regardez euh, ce pharaon là, drapé de noir, euh, qui tient euh, la balance qui pèse les âmes. Euh, vous savez comme moi qu'habituellement euh, on compare le poids du cœur du défunt à celui d'une plume. Euh, dans le cas présent, euh, regardez-vous-même, il le compare à un tas de cadavres d'animaux. C'est quand même assez, euh, assez glauque. Vous remarquez qu'il y a des inscriptions en bas. Euh, et Sarah fait remarquer qu'elle ne les a pas encore traduit. Il faudrait prendre un petit peu de temps. Ouais, J'aimerais prendre le temps de les étudier, oui. Et euh, cette histoire de le personnage à tête de loup, ça m'évoque quelque chose euh... Alors, il y a un dieu à tête de loup. Y a... Oui. Euh, tu penses éventuellement et d'ailleurs c'est toi un Jade qui fait remarquer que bah, effectivement Anubis et Seth pourraient correspondre. Euh, alors c'est plus euh, c'est plus chacal, un chacal, hein euh, mais ça pourrait correspondre à une voilà peut-être un deux égyptiens euh, alternatif. Euh, c'est possible. Euh, par contre euh, Jade fait remarquer que les autres animaux sur la balance, c'est mmh. pas n'importe quels animaux. Ah. C'est les têtes des autres divinités Tout à fait. Mmh. D'accord. Donc il était complètement euh... persuadé que sa, sa vision de l'au-delà euh, était la vraie et que celle des, de ceux qui vénèrent les dieux classiques du panthéon égyptien va euh, disparaître, quoi. Donc, euh... Dans un refus de. Des, euh, des croyances euh, oui. de l'époque. Oui, on est, il y a un, en tout cas un rejet ouais, de, des croyances de ses contemporains. Euh... Nous sommes donc dans un tombeau, tombeau païen. On pourrait Je le dire sortir. comme ça. ouais. on pourrait le dire comme ça. C'est une grande découverte, non tout à fait. Euh, Oui, oui, tout à, fait. Ah tout à fait. Ah Il me tarde de, de, de continuer de fouiller ce lieu et de, de, de faire découvrir au monde entier une fois que nous sommes sortis. C'est incroyable, oui. n'est-ce pas ah oui, oui c'est sûr qu'une ah. découverte pareille. Euh... Sarah, est-ce que tu essaies de traduire oui. la hierog? Très bien. Donc Sarah se plonge dans ses recherches. Tu. Vraiment, tu te focuses dessus. Hein. Mmh. T'arrives à déchiffrer de... et de tu. Grosse concentration. T'arrives à voir. Le verdict est tombé. Elle sera pour toujours enchaînée. À ce monde, par la loyauté de son cœur battant. La résistance de son corps lui permettra d'attendre le retour de son maître. Donc elle sera enchaînée à ce monde par la loyauté de son cœur battant. Par son cœur battant. Tu peux me redire la dernière phrase, s'il te plaît mm -hmm. la résistance de son corps lui permettra d'attendre le retour de son maître. Alors que tu te concentres sur ça, les deux autres se sont concentrés sur la suite de la fresque mm -hmm. que tu regardais. Ouais. <laughs> <What? rire> Ouette. Vous, vous, Elle se concentre sur l'écriture et vous, vous regardez la suite de la fresque. Oui. C'est une scène écœurante dans laquelle une cité égyptienne est assaillie par une armée d'êtres cauchemardesques. Il y en a deux sortes. Ceux dont le corps est humain, mais surmonté d'une tête d'animal, d'animaux, deux têtes d'animaux, enfin ils ont une tête animale quoi, qui brandissent des armes variées, et celles qui possèdent une tête d'homme et un corps de bête. Il y a des vrilles noires qui montent du sol et qui descendent du ciel, qui déchiquetent la ville et ses occupants. Certains monstres dévorent les cadavres étendus sur des tables à leurs intentions pendant que d'autres s'ébattent dans le chaos ambiant. Il y a un pharaon entièrement vêtu de noir qui est représenté avec un visage de pure ténèbres assis sur un trône pyramidal que des hideux hybrides portent à travers le carnage. En regardant cela, vous êtes tous les deux saisis d'effroi. Je vais vérifier quelque chose, mais... Non. Et... Non, c'est bon. Donc vous, vous, vous voyez ça, vous êtes saisi d'effroi. Sarah se relève et tu peux voir que Jade et John sont choqués face à la fresque, que tu n'as pas eu le temps de voir à proprement mm -hmm. parler. Eh bien, qu'est-ce que, qu est ce qui vous met dans cet état Je lui montre du doigt et je, je commence à, à marmonner dans mon, dans ma barre à réfléchir par rapport aux divinités, qu'est-ce que ça peut mmh. représenter comme symbolique, etc. Ce so -que euh, que tu tu, tu peux fresque. voir que la fresque est une scène immonde euh, d'une ville attaquée par des monstres et une mmh. sorte de pharaon noir absolu et qui domine là-dessus et tout ça est vraiment euh, répugnant, très graphique pour euh, des hiéroglyphes. Et euh, le fait de le voir te, te laisse, euh, à ton insu, pousser à un cri euh, de non volontaire, tu vois. Le cri résonne. Et vous entendez un bruit étrange. Une sorte de raclement sourd qui résonne. Genre. Il viendrait d'où Là, vous êtes dans une petite pièce. Il vient de l'autre pièce, en tout cas. Oui, un, un, un raclement qui résonne. Et. Il vient de sous nos pieds D'un coup. Un fracas. Énorme. Du coup, vous il voyez vient que. De la pièce de... où on était avant Peut-être. Georges. Fait. Je vais voir. Attends, en chuchotant. Ne bougez pas. Il prend la, il prend la bougie. Qui est... Alors, je précise, que vous avez vidé déjà une bougie, hein, j'estime. Donc, il prend la mmh. deuxième bougie. Je peux. Non, on a encore monsieur monsieur Tenbaro. <laughs> S'il y a un danger, oui. D'accord. Il avance. Attention à vos pieds, il... Euh, il, il parlait d'un truc en dessous. Attends, euh, faites, faites attention à vos pieds, là où vous marchez. Il y a un trou. D'un coup, vous entendez... Un énorme... Bruit. Beaucoup plus près. Beaucoup moins étouffé. De raclement aussi. Vous voyez que la lumière de Georges s'éteint. Peut-être qu'il l'a soufflé euh, ou quelque chose comme ça. Vous, vous le voyez, vous entendez d'un coup des bruits de pas résonner. C'est pas un endroit où on peut se cacher. Je... Vous pouvez chercher, oui. Sans ouais. En essayant de faire le moins de bruit possible. Je... Dans on cette pièce, de... ça va être compliqué. Mais ouais. dans la pièce d'à côté, il y a énormément d'objets pour se cacher. Donc vous pouvez vous faufiler dans l'autre pièce et essayer de vous cacher euh, dans dans la pénombre. Peut-être en vous éclairant de bougies plus que de torches. Ouais, je pense qu'on va éteindre la torche. Et on... on avait regardé ce qu'il y avait dans la bourse Yep. Des ossements. Ok. Vous avancez. Vous rentrez discrètement avec voilà, une bougie qui, qui éclaire à peine. Vous voyez que. Georges, s'est caché en fait euh, au, niveau, euh, au niveau de la barque, donc euh, sur la droite de la pièce. Et vous, vous pouvez vous cacher. Franchement, il y a vraiment beaucoup de cachettes. Hein. C'est pas le problème. Vous cachez. En entrant, vous voyez dans la pénombre auquel vos yeux s'est habitué. Et juste avant que vous éteigniez vos bougies, que la porte scellée. A été retiré. Et vous voyez, vous entendez, ...et ressentez, et voyez même un petit peu dans l'obscurité, une immense silhouette passer une première main, puis une deuxième main, et, et sortir comme ça. Elle, son sommet de tête, touche le plafond, qui est à plus de 3 mètres du sol. Vous entendez un reniflement dans l'air. Vous ne voyez pas réellement ce que c'est. Chaque pas fait presque trembler le sol et vous sentez des, petites, euh, des petits cailloux euh, qui tombent du plafond. La créature hument l'air. À chacun de ses pas, elle bouge des objets, elle les, elle les renverse. Maintenant, quelle va être votre réaction Ah, mais Mascox quoi. Mais <laughs> ok, d'accord. Donc vous avez tous. Il fait, a gardé vous son sens Plus que 95, je précise. Tous. Ok, je commence att à écrire de attends, manière maniaque attends, attends, Parce que là, je fais le lancer de D2. Je sais déjà ce que je fais. Ah, là, 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 là. Ok, d'accord. Bon. Je vais quand même lancer le D. Et hein. oh, hey, what? Bah écoutez, c'est vous perdez tous les trois le maximum. Donc là, là vous vous, êtes, vous avez une très mauvaise réaction. Je vais faire quand même le jeu de notre petit Georges. <laughs> lui lui a réussi bien. C'est un serpent. <laughs> je, vous je fouille frénétiquement dans la sacoche. Ouais. Pour récupérer cet objet long. Et <laughs> je je j'appelle je, monsieur Anderson. Je suis, monsieur Anderson, monsieur Anderson, utilisez ça immédiatement. Tu je lui lance le bâton dynamite. Oh Réussite critique oui. Vous sentez aussi bien que Et Maxime Utilisez-le maintenant je vous le dis Vous lancez aussi bien que Maxime Robinet Vous <laughs> aussi bien que Monsieur <laughs> Du coup Vous le voyez Immédiatement Vous sentez la masse Gigantesque S'arrêter net Tournez la tête Et donc vous voyez Georges se lève, commence à faire, et vous voyez là maintenant, alors que vous avez votre réaction, donc vous allez faire votre réaction maintenant, mais vous allez voir juste après réellement ce qu'il y a. Mais c'est quoi votre réaction, Jade et Sarah Moi, je ne regarde plus personne. Je suis, j'étais déjà dans mes pensées ouais. avant, dans la salle, en train de réfléchir. Et là, j'essaye de tout écrire. Et je, ça veut plus rien dire. Ça ressemble à rien sur la feuille. C'est genre juste. Que... Et puis c'est comme ça que ça. Fait... Sarah, tu es pas très loin de Jade. Hein, je précise quand même. Et de John. Euh, quelle est ta réaction, Sarah Je me plaque au mur derrière moi, comme si je voulais rentrer dedans, avec mon espèce d'épée devant. Ouais. Euh... Très bien. Je, et moi, je, je me bouche les oreilles et je ouais. ferme les yeux. Je me mets en boule D'accord. Ok, très disparaît. bien. pareil. <laughs> je... ah ben, donc, j'estime que Jade et John ne verront pas. Euh, attends, je me suis trompé. <laughs> Hop, voilà, c'est bon. Sarah, tu vois devant Georges une immense silhouette couverte de bandages. Quelques poils hirsutes, quelques os visibles. Une tête de canidée immense. Des yeux rouges, presque brillants et émettant une haine implacable. Elle est armée d'une arme assez similaire à la tienne, mais aux dimensions bien plus grandes. Georges laisse tomber l'allumette la et tu peux voir d'un coup s'abattre l'épée. Après que l'épée se soit abattue et qu'il y ait eu ce choc métallique et rugueux au sol, tu entends deux bruits flasques et humides tomber, les deux morceaux du corps de Georges. Tu arrives à prendre sur toi. T'empêchant d'émettre plus qu'un faible gémissement. Faire toute Vous. Finale. Pardon. Alors, John, toi, tu n'entends qu'un... Un choc au sol. D'accord mm -hmm. Et c'est tout. Deux secondes, je décris ensuite à, à Jade. Jade toi, tu entends un énorme choc au sol, suivi de deux bruits flasques et humides au sol. Tu entends à côté de toi Sarah, qui se retient de crier et qui émet à peine un petit gémissement entre ses doigts. Tu entends la créature ramasser quelque chose au sol et mastiquer. Sarah, toi, tu vois ce qui se passe. Je commence à regarder vers, le, vers la mastication. Mmh. Tu vois, alors que la petite flamme au sol, qui est en fait l'allumette qu'a laissé tomber Georges, éclaire, tu peux voir tes mains gigantesques, griffues, poilues, couvertes de bandages ancestraux, ramasser la moitié du corps de Georges.

et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je me mets à faire ce que j'ai écrit et j'essaye je, de partir vers la stèle où c'est fermé de toute façon, mais j'essaye ah, de sortir de la pièce. Alors, quoi. je précise que... À, à, alors, je vais faire venir à la masse. Donc, euh, John, je précise pour vous trois. Là, la pièce, comme elle se décrit, vous êtes tous les trois globalement au même endroit, d'accord Vous êtes à portée de chuchotement et de vue, plus ou moins. Derrière vous, il y a la pièce dont vous venez, d'accord À votre gauche, il y a la pièce dont cette chose vient, et qui est ouverte maintenant, qui était fermée jusqu'à maintenant, d'accord, scellée. À droite, il y a la sortie, entre guillemets, euh, que vous connaissez, en tout cas l'entrée dont vous venez, d'accord, qui est un passage où il faudra ramper en dessous, mais qui est fermé par un bloc qui ne semble pas trop poser de problème parce qu'il y a dans la pièce ça avec vous, je le dis quand même. Et la pièce est remplie de... d'objets euh, qui font du bruit, certes, mais qui sont aussi... Euh, des très bons endroits pour se cacher. La créature semble occupée pour le moment et mastique Donc John, euh, toi tu, tu perçois que ça y est la lumière s'éteint. Donc il y a plus de lumière dans la pièce. Moi je me suis, je, je, je... je mets en application ce que j'ai dit. Hein. Je, je me mets ouais. à couvert vers le. Donc je vais vers... retourner de la... Je reviens sur mes pas. D'accord. Euh, Attends. Tu vas donc là dans le couloir de base ou tu vas dans la pièce dont vous venez. Non, Juste non, dans le couloir de base. Ah, pour ah, rappel Maxime, la oui. pièce où on était avant là où il y avait le squelette, il y avait ouais. pas d'autre porte Non. C'est un cul de sac. Ouais. OK. Donc vous entendez Jade se relever. Et alors, tu vas discrètement, hein, j'estime ou pas plus ou moins dans le sens où euh, je suis très obnubilé par le fait de sortir de là pas euh... <laughs> ah, je, je sais si, si je vais enfin ok <laughs> elle se lève vous la voyez mmh. qui qu marche euh, vous la voyez vous la discernez qui marche telle voilà un dessin animé vous savez là, sur la pointe des pieds très discrètement elle se retourne les yeux Écarquillée. Vous voyez le faisceau de reflets de, de, de ses lunettes. Et elle se retourne directement dans la barque. Pouf. Elle emporte la barque avec elle. Elle tombe. Ça fait tomber une suite d'amphores qui se pète la gueule. Elle se retourne dedans et elle tombe au milieu de tout ça. Immédiatement, la créature relâche qu'elle avait en bouche. Et, non, 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 non! Elle hurle, le son fait résonner toute la pièce, fait s'écrouler des morceaux de pierre qui tombent tout autour de vous, etc. Elle hurle et elle commence à taper avec ses mains dans la pile d'objets où est Jade. Je crie en même temps qu'il crie. <laughs> D'accord. Donc vous, ça se passe juste à côté de vous, ça. C'est à votre droite, à votre gauche, et à la, la porte. Putain, Attends je regarde combien t'as en chance. <laughs> Non, je, je sais pas calculer. Je sais pas. Ok. Ouh. Ok. Chaque morceau qui s'abat, pour vous, c'est sûr elle est morte. D'accord euh, Maintenant, euh, on verra ce qui lui arrive en vrai. Donc là, vous êtes juste à côté de la créature qui est folle de rage, gigantesque, et qui abat ses, ses bras euh, sur le sol euh, de manière frénétique. Elle a laissé tomber d'ailleurs euh, l'énorme euh, épée euh, lance qu'elle portait euh, à côté d'elle. Bon, je précise qu'elle n'est pas utilisable pour vous, enfin, difficilement utilisable pour vous. Donc vous êtes l'un à côté de l'autre, euh, grelottant d'effroi de, euh, à côté de ça. Euh, John, tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu t'as tu, 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 ouvert euh, des trucs parce que tu as entendu un bruit abominable. Euh, mais voilà. Et donc la créature continue d'hurler et vous, entend, vous ne savez pas. Euh, ce qui est les bruits de la créature, ce qui est, ce sont les bruits de jade, les bruits des objets qui se brisent, euh, les bruits des pierres qui tombent du, du plafond, vous ne savez pas. Et donc oui. c'est dans votre, enfin c'est entre vous et la porte de l'entrée dont vous veniez. Euh, et à gauche il y a l'entrée de la créature, en tout cas là d'où elle venait. Euh, où est euh, monsieur, oh. Anderson oui, monsieur Anderson. Oubliez Monsieur Anderson. Maxime Merci. du coup question est-ce hum. que moi j'ai vu où est tombé le bâton de dynamite tout à l'heure? Ça va être difficile de le localiser puisque oh. euh, bah là c'est dans le faudrait ouais. faudrait okay. faudrait bon, s'éclairer. Ton... Tu sais où c'est globalement. Ouais. Enfin, si plus tard tu veux rechercher dans mm. un endroit un moment plus calme, dirons nous, tu pourrais le retrouver. D'accord. Et là potentiellement c'est potentiellement dans la zone où tape la bestiole. C'est ouais, c'est c'était bah, à ses pieds quoi. Ouais. Donc. Euh... Ok. Donc je laisse tomber l'idée pour l'instant. Euh... On nous oubliera. J'ai pas entendu le début de ta phrase, mais peut-être que si, si on ne bouge pas et que et qu Oui, oui, restons discrets, restons discrets. Reste... Éventuellement, sa vision peut être basée sur le mouvement. J'ai entendu ça d'un. Je, je l'attendrai pas. <laughs> euh, donc vous restez sur place ou vous allez. Sur... Euh... Vous essayez de bouger. elle là, elle est toujours en fureur. Elle est en fureur. Elle fait plus de bruit qu'elle ne pourrait entendre, ça c'est sûr. Ouais, mais moi j'ai bien envie de profiter du fait qu'elle fait énormément de bruit pour essayer de la contourner, sachant que bah, la pièce derrière nous, c'est un cul-de-sac. La... Le couloir par lequel on est entré, c'est mort aussi. Je me dis que la seule chance qu'on a éventuellement peut-être de survivre, ce serait de se glisser dans la chambre funéraire en espérant que ça donne sur, euh, sur une autre sortie. Donc c'est peut-être le moment là pendant qu'elle euh, qu pète. Je les suis plonges. déjà en train de m'y diriger. Voilà, D'accord. Donc... Vous, vous courez, vous arrivez. Euh, au moment où vous, vous tapetez hein, dans le noir, euh, vous voyez derrière vous, il y a le bruit. Vous, vous, vous faites tomber des objets, vous faites tomber une des putains de momies euh, en mettant la main à l'intérieur de sa cage thoracique. Oh. Enfin, vous, 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 vous réalisez tout ça, mais vous en foutez et ça fait du bruit, mais il n'y a rien parce que derrière, il y a le chaos abominable de cette créature. Vous entrez et là, vous en, vous rendez compte que l'odeur de la créature et vient de cette pièce aussi. Ça sent. Ça sent le vieux 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 cadavre, euh, ouais. vraiment une odeur ancestrale de mort. Et vous entrez. Vous, vous craquez une allumette pour voir un petit peu mieux, peut-être même une bougie si vous le souhaitez. Et là vous voyez un sarcophage qui est dans un sarcophage qui est dans un sarcophage brisé au sol. Vous comprenez ce que vous avez entendu tout à l'heure, quelque chose qui a été qui a raclé en fait le couvercle qui est retombé sur le côté. Vous voyez Euh, énormément d'autres euh, éléments, c'est qu'il y a aussi euh, des, des gros fragments, euh, enfin tout est fait en or, hein, donc ça brille, mais surtout il y, a des, il y a des fragments qui sont lisibles, des, des fresques qui ont certainement euh, une histoire à raconter, mais malheureusement euh, peut-être pas le moment. Mais ce que vous pas. pouvez apercevoir en, en, en tâtonnant dans, dans les trucs, et là vous entendez que la créature fait beaucoup enfin s'arrête de faire du bruit d'accord vous, vous voyez qu'il y a au fond en gros euh, revenant donc vers le sud euh, de cette pièce une, une entrée une autre pièce go, 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 go. vous avancez là-bas jade Oui. tu fais quoi alors qu'il est en train de taper autour de toi de toutes ses forces. Pour l'instant, il ne t'a pas touché. En fait, là, je suis ensevelie par plein d'objets. Alors, toi, tu es dans la pile d'objets et il tape dedans. Donc, pour l'instant, tu n'as pas été touché. Est-ce que ça va durer, tu ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il compte faire après cette... Euh, cette euh, frénésie, tu ne sais pas non plus. Mais tu as à moitié sous une table, à moitié sous le bateau que tu as fait tomber. Tu, Pour l'instant, en tout cas, tu n'as pas de dégâts physiques. Si j'essaie de me mettre dans la barque mm -hmm. Tu te glisses dans la barque. Tu vois plusieurs fois, euh, tu perçois que les griffes percent la coque de cette barque, euh, pourtant très solide. Au bout d'un moment, les coups s'arrêtent. La créature semble essoufflée, et hume l'air. Tu l'entends renifler. Tu entends son museau se rapprocher de l'endroit où tu es et pousser un petit peu la barque comme un chat qui chercherait la croquette je, sous un je, meuble. J'essaie je, de courir vers la sortie euh, que j'avais prévue. D'accord. Ok. Tu te lèves. Tu cours. Tu arrives à éviter le capharnum d'objet. Et derrière toi, tu la sens qui commence à se relever et qui commence à courir vers toi. Tu te glisses, tu te faufiles dans l'espèce de trou. Et, et... à tout de suite. <laughs> dans ce stage ici... Poète. Oui. Euh, du coup, vous entrez dans la pièce alors que vous entendez la créature reprendre sa frénésie. Et courir, vous entendez les cris de jade et vous entendez des, des glissements de pierres, etc. Vous comprenez que vraisemblablement, elle s'éloigne de vous. Hein. Elle, elle va mmh. vers l'entrée. Vous entrez maintenant dans ce qui semble être, et c'est toi qui peux l'identifier, Sarah, mais toi aussi, John, tu as une certaine expérience là-dedans. Ça semble être une salle au trésor. Il y a des richesses multiples, des statues, très fragiles, des statuettes, des céramiques. Des petits chars, des petits bateaux en or. Et il y a carrément même une maquette complète d'une ville en or. Mais surtout, vous pouvez voir qu'il y a un énorme coffre en pierre au fond. Qui est très différent des autres. En quel sens Il n'est pas rutilant. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre porte à cette salle Non. La maquette de ville, est-ce qu'il y a un emplacement, il est marqué Non. Et euh, le bruit de la créature s'éloigne, du coup euh, Ouais, et bah là, il est dans, il semble être dans une autre pièce, pour le moment. Et euh, la pièce dans laquelle on est, est-ce qu'on voit des fissures dans le mur qui pourraient communiquer avec le couloir Non, ou... non, non, non. c'est. Euh... C'est vrai que c'est pas très loin du couloir, mais c'est ouais. loin quand même. Au, au, au vu de l'épaisseur des, il des il murs, su... des portes qu'on a traversées, vu, on il, pense il, il même... y aurait euh, genre 3-4 mètres, vraisemblablement, ah, euh, peut-être, mais de, de pierre, quoi. Ouais, ouais, pas de, oui. Ok. Ah. Bon, un cul de sac. Que fais-tu Je m'approche du coffre. Ouais. T'essaies de l'ouvrir Je colle mon oreille. Tu colles ton oreille et alors que vous vous en rapprochez, justement, Sarah et John, vous entendez à l'intérieur un battement. Qui vient du coffre Oui. D'accord. C'est fou. Est-ce qu'il y a des inscriptions sur ou autour du coffre mmh. Pas sur le coffre, non. Mais il y a clairement un battement dedans. Vous pouvez ouvrir le coffre. Il, faut, il vous faudra vous y mettre tous les deux, puisque c'est un coffre en granit, enfin vraiment un, un gros coffre, quoi. Je, je ne suis pas encore fou, mais je. On ouvre ce coffre. Ça sera toujours... Allez, sortez Elle Sera de... pour toujours enchaîné à ce monde par son cœur battant. Comment ça, son cœur? La phrase, la phrase sous la fresque. Hein Sous la fresque, les hiéroglyphes disaient « Le verdict est tombé. Elle sera pour toujours enchaînée à ce monde par son cœur battant. La résistance de son corps lui permettra d'attendre le retour de son maître. » Maître est de retour. Cette créature, euh, est-ce que je pense que ça pourrait être celle qui était sur la fresque, qui avait une tête de loup, et où les, ouais, les choses bah ouais. euh, ouvraient sa poitrine, du coup C'est possible, ça correspond. Eh bien, nous, je, cours, cette... je cours à la salle euh, où est tombé mmh. le bâton de dynamite. Si je si je pense que la créature n'est plus dans cette salle. Alors pour l'instant je peux pas le dire. Donc pour l'instant c'est ce que vous vous apprêtez à faire. Je vais vous dire ce que vous allez faire. Enfin ce qui va se passer par contre. À tout de suite. Je continue d'essayer de pousser le. Ah ouais. Moi j'essaie je, de pousser. D'accord. Tu essaies de pousser le truc. Ouais. Euh, tu arrives à l'ouvrir. Et je vous dis ce qu'il y a dedans avant que tu partes. Jade. Tu, tu arrives à sortir, ça y est, tu es dans ce couloir et, et tu, tu allumes euh, une bougie d'au dernier moment. Tu, tu, tu arrives à l'ouvrir donc tu vois le long couloir euh, face à toi, les, les 10 mètres qui te séparent de cette dalle d'entrée. Derrière toi, tu entends un raclement au sol. La créature tire la pierre. Tu cours, tu arrives essoufflé, tu es face à cette dalle qui te sépare de la sortie. Derrière bah, toi, le s'arrête. Et tu, tu te retournes ou pas Tu hurles, hein, j'ai bien compris. Euh, je, 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 je regarde par-dessus l'épaule, mais je, je continue à okay. tu, c est c est sortie, tu entends. Tu entends. Les bruits sont que la créature s'est mise à quatre pattes. Et elle hurle. Encore une fois. Et les bruits s'accélèrent. Elle galope vers toi. Je jette machinalement ma, ma bougie à sa figure. D'accord. Est-ce que tu essayes de l'éviter ou pas Oui, bien sûr. Mmh. Wow tu oh. <laughs> T'as de la chance J'ai d'abord fait le lancer <laughs> de bougie <laughs> J'ai fait lancer de bougie, t'as fait un échec critique. J'ai fait l'esquive, les, les t'as fait une réussite critique. T'as fait un double incroyable. Je fais une van Helsing. Écoute. Tu essayes de lancer la bougie, la bougie met le feu immédiatement à tes cheveux. Je me jette les cheveux dans fais... le crâne. Tu fais ça, et en fait, ça te fait tomber sur le côté en... Et du coup, tu évites en tombant. La créature, la créature vient et se fracasse de toutes ses forces contre la dalle. La dalle tombe de l'autre côté. La créature est au sol. Inconsciente. Je cours, je cours, je cours, je cours. Je sors de là. La... Hein. C'est pas grave, je vais <laughs> me rouler dans le sable dehors. <laughs> ok, <attends. rire> Incroyable. A tout de suite. Le coffre. Alors, je vous dis ce qui se passe. Le coffre mm -hmm. révèle cinq vases canopes sculptés dans du calcaire. Quatre d'entre eux sont fermés par une sorte de bouchon en tête d'animal faucon, crocodile, ibis et loup. Et le dernier, un anque, gravé à l'envers au-dessus du couvercle. À ce moment-là, vous entendez un énorme raclement. Comme celui que vous aviez entendu lorsque la créature a vraisemblablement ouvert la porte. Mm -hmm. Puis l'entendez galoper un cri un hurlement puis un énorme fracas le cri semblait provenir d'une voix humaine non, ou... non 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 clairement pas non de la créature plutôt ouais. et le raclement il semblait venir d'où de la pièce enfin euh, de la porte euh, que vous aviez passée au travers euh, en... Ah oui. Ouais. Ah bah oui, parce qu'elle, elle ne peut pas se faufiler. Et ah putain, c'était pas con d'aller dans le couloir en fait. Bah enfin, si, elle peut ouvrir la porte du coup, mais... Euh, ok, pardon. Que faites-vous Je vais chercher le bâton de dynamite. Je saisis euh, l'amphore à Clank D'accord. Que fais-tu Je... J'ouvre le bouchon. D'accord. À l'intérieur, tu vois un cœur battant, énorme. Le fait de le voir te fait presque lâcher l'urne. Il bat dans tes mains, presque. Euh, non, je, je, ok, j'en okay, euh, ouvre, j ouvre euh, je lâche l'enfort, ouais. et euh, j'en ouvre, ouvre un, un autre. D'accord, lequel Le loup. D'accord, à l'intérieur du loup. Tu trouves quelque chose. De... Tu ne sais pas exactement ce que c'est. Des restes de quelque chose. Un organe, je, vraisemblablement. Je le referme. Ouais. Et euh, je, je prends l'enfort avec, avec. Le cœur est encore ouais. dedans. Mm -hmm. la saisie, je la saisis. Je l'ai éclaté par terre. Très bien. Tu cours donc. Qu'est-ce que tu <laughs> vas faire? Je, Je cherche, cherche frénétiquement le bâton de dynamite. D'accord. À ce moment-là, quand tu cherches, tu vois effectivement que la porte est ouverte, mais tu entends qu'il y a des cris, genre de Jade, qui mmh. viennent de l'entrée. Je continue à chercher frénétiquement le bâton de dynamite. Tu trouves le bâton de dynamite. Tu le main. Je le ramène vers le. Donc c'était le vase avec l'ancre qui semblait euh, battre. Pas okay. sûr, moi je, je en tout cas je retourne euh, auprès du coffre. Tu arrives auprès de John. John, alors tu arrives auprès de John, John ouais. et les mains en l'air et jette au sol le, le vase contenant l'encre. Et tu, vous pouvez voir le cœur s'éclater au sol et se transformer en une sorte de boue noire. A tout de suite. Jade. Oui. Tu es toujours la tête en feu, tu te roules dans le sable. Ouais, je, je me débarrasse du maximum plus ouais. possible de. Ouais, je... tu, te, tu te relèves et tu vois quelque chose que tu ne pensais pas revoir un ciel étoilé. Les ouvriers sont là ou pas Non, il n'y a personne. Je continue à marcher. D'accord. Jusqu'à ce que je trouve à un endroit tu commences où. Je... À Alors, tu commences à marcher. Puis tu entends un bruit qui vient de l'entrée et tu vois se relever dans la lumière de la lune la créature. Je m'en mets à courir. Elle Autant te, que faire ce Elle fait deux euh, deux pas. Elle arrive sur toi. Je lui hurle dessus, mais de rage. je tu te marre retournes là, tu hurles <laughs> dessus. Elle hurle sur toi et instantanément tombe, morceau par morceau, comme. En boue noir. Quoi A tout de suite. Je... Que faites-vous Et il se passe euh, rien de plus après que le cœur est non. fondu J'ai détruit le cœur. Euh, Vous entendez, coeur. venant de l'entrée, de loin, de très loin. Un cri de la créature, puis un cri de Jade, puis un cri de la créature en même temps et plus rien. Mais ça semble venir de plus loin que tout à l'heure encore, encore plus loin que le couloir. quoi. Sarah, vous avez récupéré la dynamite Oui, je l'ai. Ok. Euh, qu est-ce qu'on f... est qu est-ce qu'on est-ce qu'on fait péter tout ce qu'il y a dans le coffre, dans le doute, <laughs> ou est-ce qu'on la garde alors, si vous mettez la dynamite là où vous êtes, et que vous la faites sauter, tout pète, hein. Par contre, Ou je tiens à dire... C'est sûr. Par ah. contre, je tiens à dire que, depuis le gros bruit, vous remarquez en fait, maintenant que vous êtes un peu plus posé, que il y a de plus en plus de morceaux qui s'effritent, et que le lieu menace peut-être de s'ébouler bientôt. Il est temps d'atteindre la sortie et d'utiliser oui. cette dynamite pour ouvrir une porte de sortie. Très bien. Oui. Vous marchez tant bien que mal à travers euh, les objets, et, et là, déjà vous êtes choqué par le fait que la porte du couloir est ouverte et déplacée. <laughs> tu vois la petite amphore que tu avais laissée, euh, John. Je la saisis. <laughs> vous voyez au bout du couloir la lumière de la lune et l'ouverture, sandale Vous voulez voir, vous pouvez voir Jade debout dans le désert. Vous la voyez au loin. Jade, bah je pars en euh, ouais. courant. Ok. Vous arrivez dehors. Vous arrivez près de Jade, qui a, euh, qui a, qui a sa coiffure défaite comme s'il manquait des cheveux. Et face à elle, il y a une énorme flaque de boue noire. Qu'est-ce que. Jonah, Jade, une fort en or. <laughs> Et Sarah, une patente un dynamite. Un <laughs> Qu'est-ce qui se passait Nous, nous poserons <laughs> les questions plus tard, sortons donc de cette ronde olympique. Ah, mais vous êtes je... dehors, vous êtes, dans le, vous êtes dans le désert, ça y est. <laughs> et et c'est la nuit? Oui. Et il n'y a plus personne? Non. Où était ce. Le. On avait un camp euh, à proximité. Ils ont replié le camp, vraisemblablement. Vu les, les traces. Plus rien du tout. Ouais, il faudra rejoindre un des multiples campements qu'il qu y a euh, dans le <laughs> désert, hein, mais c'est faisable. Je. Jade, qu'avez-vous donc fait pour. Euh... T'as toujours la bourse, hein, Jade Je. C'est des ossements. Oui, bah oui, Je jette du sable, je je, 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 je. je ne leur réponds même pas, tu sais, je chute je, je dans le sable pour en foutre okay. sur la, la vase, tu sais, genre. Ah ouais. <laughs> Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce qui s'est passé Comment vous. Eh bien, je, 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 je crois que nous avons trouvé le cœur du problème. C'est ça. Euh... C'est ça. Sarah, tu allumes une petite bougie pour euh, t'éclairer euh, au dernier moment C'est de la dynamite. <laughs> en tout cas, on a eu chaud. Hein. <laughs> Free frame. Cool guys never look at explosion. <rire> Que fait, je vois bien le truc, je marche avec mon nom fort. Allez. À ce moment-là, vous parlez, vous entendez... Et il y a un énorme nuage de sable okay, et de poussière on... qui sort. J'essaie je je je, je, de les prendre par les épaules et je leur propose d'avancer ouais. plus vite pour pas qu'on mmh. se fasse embarquer. Vous rejoignez assez rapidement un campement euh, que vous aviez repéré avant. Est-ce que vous racontez euh, ce qui vous est arrivé ou est-ce que vous le gardez secret Que faites-vous Non. Moi non, je. Très bien. <laughs> je John. Je ne peux jamais revivre ça. John, on t'entend pas, je crois. Je, je raconte euh, je, dans tous les milieux des explorateurs et dans tous les plus grands clubs, euh, je raconte cette table histoire de tombeau et bien entendu je euh, je montre la preuve à l'appui de cette amphore magnifique Une euh, provenance <laughs> incroyable. Sarah. Je garde l'épée en souvenir, ah ouais, mais non. Vrai que as je oui. as putain. je, je <laughs> ne raconte pas. si on me demande, je dis que ça s'est très mal passé, que la pierre est tombée, qu'on a été enfermé plusieurs heures dans le tombeau et que finalement, on a eu la chance de pouvoir sortir parce que la structure était instable et que probablement c'est la chute de la pierre qui a dû déséquilibrer la maçonnerie. Oui, non, mais... Et euh, voilà, il y a une fissure qui s'est ouverte, on a pu sortir in extremis avant que tout s'écroule. Oui. Un enfer. Je que fais-tu de, pas... ri... de tes multiples richesses <laughs> <laughs> évidemment, euh, je... je me suis promis de ne plus jamais retourner en Chine. <laughs> Par... Par contre, je raconte pas Je raconte pas l'histoire d'une la... créature. Ouais, et tu dis, ouais, euh... les... c'est étrange. De temps en temps, je Moi, raconte l'histoire de la créature. Je le raconte mais... à une personne. Je le raconte à euh, Margaret. Quand je... Si un jour j'ai l'occasion de la revoir. Très bien. Ah, je pense que oui. Et donc, vous avez officiellement gagné le JDR. Putain, mais. Incroyable. En, oh. vrai, en vrai, la double narration de Jade qui se bat, qui a réussi des jeux qui étaient impossibles. <laughs> Les gens, j'ai mis des difficultés. J'ai mais... abusé. Il y a un moment, j'ai fait vas-y, elle se barre, je lui mets 10% de réussite. Elle a fait 9. Et il y a <laughs> le moment à la fin où elle décide de lancer <laughs> la bougie sur le truc et d'esquiver. Et je dis bon, bah, je fais d'abord la bougie. 99. 99. Et je lui fais, bon bah ensuite l'esquive, 1. <laughs> Genre, j'ai jamais vu ça sur la même lancée, donc du coup elle a pris feu et elle est tombée à cause du fait qu'elle prenait feu à cause de la bougie, tu vois, et ça l'a sauvée. Et le fait qu'il y a la créature qui l'attaque et au moment où elle attaque vous pétez le cœur, du coup bah... Ah, coup, si du... vous avez pété oui, le cœur. Ils ont pété le cœur au dernier moment, c'était trop bien. Ouais, Et mais... du coup, moi, j'ai crié sur la bestiole ouais, elle, est... elle est partie en poussière. <laughs> la scène qui est genre... Jade, est, qu est genre... puissance de ce cri Jade, elle pense qu'elle est genre craquée ouais. du cul, tu sais. <laughs> mais non, mais elle on lui raconte. Je pense mais... que je suis maudite aussi. Alors, je précise que les dés sont toujours les mêmes. C'est un simulateur de dés sur le stream deck. Et en vrai, il fait des dés très variés. Hein. J'essaye, là, voilà. 60, 37, 83, 72, 75, 52, 82, 55, 95... 89, 61, vous voyez c'est varié donc il y a pas de il fait pas particulièrement des, des réussites et tout ça c'est pour ça que j'utilise ça donc euh, non franchement euh, jade cuif, balèze euh, très très cool <laughs> ce petit tombeau j'ai beaucoup aimé aussi donc, ouais. euh, donc voilà, il donc y a plein de possibilités moi j'ai modifié 2-3 euh, trucs euh, bah, l'intro j'ai rajouté euh, j'ai mis un PNJ avec vous pour qu'il se fasse tuer mm. parce que je pense que c'est important et c'est un des 4 personnages qui est proposé euh, alors, je précise que le bouquin est vraiment extrêmement généreux en termes d'aide. Euh, bah, je vous montre hein, un petit peu tout. Bah, vous avez même une. Alors, bon, euh, il, il monte dès le début, par contre, la créature, ça c'est un petit peu dommage. Et si vous. Voilà. Hey. Dès le début, okay. vous avez. Euh, je vous montre quoi La créature. Ah oh, oui, nous on a la vision de merde. Oui, désolé. Euh, <laughs> vous avez donc ensuite la structure du scénario. Il vous invite à à le faire en une heure. Bon, franchement, je trouve ça un peu abusé d'essayer de le faire en une heure. Euh, vous avez donc les, à, les descriptions des, des personnages. Vous pouvez les détruire, et vous euh, les dé distribuer, pas les détruire. Euh, vous pouvez jouer à moins de quatre joueurs, évidemment. Mais et peut-être en avoir aussi. plus, c'est vrai. Il vous explique un petit peu tout. Il y a ensuite un plan qui est très détaillé et qui est vraiment ouais, un, 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 très, très agréable à parcourir puisqu'il qu'il y a beaucoup de petits détails, en fait. Ouais. Euh, donc ça, c'est très cool. Euh, donc il y a les aides de jeu si vous le souhaitez, c'est toujours bien hein, euh, de les reproduire. Euh, là il vous explique carrément, en gros, ce que des personnages feraient en cas de perte de santé mentale si vous avez des joueurs qui sont pas très créatifs là-dessus, oh, qui bah, savent pas cool, trop ça, et tout. Ça vous le savez, et ils vous disent combien ils ont de ça les défenses définitives, les actions involontaires les folies passagères donc ça je trouve ça vraiment aidant. Euh, très important aussi, tous les personnages sont euh, non genrés. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est euh, le la professeur de langue, euh, le la détente, enfin euh, voilà. Et c'est pareil sur les fiches, ils ne sont pas nommés non plus, donc vous pouvez nommer les personnages. Je trouve ça extrêmement positif parce que le nombre de scénarios où... Euh, moi, bah, on l'a vu avec Warhammer l'autre fois, en fait, j'ai dû adapter en disant, bon bah c'est tout, tu fais un mec ou une meuf, tu, tu choisis, on s'en fout, en fait. Euh, Enfin, en vrai, pour un personnage, ça change quoi que ce soit une meuf ou, une... ou un mec archéologue, euh, professeur, euh, oui. temps tout soldat, on s'en branle en fait. Euh, et je trouve ça vraiment bien, euh, sincèrement. Euh, donc voilà, la créature, euh, il propose différentes euh, conclusions, euh, différentes récompenses. Et donc, il y a les fiches perso, qui sont adaptées un petit peu au, au genre. Enfin, euh, il n'y a pas tout, quoi. Vous voyez ce que je veux dire C'est une fiche perso simplifiée. Euh, mmh. qui vous donne euh, que ce qui est nécessaire. Et ça, j'ai trouvé ça très bien avec un petit carnet de notes joint. Donc voilà, euh, franchement, je trouve que ce scénario-là est. Euh, très très chouette. Très fun. Euh, avec un petit. Alors moi, je l'ai joué un petit peu plus pulp euh, que je l'aurais joué en temps normal parce que je trouvais ça fun. Euh, bah oui, oui, peut-être. Voilà, euh, c'était une volonté. Bon si <laughs> Et puis bon, parce qu'on a Meok qui est euh, clairement une pro-playeuse, apparemment. Euh, donc. je <laughs> 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 Donc euh, c'était cool. Euh, donc euh, je rappelle que c'est donc dans aux portes de l'horreur qui est donc à 25 euros pour trois scénarios encore une fois je le précise ne vous attendez pas à avoir des scénarios très développés Ce sont, ils sont tous à peu près donc eux ils disent une heure moi j'estimerais deux heures euh, peut-être un petit peu plus si vous, vous pouvez rajouter dans certains franchement un avant ou développer certaines scènes voilà euh, mais ils sont très bien pour débuter euh, par contre voilà c'est pour 25 euros ça fait peut-être un peu petit ma, ma copine quand elle l'a vu elle a dit ah c'est quoi cette BD parce que c'est vraiment format BD en fait, euh, BD française. Euh, dans la réalité, ça fait euh, ouais, un peu moins de 90 pages. Un euh, Petit oeil de Cthulhu là. Non, Donc, oh, euh, mais c'est sympa. Super base pour un premier. Moi, je trouve que c'est top pour démarrer. Vous prenez le kit de démarrage de ça, vous avez de quoi faire, hein. euh, honnêtement. Et ils sont très facilement adaptables à Cthulhu Dark ou euh, Trails ou euh, ce que vous voulez d'autres, euh, même si... Bah, moi, je préférerais peut-être l'appel de Cthulhu et Cthulhu Dark, mais vous faites ce que vous voulez. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est Edge qui le fait, et je précise qu'ils m'ont envoyé le livre, évidemment. Euh, c'est pour ça que j'en parle particulièrement. Mais franchement, euh, enfin, c'était un des scénarios que j'avais sur ma liste. Euh, et je ne savais pas qu'il <laughs> qu en faisait partie. Je précise quand même. Euh, je l'ai découvert en le lisant, en fait. J'ai fait, mais je suis sûr que j'ai déjà lu ça quelque part. <laughs> et, euh, et donc voilà. Euh... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, bah C'était très cool. En vrai, franchement, j'ai vraiment bien aimé euh, même l'ambiance euh, un petit peu. Il euh, bah, y a un petit côté donjon, on ne va pas se mentir, euh, exploration de donjon, etc. Mais euh, justement, c'est cool et ils l'ont bien fait à la Toulouse, donc euh, j'ai bien aimé. C'est les meilleurs scénars. Euh, mmh. Du coup, euh, j'attends les illustrations de Jade, John et Sarah euh, partant du temple qui explose à peine. <laughs> ou, euh, okay. ou de Jade qui hurle à la tête du. <laughs> De la Ouh. momie garou. Euh... Je, je rappelle que Sarah donc, a une épée de ouf. Oui, euh, vrai Jade se balade avec euh, une bourse, bourse remplie très certainement un de plombou de... <laughs> <Les rire> <d 'ossements. rire> et d'agon. De. d'os. Les ossements. Et toi, t'as une putain d'enfant. <laughs> une putain d'enfant en or, moi, sous le bras. As on a genre. chacun notre petit souvenir. C'est vrai. vrai. Voilà. Euh, on est obligé d'avoir un système spécifique pour jouer on ne peut pas simplement laisser le MJ définir les pourcentages de chance. Euh, bah, les pourcentages de chance ça s'appelle Cthulhu, euh, c'est un, un, un pourcentage, euh, mais honnêtement euh, là c'est vraiment amené pour être joué à l'Appel de Cthulhu, hein. ça fait partie de la gamme Appel de Cthulhu. Je précise, Appel de Cthulhu, pas Cthulhu Pulp, comme j'ai dit au début, vous pouvez le faire dans Cthulhu Pulp mais ça demandera une adaptation euh, parce que là bah, par exemple moi mon but c'était, elle euh, est, enfin dans ma tête elle était imbattable la créature, euh, peu importe que vous l'attaquiez ou je sais pas quoi, vraiment, sauf si vous faisiez un putain de lancer à plusieurs et tout, mais le scénario, il la présente genre, t'essaies de tirer dessus, tu peux pas, en fait, parce que t'es dans mmh. le noir, t'es dans le machin. Euh, voilà. Donc au quoi... final, Georges, il aurait fait péter la dynamite, il nous tuait tous, en fait. Ah oui, ah oui c'était ah oui. sûr C'est pour ça que je voulais <laughs> pas le faire Parce que ah j'étais oui. en mode, il faut pas qu'il le fasse euh, Mais c'était <laughs> bien, quoi. Euh... C'était quoi les os de mes <laughs> Alors, c'est pas des os, hein, elle avait euh, multiples. C'était des, zoos, oui. des, des <laughs> trucs précieux, des pièces d'or et, et mm -hmm. de, de bronze, etc. Donc, euh, non, voilà. Euh, C'était. Elle euh... est peut-être thunes. Je m'étais double baqué parce que j'avais à moitié, j'avais euh, deux tiers vidé la bourse dans mes poches. Ouais. <laughs> oui, oui. en plus. <laughs> euh, je m'attendais à ce que la créatures bouffe la dynamite et explosent avant. C'est vrai que. Euh, mais. Pour moi, si elle fait ça, elle, elle explose quand même. Euh, et c'est pareil, je précise que j'ai fait deux lancers de chance pour quand la créature tape sur. Euh... Enfin, non, j'ai fait un lancé de chance et un lancé de dextérité. De, et elle les a réussis. Hein. Elle a réellement réussi les, les trucs. J'ai rien tweeté parce que moi, j'étais en mode, bah, au pire, elle meurt. enfin C'est pas très grave. Euh... Mais, euh... Mais du coup, non, non, elle les a vraiment réussis. Hein. Les mecs en train de déjeuner dans le camp qui ont vu arriver une meuf avec un sabre, un type avec une enfant pleine d'or et déjà tout débraillé, et je fais cramer avec un fémur et un sac d'or. <laughs> Posez pas de questions, merde. <laughs> euh. dure. Bah, dur. ils euh... dit putain. Ouais. C'est à... vrai. T'as à dire que j'ai dit putain à un grand coup. Mais <laughs> j'ai sans... vraiment cru que c'était un train mots, de troller Mais non, mais évidemment. Je comprends, mais non. Je... Enfin. <laughs> je suis plié en deux. j'étais là... La... <laughs> J'aurais voulu, quoi. Mais non, je suis trop bête. <laughs> Parce qu'en plus, c'était vraiment genre, vous attendez, de l'autre côté. <laughs> vous n'entendez plus rien. Putain. Et là. Putain! Oh <laughs> Ça y est, parfait! <laughs> il est très bien posé! Euh, les autres enfants avec des têtes d'animaux, c'était des vieux cœurs de... Non, c'était euh, son estomac, ses organes. poumons, euh, ses boyaux, euh, des conneries comme ça. Quoi. Inutile et inintéressant. <rire> <rire> je les ai mangés. Il y a, y a plein de petits détails que vous avez ratés forcément et que je vous invite à découvrir quand vous ferez le propre scénario de votre côté. Il y avait notamment des momies de chiens. Euh, mmh. Qui sont pas mal euh, et euh, peut-être diverses explications aussi sur la créature, etc. Enfin voilà, a eu euh, dans la, la pièce euh, où il ouais. y avait les sarcophages, il y avait plein fait. de fresques, ouais, tout à fait. Oh, c'est tellement euh... facile d'adapter ce, ce scénario à une campagne, bah ouais, c'est ça en fait. Il Moi il je trouve, trouve bien. que en, en vrai, au début, euh, je, je précise que je l'ai lu à la, à la base parce que je pensais que c'était un scénario pour Touloupulp et que c'était pour préparer la campagne. Touloupulp, j'aime toujours bien. Euh, bah, lire un petit peu des scénarios variés et tout pour m'inspirer, ou directement le reprendre, parce que pourquoi pas dans une campagne, ça... Enfin, c'est rarement arrivé euh, dans... récemment, mais dans la première saison Arkham piège je rappelle que la majorité des scénarios n'ont pas été écrits, euh, et c'était des scénarios que j'ai pioché un petit peu partout, donc euh, ça ne me dérange pas de le faire en, en le précisant, quoi. Mais là, franchement, euh, celui-là, je trouvais pas adapté à de la campagne, mais euh, je trouve que c'est une bonne euh, initiation, et limite, ça serait mmh. intéressant de reprendre les PNJ, enfin euh, les persos. Comme PNG, vous êtes tous les trois encore en vie, euh, c'est pas, pas impossible. Euh, c'est genre eh. 30 ans plus tard. Euh, Qu'est-ce que je te eh. disais, Castor C'est carrément <laughs> possible. 30 ans plus tard, je pense ah que oui, vous pouvez être encore raison. en vie. Félicitations, on a, on vous a venez battu de voir. Les, les stats. Je euh... ouais, vous ne vous venez vous venez de voir pas deux secondes qu'on allait survivre. Ah, bah j'avoue bah, non. J'ai vraiment joué pour mourir. <laughs> en plus, mais oui! Mais non, ouais, je... <laughs> et, et le pire, c'est que c'est ça jou... qui nous a permis de gagner. Parce que du coup, c'est ah. le fait que t'es fait diversion qui nous ouais. a permis d'aller dans la pièce où il y avait euh, la seule solution pour régler le problème. Quoi. Moi j'étais en mode bon, j'ai perdu toute ma scène. <laughs> ouais. <rire> euh, le meilleur moment pour moi, c'était la créature mastique. <laughs> <laughs> Merde. Euh, c'est un peu le sous-texte de South Park. Quoi? Euh, vous avez battu les stats, mais c'était pas un vampire. J'ai failli les, la faire. J'avoue. Euh, les gens, on se retrouve donc dimanche pour la mine de talent. N'oubliez pas de participer. La mine de talent, je rappelle que le thème est très cool puisque c'est. Euh, et je suis pas du tout en train d'essayer de me souvenir, mais je m'en rappelle parfaitement parce que c'est hélice, sanglier et cube. Mmh. Euh, ça a été un effort de mémoire incroyable en vrai. <laughs> euh, et donc c'est dimanche à 21h. Demain, il n'y a pas de live puisqu'il y a un tournage pour. Euh, la vidéo de présentation de Mir euh, qui sort, je pense, sans trop de soucis, de dire qu'elle sortira mercredi prochain. Euh, donc c'est plutôt cool. Et il y aura une autre présentation d'un autre JDR qui sortira à la fin du mois, dans lequel euh, je l'animation est faite euh, cette fois-ci par. Enfin, l'animation, les... les élus de l'animation d'intro sont faits par euh, Missif. Euh, et c'est sur un thème qui, je pense, plaira à beaucoup d'entre vous. Euh, okay. En tout cas, moi, j'ai accepté de faire cette vidéo de présentation il y a un an. <laughs> Donc, euh, sachez-le. Euh, c'est sur, sur un, JDR que vous connaissez tous. Voilà, c'est sûr. Je dis ça. Je... C'est sûr. Euh, okay. C'est tout. Euh, en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien vous donner un indice. Mais, mais le oui. moindre des indices, vous donnerait <laughs> immédiatement ce que c'est. En fait, tellement c'est connu. Donc, il euh, y a zéro. Zéro, non, mais Mir, j'ai dit que je le faisais, c'est sûr. Oui. Alors, non, alors, Pathfinder, pardon les gens, mais c'est pas du tout mon genre de jeu. Ça reste un jeu dans lequel l'univers j'accroche. C'est vrai, voilà. mais c'est pas DND 5. C'est sûr <laughs> que non. Euh, alors, DND 5, euh, faire une vidéo de présentation, zéro souci. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une vidéo de présentation de DND <laughs> euh, Ça, c'est une autre question. Euh, ouais. La, La vérification. <laughs> ouais, il va je finir par te trahir. T'as tellement envie de le dire. <laughs> ça se voit. <laughs> Euh, je ne... Ah, J'essaie de trouver un, un clin d'œil que je pourrais faire qui est dur à trouver. Mais... Non, j'aurais trop peur. De... En vrai, là, j'ai <laughs> juste envie d'en dire un, mais... Euh... Non, 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 non. <laughs> je vois pas comment l'amener, en fait. Je peux pas. Ça arrive. Ça n'est pas, fanta... pas fantasy. Je, je précise que je me serais pas permis de faire deux présentations de jeux similaires euh, à la suite, parce que je pense que ça aurait desservi Mire euh, et vraiment, les gens, euh, je dis ça honnêtement, euh, Mir, c'est vraiment un, un projet du cœur euh, pour moi. J'aime vraiment beaucoup ce projet et je me suis vraiment investi là-dedans euh, parce que bah, je trouve que c'est vraiment cool. Et j'espère sincèrement qu'on pourra faire l'actuel play euh, parce que l'univers est cool. D'ailleurs, je crois savoir qu'un euh, certain Mascoc, c'est une certaine Méoc, ont dit qu'ils étaient intéressés pour euh, participer à l'actuelle play. Donc, si on atteint euh, ce qu'il faut, vous aurez euh, plusieurs des joueurs présents euh, ici. Euh, mais euh, voilà. Ce... Alors, cyber... Cyberpunk, je... je sais pas, tu vois, si je ferais une présentation. Ah. Parce que le système de jeu, je crois que le nouveau, ça va. C'est l'ancien que j'aime pas. Non, c'est Shadowrun que j'aime pas, le système. Mais j'aime bien l'univers. Euh, je précise, dans les présentations de JDR, je dis quand même un truc qui est super important parce qu'on m'a fait la remarque par rapport à Cult. Et je le dis ouvertement, là, il y a zéro souci. Les présentations de JDR que je fais, c'est souvent plus pour l'univers que pour le système de jeu. Euh, parce que pour moi, le système de jeu, dans un livre de jeu de rôle, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez utiliser... Enfin, littéralement, on, on vient de jouer à l'appel de Cthulhu. J'utilise à peu près 5 à 10% des règles de Cthulhu. Euh, et j'adore quand même l'appel de Cthulhu. Euh, donc voilà, et pour Cult, c'est pareil. Pour moi, Cult, c'est l'univers de... et le bouquin, littéralement, physiquement, le bouquin euh, et les conseils qu'il y a dedans que je trouve très intéressants. Maintenant, le système de jeu de Cult, je, les... je vous le dis honnêtement, je ne le trouve pas incroyable. Euh, et c'est possible que sur d'autres systèmes, ça soit pareil. Euh, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment plus l'univers et la qualité intrasec du livre. Euh, je ne sais pas si intrasec est le bon mot, mais je l'ai quand même utilisé. Euh, et ça paraît légitime. <laughs> dernier oui. élément, je vous rappelle qu'il y a le Tipeee de Sombre Machination. Demain sort le premier épisode de... Enfin non, c'est aujourd'hui. De Vacances Brumeuses. Euh, vous pouvez donc aller sur le Tipeee. Incroyable. J'ai un paquet de cartes Tipeee. Euh, ils m'ont <laughs> envoyé ça. Je ne sais pas quoi vous dire. Euh... <laughs> C'est un cadeau comme un autre. Hein. Mais pourquoi des cartes je ne sais pas. Euh, et du coup, euh, n'hésitez pas à aller sur le Tipeee pour avoir en avance et la, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, donc vers le 15, il y aura donc la saison qu'on appelle pour l'instant Croco. Il euh, n'y a pas de... Je, sais, je, je pense avoir un titre, mais euh, le titre est, euh, est plutôt badass, donc euh, je, je vais essayer de le, de le tester un petit peu euh, sur l'équipe et ils me valideront si ça va. Montagne et, euh, reptilienne <laughs> Et, euh, et du coup il y a un truc plutôt cool et euh, vous verrez ça euh, donc si vous typez vous pourrez l'avoir entièrement deux saisons, dès maintenant ça vaut le coup c'est le meilleur moment de tiper avant euh, la fin du mois c'est toujours le meilleur moment ce qui veut rien dire puisque techniquement c'est toujours le bon moment, hein, c'est le principe à bientôt, coup, bisous bisous euh, faites de beaux rêves et euh... bon, ah oui si je réponds quand même à cette question c'est quoi mon système de jeu ultime celui auquel je joue le plus, c'est quand même, je pense, Cthulhu Dark. Euh, un système comme ça, un système très simple, en D6. Où, euh... Mais j'aime bien D12. En vrai, franchement, plus j'y pense, plus un double D12, je trouve c'est pas mal. Mais bon. Euh, sur ce, bisous, bisous, bisous partout. Merci, Meok, merci, Castor Garou, merci, Mascox, euh, pour cette partie. c'est très cool. Et en vrai, ça faisait longtemps, oui. euh, Meok et Mascox. Vous manquez. Donc, euh, donc ça, fait, euh, ça fait très plaisir. Et euh... A cool. très bientôt. Et... Pareil, ah, putain, faut que j'y pense, mais bientôt, on fera aussi un live euh, global multi. Si jamais l'un de vous trois est intéressé, vous les trois, vous pourrez venir sans problème. A bientôt, faites de beaux rêves. Ciao Ciao, ciao Pour les gens je pense qu'on peut dire officiellement que meok a triché au dé je trouve ça honteux les gens euh, hashtag euh, la vérité sur Méoc.